Très bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Une fois encore, vous avez encore votre frère ici aujourd'hui, Malick Camara Sossoumangue. Bonjour. Nous vous retrouvons ici aujourd'hui encore ce matin avec notre cher invité, Monsieur Ibrahima Sori Détouré, IST. Il est journaliste, compétent, consultant incontournable, indépendant et en même temps ancien président de la société BSGR. Vous le connaissez mieux que moi. Il va nous expliquer. Et d'ailleurs, si vous êtes à côté de nos officiers et sous-officiers, dites-les de prendre un bout de papier et noter, commencer à noter dès maintenant. Pourquoi? C'est intéressant. Le monsieur, c'est une référence pour sa génération. Très bien. Et merci encore d'être avec nous ce matin. Relax, relax. Taguez-moi les officiers guinéens, s'il vous plaît. Tant qu'ils sont. Oui, c'est encore lui aujourd'hui ici avec nous. Partagez au maximum dans les groupes. Voilà. On sera mêlé. Vous l'écoutez, venez ici. C'est un messager, un compétent incontournable. C'est clair. C'est true. IST. Bonjour monsieur Yallo. Le libérateur. Merci encore d'être là ce matin, chez moi ici, alors c'est ce matin, je ne sais pas chez vous, mais ici c'est ce matin, d'être là avec nous. Vous avez un excellent technicien avec nous encore aujourd'hui, très efficace, dieu de l'intelligence, incontournable,
c'est Monsieur Touré IST. Un jeune, c'est une référence. Surtout, vous, les jeunes d'aujourd'hui, il faut être clair, honnête, digne, intègre. Vous savez, ce qu'on appelle l'intégrité, c'est être cohérent. Alors, je demande tout un jeune de la nouvelle génération être cohérent, juste, honnête, digne. Vous avez ce monsieur-là, ici, aujourd'hui. Monsieur Jean, bonsoir. Vous aussi, vous êtes des patriotes, hein, parce que partager les vidéos, ça vaut le coup. C'est être patriote sans quoi, mais non. Alors, partagez s'il vous plaît, partagez. L'invité sera là tout de suite. Ah, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Hey, taguez les officiers, surtout, parce que c'est là-bas qu'on distribue les grades, sans contrôle par affinité, juste pour détruire le pays. N'est-ce pas? On est brigand, on le fout dans l'armée pour être assassin autorisé. C'est ça. Pas d'éducation, rien. Et notre problème aujourd'hui vient de là-bas. Parce que l'armée, leur rôle, c'est de veiller strictement le mouvement de nos institutions. Ils sont là pour ça. C'est pas pour aller brigander, détruire la maison des gens. Non. Un officier ne travaille pas comme ça. Ou s'arrêter, mentir. Non. Voilà. Vive l'unité. Merci mon frère. Et Kamara, Kadiato, et Kamara, et Kamara, et Kamara. Partagez pour moi, s'il vous plaît. Très important. IST. Sortez de vos coquilles. Ce pays a besoin de vous. Surtout la jeunesse. Arrêtez d'embellir l'avenir d'une personne. Non, c'est pas bon. Si vous êtes vraiment des intellectuels, veillez assurer, n'est-ce pas, l'intégrité de ce pays. Rendre ce pays gouvernable. Une Guinée démocratique et prospère, comme l'a dit mon frère. Ok. Welcome, welcome everybody, welcome. Very happy to see you guys here with me today. Nice. Kadetri, bonjour. Bonjour.
Par Dongora et Akosi, Yandi partager ce message. C'est très important parce que c'est le monde qui nous regarde. Ce monsieur, c'est une référence. Monsieur Ibrahim Assori Touré, IST, juriste, journaliste, consultant indépendant et ancien vice-président de la société BSGR. Il est connu partout en Guinée. C'est un excellent juriste. Vous avez des questions ici aujourd'hui pour lui? Il va essayer de donner son best, ce point de vue par rapport à nos questions. Excellent intervenant. Très bien. C'est la Guinée qui gagne, hein? Pas d'exception, c'est la Guinée qui gagne. Ici, c'est une émission pour tout le monde, pour tout un Guinéen, conscient, démocrate. Pas d'ethnocentrisme ici chez moi, non. Un Guinéen est égal à un Guinéen. Dire à... C'est pas ici. Très bien! Je vais maintenant essayer de joindre notre invité. Je pense que tout est prêt là-bas. Fabi. Viens. Prose-toi. Mouraïne, babé. On va faire. Bisous, Morton, bonjour. Bienvenue. C'est prêt? On va se faire une vidéo. Allô? Oui, allô? Hey, monsieur Touré, bonjour. Ah, bonjour, monsieur Camara. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Ah, aujourd'hui. Aujourd'hui. Et puis, c'est... Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et puis, j'ai lancé un appel auprès des officiers en Guinée qu'ils viennent prendre note. Ça, c'est important. Très bien. Et ensuite, ça, c'est important. Les jeunes intègres, c'est-à-dire des Guinéens intègres, de venir avec nous et prendre note, aller enseigner. Très important. Parce que monsieur Touré ne blague pas. C'est clair. Très bien. Sans plus tarder, vous avez encore avec nous monsieur Touré. Je reprends. Monsieur Touré, Ibrahim, IST, juriste, journaliste, consultant indépendant, ancien vice-président de la société BSGR. Monsieur Touré, encore bonjour. Welcome. Bonjour monsieur Camara, bonjour à tous les auditeurs. Merci. Et bonjour à tous les patriotes guinéens. Merci. Sans plus tarder, à la demande de nombreux abonnés, parce que après votre passage, il y a eu des messages partout, qui nous demandaient si vous pouvez nous reparler l'élévation des grades dans l'armée et les modalités et leur attribution. De reprendre la partie parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, on distribue les grades n'importe quoi, par affinité. Comme de cacahuètes. Merci. Donc, si vous pouvez nous reparler l'élévation des grades dans l'armée et les modalités de leur attribution. Ça, c'est ma première question pour vous ce matin. Ok. Alors, je vous remercie, monsieur Camara, et merci à tous les patriotes guinéens, à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous suivent en direct. Parce que parler de la question de l'armée, c'est une question charnière de notre République.
C'est une question importante. Très importante. Donc, parler de l'élévation des grades dans l'armée, c'est aussi une question majeure. Oui. Comme on l'a constaté depuis presque le décès du président général Alassane Conté. Oui. L'armée guinéenne, certains se sont servis d'elle. Certains ont pris de l'argent supposé pour reformer l'argent, mmh. l'armée, mais ils ont pris cet argent-là, ils ont fait autre chose. Ils ont consulté leur propre armée et ils ont abandonné notre armée nationale. Ce qui ne se doit pas. Donc, ils ont fait en sorte que même pour faire la promotion dans le cadre des grades, mmh. il faut que ça passe soit par angle ethnique ou bien par angle communautaire ou par angle, je ne sais pas quoi, affinité, oui. etc., etc. Yep. Alors que l'armée est une institution. Oui. Une institution, c'est pas moi qui ai créé cette institution, c'est pas nous. Nos parents l'ont créé, ça a été créé depuis dans d'autres pays depuis longtemps. Bien ça, sûr. C'était pour garantir l'intégrité du territoire oui. de tous les pays. Oui. Donc l'armée, personne n'a le droit de blaguer. Non. Quand on vient, on doit respecter les règles telles qu'elles sont écrites. Yes. Donc très rapidement, pour satisfaire nos nombreux auditeurs, je vais reprendre sur ça. Oui. Donc l'élévation ou l'attribution des grades dans l'armée s'articule autour de deux points. Oui. Le premier point, c'est la durée dans le grade, la durée d'avancement dans le grade. Et le deuxième point, c'est la notation sur le tableau d'avancement. Mm-hmm. Lorsque vous allez voir qu'un militaire a progressé, on a augmenté son grade, ça dépend de ces deux critères. Le premier critère, la durée dans l'avancement. Oui. Le deuxième, c'est la notation sur le tableau d'avancement. Oui. Qu'est-ce que c'est la durée? La durée, c'est le temps qu'on perd dans un grade, dans un niveau, pour passer à un autre niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle la durée. Oui. Mais cette durée ne se fait pas comme ça. Il faut que ça dépende de ce qu'on appelle du comportement individuel, donc du comportement de tout un chacun. C'est ça qui est apprécié dans le temps. Oui. Donc l'armée telle qu'elle est organisée, nous allons essayer d'articuler notre raisonnement par rapport à la structure des différentes couches. Quand on voit, par exemple, au niveau des soldats, ce qu'on appelle des hommes de rang ou des hommes de troupes, oui. donc des soldats de deuxième classe, de première classe, ou des soldats, ce qu'on appelle le caporal ou le caporal-chef, quand on arrive à ce niveau-là, on dit que, quand on prend le domaine de la durée, on dit que la durée, ça va de 2 à 5 ans. Mm-hmm. Quel que soit l'homme, quel que soit ton affinité, quel que soit ton lien avec le chef d'état-major général ou le chef d'état-major particulier ou le ministre de la Défense ou oui. le président de la République, quel que soit ton statut, tu vas respecter cela. C'est-à-dire que tu vas rester 2 ans ou 5 ans pour passer au grade supérieur. Oui. Pourquoi la loi a dit dans la durée 2 ans ou 5 ans pour les hommes de troupes là, ce qu'on appelle les hommes de rang, c'est-à-dire ceux là de deuxième classe, première classe, le caporal et le caporal-chef. Pourquoi la loi a dit ça? La oui. loi a dit que c'est pour faire la part des choses. Parce que les premiers, ce qu'on appelle les plus bons, eux, ils font pas attendre, ils vont jamais attendre 5 ans. Les plus bons, eux, vont passer à partir de 2 ans. Mm-hmm. Donc 2 ans, les meilleurs, ils passent. Oui. Troisième année, les moins bons, ils passent. Et le reste attendront 5 ans pour passer au grade supérieur. Wow. Donc c'est ce qui se passe à ce niveau. Au niveau des soldats de deuxième classe, de première classe, du caporal ou du caporal-chef. Oui. Donc, mais vous ne pouvez pas passer. Qu'est-ce qui vous permet de passer? Il faut qu'on regarde. Il y a ce qu'on appelle là-bas un cahier de marche. C'est comme à l'école. Il y a une fiche que ton professeur note chaque oui. fois ton comportement. Oui. Donc ça s'appelle dans l'armée cahier de marche. Mais ce cahier de marche est détenu par un monsieur qu'on appelle le chef de l'effectif. C'est lui qui est le patron, qui apprécie tout le monde et qui apprécie. Chaque jour, il fait des notations. Il fait des notations chaque jour. Oui. Mais ces notations-là sont approuvées chaque 3 mois, donc chaque trimestre, ce qui fait un total de 4 fois dans l'année. Donc, les soldats de deuxième classe, de première classe, du caporal ou le caporal-chef, eux, ils sont notés chaque trimestre, ce qui fait 4 fois dans l'année. C'est à partir de ces appréciations-là qu'on va procéder à leur avancement. S'ils sont bons, 2 ans, ils quittent, ils vont au grade supérieur. Oui. Les moins bons, ils attendent 3e année, et etc., etc. Donc, pour nous résumer, oui. l'avancement dépend de 2 critères. Le critère de la durée, c'est fixé par la loi de l'armée, c'est de 2 à 5 ans. Et l'avancement sur le tableau, et la notation sur le tableau d'avancement, oui. ça aussi, ça dépend du comportement individuel de chaque soldat. Oui. Et qui est apprécié chaque trimestre, ce qui fait un total de 4 fois dans l'année. Oui.
Est-ce qu'on peut passer? Parce que là, cette partie-là, vous avez bien fait de dire aux gens de prendre des notes parce que j'ai pris tout mon temps de faire avec la plus grande lenteur possible pour que chacun de nous puisse avancer dans les très bonnes dispositions. Oui. Ça va là-bas? Très bien, non? Ah, ok. Vous Donc, pouvez pour continuer, on vous la... suit de près. Tout à fait. Oui. Donc, la seconde structure qui va suivre, Oui. il s'agit donc de la structure des sous-officiers. OK. Quand on prend les sous-officiers, il y a deux catégories de sous-officiers. Il y a une première catégorie qu'on appelle les sous-officiers subalternes, c'est-à-dire composés des sergents et des sergents-chefs, et les sous-officiers qu'on appelle les sous-officiers supérieurs. Les sous-officiers supérieurs sont composés des adjoints, adjudants, adjudants-chefs et majors. Donc, quand on prend cette catégorie, l'institution militaire te dit que, puisque ça dépend de deux critères pour avancer, le premier critère c'est la durée, et le deuxième critère c'est la notation sur le tableau d'avancement. Dans le premier critère qui est la durée, l'institution militaire te dit, oui, quand tu arrives à ce stade-là, tu dois attendre 4 ans jusqu'à 7 ans pour passer au grade supérieur. 4 ans, 7 ans pour passer au grade supérieur. C'est-à-dire pour tous les sous-officiers, sergents, sergents-chefs, adjudants-chefs majors, vous attendez 4 ans jusqu'à 7 ans pour passer au grade supérieur. 4 ans pour les meilleurs, 5 ans pour les moins bons, et le reste attendront 7 ans pour passer au grade supérieur. Mais, comme toute bonne institution, toute bonne institution est réglementée par des lois, et chaque loi a des exceptions. Au niveau de cette catégorie, il y a une exception. Par exemple, quand vous êtes sergent, la loi vous dit non, vous n'allez pas attendre 4 ans. Une fois que vous êtes sergent pour passer au grade de sergent-chef, vous attendez directement 3 ans pour passer au grade supérieur. Donc, une fois que vous êtes sergent, vous passez au grade supérieur à partir de 3 ans. Donc, c'est l'exception à cette règle. Sinon, vous attendrez de 4 ans à 7 ans pour passer au grade supérieur. Si vous êtes bon, vous attendez la quatrième année. Moins bon, vous attendez la cinquième année. Et si vous êtes vraiment soldat un peu, voilà, qui ne suit pas un peu les conduites comme il faut, vous attendez la septième année pour passer au grade supérieur. Supérieur, oui. Du deuxième critère, qu'on appelle la notation sur le tableau d'avancement, là aussi, vous avez affaire avec votre commandant de compagnie, là-bas, qui vous apprécie chaque 6 mois, c'est-à-dire semestriellement, ce qui fait un total de 2 fois dans l'année. Donc, vous allez comprendre que les sous-officiers subalternes, les sous-officiers supérieurs, toutes les catégories de sous-officiers sont notées seulement que 2 fois par an. C'est-à-dire, chaque trimestre, on procède à la notation. Dans la notation, on va dire, ouais, monsieur Camara s'est bien comporté. Quand il a pris la permission, il est parti au Québec. Il est revenu à temps. Il n'a pas dépassé. C'est vraiment bon. Donc, on regarde tout ça. On dit, ouais, il n'a pas vendu de la drogue. Il s'est bien, vraiment, ça, c'est vraiment une bonne conduite. C'est ça qu'on apprécie sur le tableau d'avancement. Background. Donc, c'est ce qui. Allô? On appelle ça ici background. Voilà. Donc, c'est ce qu'on apprécie sur la conduite individuelle Oui. de chaque soldat. Qu'est-ce qui se passe au niveau des officiers supérieurs? Oui. Je vais rappeler à nos auditeurs que les officiers supérieurs sont de 3 ordres. Il y a ce qu'on appelle les officiers supérieurs, les officiers subalternes, je vais dire les officiers subalternes. Il y a ce qu'on appelle les officiers supérieurs et les officiers généraux. Oui. Mais si nous prenons la catégorie des officiers subalternes, c'est-à-dire les aspirants, les sous-lieutenants, les lieutenants et les capitaines, la loi te dit sur les deux critères que la durée également, ça va de 4 ans à 7 ans. 4 à 7 ans pour avancer. 4 ans pour les plus bons, 5 ans pour les moins bons, et les restes attendront jusqu'à la 7e année pour passer au grade supérieur. Quant à leur notation, parce qu'on a dit que c'est deux variantes, la première variante c'est la durée, la deuxième variante c'est la notation. Quant à leur notation, donc vous attendrez jusqu'à, vous êtes noté une fois par an. Donc, voyez-vous, quand on est au niveau des soldats supérieurs, ce qu'on appelle les officiers supérieurs, et ils ne sont pas comme les officiers subalternes, donc les officiers de deuxième classe, là, les soldats de deuxième classe ou de première classe, ce n'est pas des soldats mineurs, c'est vraiment des gens qui ont déjà fait des études, qui ont déjà progressé, ils savent déjà qu'est-ce que c'est la conduite au niveau de l'armée. Donc, eux, ils sont appréciés seulement une seule fois, ils sont notés une seule fois dans l'année.
par les commandants de compagnie. Oui. Et donc, qui remet les dossiers d'annotation au chef du corps. Mmh. Donc, voilà comment ça se passe au niveau des officiers qu'on appelle les officiers supérieurs. C'est-à-dire des aspirants, des sous-lieutenants, des lieutenants et des capitaines qui constituent ce qu'on appelle une classe de catégorie qu'on appelle des officiers subalternes. Tu peux me reprendre? Oui, si c'est possible, oui. Alors, je résume. Okay. Je dis, quand on parle des officiers supérieurs, nous avons trois ordres. Le premier ordre, c'est les officiers subalternes, oui. Les officiers supérieurs et les officiers généraux. Au niveau des officiers subalternes, comme exemple, nous avons les aspirants, les sous-lieutenants, les lieutenants et les capitaines. Nous avons dit que eux, dans la durée, eux, ça se passe entre 4 ans à 7 ans. 4 ans pour les bons, 7 ans oui. pour les restes et 5 ans pour les moins bons. C'est ce qu'on a dit. Donc la notation, on a dit qu'ils sont notés seulement une seule fois par an. C'est ce qui se passe dans cette catégorie de l'armée. C'est-à-dire que des officiers subalternes. Quand on prend les officiers supérieurs, eux aussi se composent de trois catégories. C'est-à-dire les commandants, le lieutenant-colonel, par exemple, et le colonel. C'est la classe d'officiers qu'on appelle les officiers supérieurs. On dit que eux, leur durée, selon l'institution, ça va de 5 ans jusqu'à 9 ans. Oui. 5 ans à 9 ans. Ça veut dire quoi? Même si vous êtes chef de l'État, monsieur Malik, vous êtes chef de l'État, vous avez votre cousin qui est commandant, il ne peut pas passer au grade de colonel s'il n'attend pas 5 ans. C'est obligatoire. Même s'il est avec vous, même s'il déjeune avec vous, oui. Même si vous l'aimez comme ça, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Oui. Vous attendez 5 ans jusqu'à 9 ans pour qu'il passe au grade supérieur. Donc la durée de l'avancement, c'est 5 à 9 ans. 5 ans pour les bons, 6 à 7 ans pour les moins bons, et 9 ans pour le reste. C'est obligatoire. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Donc, la notation aussi, au niveau de cette catégorie de l'armée, ça se fait une seule fois pour le commandant, pour les lieutenants-colonels ou pour le colonel. La notation sur le tableau d'avancement, ça se fait une seule fois. C'est là qu'on dit, ouais, tout va bien avec les conduits, tout va bien, parce que c'est des soldats majeurs. Donc, voilà, il n'y a pas trop de calculs à faire là-bas, donc ils sont notés seulement une seule fois par an. Très bien. Et si vous pouvez me permettre, je vais revenir sur l'exception ici qui est dédiée au niveau des officiers supérieurs. Allez-y. C'est par exemple au niveau du grade de lieutenant, n'est-ce pas? Oui. Si vous êtes lieutenant, obligatoirement la loi vous accorde 3 ans. Dans l'espace, vous avez 3 ans du grade de lieutenant, 4e année, vous passez au grade de capitaine. Donc comme je l'ai dit, dans leur catégorie, normalement, eux, ils devaient attendre, voilà, comme je l'ai dit, 4 à 7 ans. Mais la loi vous dit, si vous êtes lieutenant, vous passez directement au grade de capitaine après 3 ans. Très bien. Vous comprenez là-bas? Oui. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de l'avancement des grades, au niveau de nos institutions. Très bien. Après les officiers qu'on appelle les officiers supérieurs, il y a une catégorie des officiers qu'on appelle les officiers généraux. Les officiers généraux, comme on le dit, ce sont des officiers qui portent des grades d'étoiles. Par exemple, 2 étoiles pour le général de brigade, 3 étoiles pour le général de division, 4 étoiles pour le général du corps d'armée, et le général d'armée, le patron qui chapeaute ça. Alors, ces généraux-là, et comme on le dit, quand vous êtes général de division, vous attendez 2 fois parce que vous portez le grade de 2 étoiles, 2 ans, la 3e année, vous passez au grade de général de division, si vous êtes bien apprécié, et si le conseil supérieur de la défense, n'est-ce pas, ne recuse pas votre dossier. Donc vous allez passer à la 3e année au grade de général de division. Si vous êtes général de division, vous attendez obligatoirement 3 ans, parce que vous portez 3 étoiles, à la 4e année, vous passez au grade supérieur, c'est-à-dire au grade de général du corps d'armée. Et si vous êtes général du corps d'armée, vous portez le grade de 4 étoiles, à la 5e année, vous passez au grade de général d'armée, donc le patron des patrons. Et l'équivalence du général de brigade au niveau de l'armée de mer, c'est l'amiral d'escorte. L'équivalent du général de division au niveau de l'armée de mer, c'est le contre-amiral. L'équivalent du général du corps d'armée, ça s'appelle le vice-amiral au niveau de l'armée de mer. Et l'équivalent donc du général d'armée, ça s'appelle amiral.
au niveau de la mer, de l'armée de mer. Si vous pouvez vous intéresser aussi à l'aviation militaire, parce que c'est les trois catégories de l'armée, comme je vous ai toujours dit, l'armée comprend l'armée des terres, l'armée de l'air, l'armée des mers. Donc au niveau de l'armée de l'air aussi, l'équivalent du général de brigade, ça s'appelle le général de brigade aérien, le général de brigade, le général de division aérien, pour l'armée, pour le général de division, et aussi le général du corps d'armée aérien, pour ce qu'on appelle le général du corps d'armée et le général d'armée aérien. Donc, à cette catégorie-là, il n'y a pas trop de complications dans l'appellation, dans ce qu'on appelle le contexte de l'armée de l'air. Pourquoi on cite ça comme officiers généraux? Oui. Parce que c'est des officiers qui appartiennent à une catégorie qu'on appelle la haute dignité de l'État, qui parle de la haute dignité de l'État, mais parle plus de l'implication d'une seule personne, donc d'un seul individu. Puisque dans l'interview passée, nous avons rappelé quels sont les patrons qui ont les portefeuilles de procéder à la formulation des actes d'élévation de grade au niveau de l'armée. Oui. C'est-à-dire que le chef d'état-major particulier, le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, le président de la République. Mais arrivé au niveau du président de la République, nous avons rappelé que le président, même s'il est le président de la République élu au suffrage universel, oui, il n'a pas ce qu'on appelle tout le pantalon, je dis bien, j'insiste le mot, tout le pantalon, oui, pour procéder à la nomination des officiers qu'on appelle les officiers généraux. Parce que là, cette catégorie-là passe directement par l'appréciation de quelque chose qui entoure la structure de l'institution qu'on appelle le Conseil supérieur de la Défense. De la Défense. Oui. Ce Conseil supérieur de la Défense, il n'est pas mis au hasard. Ce Conseil supérieur de la Défense, il est mis pour protéger les chefs de l'État. Parce que l'armée, son travail, comme on appelle, officiel, traditionnel, ce n'est pas de diriger le pays, c'est d'assurer la défense et l'intégrité du territoire. C'est ça la mission de l'armée. Mais il arrive que pendant les élections, que les gens viennent des partis, parce que c'est les partis selon les constitutions qui envoient les candidats au niveau de la présidence de la République. Donc, il arrive que ces partis présentent, par exemple, des dames, des messieurs qui n'ont jamais eu connaissance d'aucune notion militaire. Donc, il arrive que ces messieurs accèdent à la magistrature suprême de la République. Ils ne connaissent pas l'armée, ils ne connaissent pas l'institution, ils ne savent même pas comment ça se fait. C'est pourquoi l'institution militaire s'est fait doter de cette structure-là pour aider les chefs de l'État, parce que c'est ce que les constitutions disent. Une fois que vous êtes chef d'État, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez n'importe qui, un civil, vous êtes officiellement le commandant en chef des forces armées. Donc vous êtes le patron de l'armée. Vous êtes le commandant en chef des forces armées de votre pays. Aux États-Unis, Biden est le commandant en chef des forces armées américaines. Oui, oui. Et partout en France, Macron, c'est le chef d'État, c'est le commandant en chef des forces armées françaises. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Mais cette institution, oui, si vous n'êtes pas militaire, vous ne connaissez pas comment ça se passe, l'attribution des grades dans l'armée, comment ça se passe l'élévation, comment les structures, comment on parle de la notation, comme je le dis là, ou comment on attend, comment on appelle, la durée d'avancement dans les grades. Vous savez pas ça. Vous êtes un homme politique, vous connaissez tout sauf l'institution militaire. Donc c'est pourquoi, à ce niveau-là, le Conseil supérieur de la Défense vous dit, ah, monsieur le président, sous session, vous allez attendre un tout petit peu, nous allons apprécier ce qu'on appelle le dossier de celui que vous avez proposé pour être au grade de général de division. Parce que nous pensons que il ne remplit pas tous les critères. Premier critère, on peut dire oui, c'est un monsieur qui a fait tous les échelons de l'armée, mais il n'est pas d'origine, il n'est pas guinéen à 100%. Ou alors, s'il est guinéen à 100%, sa femme n'est pas guinéenne. Vous comprenez? Donc, on tient beaucoup de dossiers un peu multipliés pour essayer de sortir ce critère. Pardon, monsieur Touré, pouvez-vous nous éclaircir un peu la partie là? Parce que c'est important. Savoir, okay, est-ce que le monsieur est guinéen ou il est d'origine américaine ou sa femme? Ça dit, pourquoi cette question? Pourquoi? Ah, ça, c'est une question qui, normalement, qui retient un peu l'attention des gens qui sont avertis. Vous savez, l'armée, comme on le dit, elle est préparée pour assurer la protection du territoire. Mmh. Elle est préparée pour assurer la défense et l'intégrité du territoire. Mmh. L'armée, c'est un, si vous voulez, c'est un métier noble, ouais, un métier de sacrifice.
C'est un métier, pas de bonheur, mais un métier d'honneur. D'honneur. Donc, c'est un métier patriotique. C'est un métier qui fait don de vie, don de sang et don de vie. Donc, quand ça ne va pas, c'est l'armée qui se lève au premier lieu pour monter, pour assurer ce qu'on appelle la défense guerrière, pour assurer l'intégrité, la sécurité, l'intégrité du territoire. Donc, pourquoi cette question? Quand vous avez affaire à un pays et que il se passe des moments où, par exemple, on dit oui, pour une question d'intérêt, ce pays-là ne conjugue pas le même verbe avec un autre pays. Conflit d'intérêt. Par exemple, si je prends le cas du général Moutaga, il y avait un Guinéen, vraiment Guinéen, mais Sénégalais sur papier, qui a fait tous les échelons de l'armée sénégalaise, qui a étudié dans toutes les grandes écoles militaires de la France, qui est Sénégalais sur papier, qui a fait tous les échelons. Il est parti jusqu'au niveau du chef d'état-major adjoint de l'armée sénégalaise. Mais quand il a été question de le nommer comme chef d'état-major général, par exemple, de l'armée, le Conseil supérieur de la défense sénégalaise s'est réuni pour dire attention, le mec, il est bon, il a des bonnes études, il connaît toute la structure de l'armée, il connaît toute la nomenclature, c'est un grand monsieur, c'est un grand homme, mais du fait qu'il est guinéen, franchement, nous avons décidé de récuser, monsieur le président, cette nomination. Ce n'est pas la peine qu'il vienne occuper le poste de chef d'état-major général de l'armée. Parce que si demain, il y a un problème entre la Guinée et le Sénégal, il a le sang guinéen, il sera obligé de défendre l'intérêt de la Guinée. Conflit. Ce qui fait que le monsieur, il a été récusé. Moutaga Diallo, il a été récusé. Et le président de la République sénégalaise, pour le soulager, il l'a nommé comme ambassadeur. Donc, il est parti comme ambassadeur. C'est un grand monsieur, parce que ce monsieur-là, il a même assuré un portefeuille très important au niveau de la mission de Casse Bleue, là, au Congo, etc., etc. Donc, c'est un grand patron, c'est quelqu'un qui connaît vraiment l'armée, l'institution militaire. Il a beaucoup laissé ses traces et c'est un mec respectable. Donc, voilà. C'est pour cela que le président de la République ne décide pas là-bas. Quand on dit nomination du général, le président de la République recule. Il envoie le dossier au niveau du Conseil supérieur de la défense. C'est le Conseil qui apprécie, parce que le Conseil est composé de qui et qui et qui. Le Conseil supérieur de la défense est composé, un, des représentants du gouvernement, c'est-à-dire que le ministre de la Défense nationale, le représentant de l'institution judiciaire, c'est-à-dire de la Cour suprême de votre pays, appelez ça Cour de cassation ou cour constitutionnelle comme vous voulez, selon les pays. Vous avez aussi le représentant de l'Assemblée. Donc, le représentant de l'Assemblée, c'est-à-dire l'organe qui légifère les lois, etc., etc. Donc, ce sont ces membres-là qui sont dans ce Conseil supérieur de la défense. Et comme aussi des anciens militaires, des militaires qui ont fait leur preuve de loyauté au service de la nation, qui ont été comptés, donc, pour être, n'est-ce pas, dans cette catégorie. Donc, c'est pas n'importe qui siège au Conseil supérieur de la défense. C'est des gens qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain. C'est des gens qui ont beaucoup peiné ou beaucoup défendu le pays, qui connaissent beaucoup d'informations. C'est ces gens-là qu'on loge au niveau de cette institution-là. Ce n'est pas n'importe quelle institution. Si vous voulez, c'est une institution qui est tellement reculée, elle est calme, elle ne parle pas. Cette institution ne parle pas. Donc, l'institution ne fait qu'apprécier quand il s'agit de nommer des personnalités-là qu'on appelle dans les rangs de haute dignité de l'État. C'est pourquoi les grades des généraux, on dit, c'est des grades de haute dignité de l'État. Parce que ça ne dépend pas de l'appréciation du seul chef de l'État. Ça dépend de l'appréciation du Conseil supérieur de la magistrature pour empêcher que le Conseil supérieur de la défense, excusez-moi, je parle souvent de magistrature. Non, il n'y a aucun problème. Je suis du corps de droit. Non, il y a aussi de ce côté-là ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature aussi qui sait ce qu'on appelle le comportement des magistrats, etc., etc., etc. Oui. Donc, le Conseil supérieur de la défense, pour revenir sur ça, est un organe important dans la nomination des officiers supérieurs parce qu'il ne faut pas mettre n'importe qui à la tête de n'importe quelle institution. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'un chef d'état-major général a supposé que Moutaga était le nommé chef d'état-major de l'armée sénégalaise. Qu'est-ce qui va se passer? Si la Guinée et le Sénégal est en péril, qu'est-ce qui va se passer? On dit que le chef d'état-major général est l'auxiliaire direct du président de la République. Donc, en cas de problème, c'est le chef d'état-major général qui prend le commandement du pays, les reins du pays, et devient automatiquement le patron du pays. Parce que tout le gouvernement est dissous
Mais c'est l'armée qui fait le commandement, c'est l'armée qui va réguler ce qu'on appelle des différents services de la sécurité. L'armée va jouer même le rôle de la police, la gendarmerie, etc., etc. Donc c'est l'armée qui prend le commandement. C'est l'armée qui va payer les gens, c'est l'armée qui va assurer. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'arriver à ce stade-là, il faut que les militaires fassent courage de beaucoup de formations. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait le cours d'état-major, de cours de CID, là, de cours interarmées de défense, tu peux pas arriver à ce truc. Donc, on ne doit pas nommer n'importe qui à ce poste. Premièrement, si tu n'as pas été outillé, tu n'as pas été bien formé. Deuxièmement, si tu n'es pas guinéen 100% et que la composante même de ta famille soit aussi composée des guinéens 100%. Sinon, ça peut pas être un poste pour n'importe qui. Parce que le jour où ça ne va pas, ça sera dangereux de voir que les secrets de l'État puissent fuir vers l'autre pays qui est qu'on appelle le pays ennemi. Très bien. Donc, c'est regrettable aujourd'hui que Sadiba Koulibaly, que un monsieur que vraiment, je sais pas, il est malien ou quoi là, vraiment, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable de voir des gens qui occupent à ce portefeuille-là dans notre armée. Ce n'est pas bien. Notre armée, c'est une armée de tradition. Nous avons défendu des pays comme la Guinée-Bissau, comme l'Angola. Nous avons été au Vietnam, nous avons fait un tour en Algérie, etc., etc. Donc, nous sommes une deuxième puissance. Nous étions une deuxième puissance militaire en Afrique. Donc, ce n'est pas. Ce n'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Guinéens? Il n'y a pas quelqu'un Il y en a plein. d'autre Guinéen qui a le sang 100% Guinéen, dont sa famille est composée de 100% Guinéens. Il Plein. faut arrêter de faire ces bêtises-là. Je me rappelle que même les élections, entre guillemets, j'ouvre cette parenthèse si vous me permettez, Oui. les élections de 2010, ils ont fait venir un autre Malien pour être le président de notre CENI. Des institutions comme ça, vous faites venir un Malien pour. C'est comme des autres sont des imbéciles. Comme il n'y a pas de. Arrêtez ça, franchement. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. C'est Faut déshonorable, arrêter frère. ça. Faut arrêter ça. Moi, je pense que l'institution militaire doit être protégée. L'armée doit être protégée. C'est regrettable parce que ce que Alpha Condé il a fait, malgré le fait qu'il a pris de l'argent, il a dit, je vais réformer l'armée. Voilà ce qui se passe à son départ. Cette armée est devenue autre chose. Vous comprenez? Très bien. Voilà. Voilà. Madame et monsieur, vous allez prendre du temps parce que vous avez beaucoup de questions aujourd'hui pour monsieur Touré. C'est une question de temps et la patience. Partagez surtout dans les groupes, c'est intéressant et en même temps instructif. Okay? Très bien, nous allons passer maintenant du sujet du jour. Le sujet du jour, c'est quoi? C'est de nous parler de la transition. Monsieur Touré, parlons maintenant de la transition. Qu'est-ce que c'est qu'une transition militaire? Quels sont ses organes, ses rôles? Comment les mettre en place? Ah, monsieur Camara, vous savez, Oui. avant de répondre à votre question, Oui. je veux d'abord vous dire un seul mot. Oui. Je veux vous dire d'abord, si vous n'êtes pas guinéen, patriote, vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là. Ça, je vous le dis la vérité. Je vous crois. Je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas guinéen, Oui. patriote. Vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là. Oui. Parce que, malheureusement pour notre pays, les gens, les politiques, ils ont fait un travail que, quand on parle, par exemple, on te calcule dans ton angle ethnique. Voyez-vous, on te calcule dans ton angle ethnique. Oui. On te calcule dans ton angle d'intérêt, etc., etc. Donc, si tu n'es pas patriote, tu peux pas parler de ces questions-là. Tu réserves ça pour toi, Oui. pour ton cursus universitaire, pour ce que tu as appris, Oui. pour ta famille et pour demain, pour ton pays. Parce qu'un homme Et est après, appelé demain à servir son pays. bien sûr. Donc, à titre d'information, Oui. on ne peut pas donner des leçons académiques sur la transition. Comme on le dit, quand on dit transition, on dit c'est le passage d'un État. Quand je dis État, je parle d'État avec petit E. D'un État à un autre. C'est quoi petit E? Par rapport à grand E, quand je dis État petit E, il s'agit de
la situation de quelques sauges. Alors que État grand E, il s'agit de pays comme États-Unis, comme la France, etc., etc., la Guinée. Donc voilà. Donc c'est le passage d'un État, d'une situation à une autre. Ça veut dire dans la compréhension générale que la transition, elle est calculée dans un angle qui est défini de manière très très courte, courte durée. Donc je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que il y a des gens qui font une mauvaise lecture sur cette compréhension de la transition. Il y en a qui tendent à qualifier la transition comme un mandat. C'est-à-dire faire de la transition comme quelque chose de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Aux États-Unis, un mandat présidentiel aux États-Unis, c'est combien d'années? 4 ans. C'est 4 ans. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu bénéficies ces 4 ans? Il faut que tu portes ta candidature au niveau du parti, soit républicain ou démocrate. Oui. Que les Américains votent pour toi. Toi. Et que tu bénéficies de la confiance qu'on appelle en droit le suffrage universel pour être là-bas élu et pour bénéficier ces 4 ans de règne. Oui. Mais pourquoi on peut dire que dans une situation où on a pris un pouvoir, parce que tout simplement, il est intervenu parce qu'il y a eu un gouvernement précédent qui faisait des bêtises, qui faisait de la dictature, qui faisait la méconnaissance de droit, qui se connaissait comme un roi sur terre, etc., etc. Donc on l'a balayé pour un peu nettoyer et préparer les échéances futures et faire revenir ce qu'on appelle l'état de droit. Donc c'est pour cela qu'on prend conscience de s'engager dans un projet qu'on appelle projet de transition. Pour tout vous dire, tout projet de transition, comme on dit, toute prise de pouvoir en dehors du vote, c'est un projet illégal. Je voudrais vous dire que pour être président de la République, il faut passer au suffrage universel, être présenté par un parti, et que les gens votent pour vous. Ensuite, si vous êtes gagnant, vous présidez les destinées de l'État pour un délai prévu par votre constitution. Mais quand vous venez par un coup de force, ça peut arriver, parce que ça est arrivé dans les États modernes. En Allemagne, par exemple, l'Allemagne a connu ce qu'on appelle la transition, mais parce que vous savez pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, tout le gouvernement était en panique, les gens ils ont fui, il y a eu ce qu'on appelle une dislocation totale du politique, du social, du culturel, tout. Donc il fallait mettre un gouvernement de transition. L'Espagne aussi a connu la même chose. Je parle des États modernes. Alors si je recopie tous ces exemples-là par rapport à ce qui se passe en Afrique et principalement en Guinée, on quitte d'une situation où quelqu'un fait 2 mandats, il dit non, je vais continuer. Il falsifie une constitution, il se met garant et il continue. Tout ce qui est bien, c'était de l'avoir balayé, cette merde-là, parce que continuer un troisième mandat, c'est une merde pour le pays. Oui. Une merde pour le pays, une insulte. Désastre, oui. Donc, mais quand vous arrivez à ce stade-là, vous devez savoir que vous êtes arrivé, c'est pour faire ce qu'on appelle un temps court, balayer la maison, organiser les échéances futures et remettre le pouvoir aux civils ou aux militaires éventuellement qui va enlever, parce que c'est pas interdit. Il y a des conditions pour qu'un militaire vienne au pouvoir. Il y a des conditions pour qu'une femme vienne au pouvoir. Donc il y a des conditions pour que tout national vienne au pouvoir. Donc c'est pas interdit, c'est la loi qui offre cette opportunité à tout le monde. Donc vous organisez ce temps-là, vous faites votre toilettage comme ça se fait, et vous organisez les élections inclusives pour permettre à tous les Guinéens candidats de se faire représenter et d'être candidats à cette magistrature suprême de la République, et basta. Vous remettez les pouvoirs et vous partez. Donc ça ne peut pas se faire dans un temps trop long, sinon ça devient un mandat. Ça ne peut pas se faire dans un temps trop long, sinon ça devient une période d'exception. Vous savez, des périodes d'exception, ça peut arriver. Un tremblement de terre peut arriver sur un pays, une catastrophe naturelle plus grave, ça peut arriver sur un pays, qui peut faire durer beaucoup de gens dans beaucoup de temps pour que des décisions politiques puissent être prises de nouveau pour faire confier les destinées d'un pays dans les mains d'un groupe. C'est ça la politique. Donc, mais si tous ces cas-là n'existent pas, rien de tout ça n'existe pas, ce qui existe, c'est le fait de dégager un présumé chef de l'État qui se fait élire pour un troisième mandat et vous montez au pouvoir, vous fixez les règles de la transition au nom du seul fait que ce qu'il faisait, c'était la gabésie financière,
c'était de l'injustice sociale, l'instrumentalisation etc. de la justice. Donc c'était le favoritisme, c'était le népotisme, tous ces trucs-là, vous faites bonne peinture, mais après vous engagez à remettre les pouvoirs sur les bons rails, le pays sur les bons rails. Mais malheureusement, si vous mettez trop de temps, vous n'êtes plus dans le cadre de la transition. Parce que la transition, comme je l'ai dit, c'est calqué sur l'idée de quelque chose qui est court, qui va se passer vite et vite fait. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous travaillez avec les pays, vous travaillez avec les institutions. Les institutions là, les pays là, ils en ont marre de vous regarder, même de collaborer avec vous. Oui. Le pays, malheureusement, a des ambassades. Les ambassades des États-Unis sont là-bas, la France, etc. Mais des gens, ils font trop de calculs même pour se lever, pour vous dire bonjour. Parce que vous n'êtes pas dans un cadre légal. Il faut, dans tous les pays, on doit rechercher ce qu'on appelle la légalité. Oui. La légalité. Oui. La légalité, c'est un facteur majeur de gouvernance. Donc, si on a pris le pouvoir, on doit faire vite pour clôturer cette phase de la transition et remettre le pouvoir acquis de droit par la voie du vote, ce qu'on appelle du suffrage universel. Donc, ça, c'est une définition qu'il faut expliquer. Je ne suis pas passé par la définition académique. J'explique ici de manière très simple pour que les uns et les autres comprennent que la transition, c'est pour une courte durée. Faire un toilettage. C'est pas un mandat. Remettre le pouvoir aux civils. C'est pas un mandat. Remettre le mandat à qui de droit? À ceux qui vont se présenter, à la personne qui va être élue par le suffrage universel. Oui. Donc, maintenant, les organes liés à la transition. Mmh. Comme je vous ai toujours dit, la transition, c'est pas quelque chose de légal. C'est pas quelque chose de légal. Donc, la loi n'accorde pas d'organes, naturellement, à quelque chose qui n'est pas légal. Mais, comme on le dit, c'est une organisation humaine. Donc, il y a certaines personnes, certains juristes se forcent à reconnaître que il faut habiller la transition. Il faut l'accorder certains organes, tels que le CNT. C'est-à-dire que dès que vous venez au pouvoir, on dit, ah ouais, la première déclaration, on dit, l'armée a décidé ou tel groupe a décidé de prendre le pouvoir. Les institutions républicaines sont dissoutes. Quand on dit institutions républicaines sont dissoutes, on parle de qui? On parle de l'Assemblée, on parle de etc., etc. Ouais. Toutes les institutions sont dissoutes. Mmh. Ça veut dire que ils ont dégagé tout le monde et c'est un seul groupe, une seule entité maintenant qui se lève pour prendre les destinées du pays. Mais les gens qui se sont battus pour la naissance de la République, parce qu'avant le monde était dans la monarchie, le monde était dans le royaume, etc., etc. Les gens qui, dans l'idée et dans les ouvrages, se sont battus pour cet esprit de répartition du pouvoir tel que les Montesquieu, ils se sont dit, tout homme qui a pris un pouvoir et qui a tendance à continuer a également tendance à en abuser. Donc, il faut créer toujours un pouvoir pour arrêter le pouvoir. Donc, ils ont dit, il faut faire des aménagements pour que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est pourquoi, quand vous venez en tant qu'organe, même si vous êtes autoproclamé, à côté, vous devez créer une institution qui va continuer avec vous, qui va collaborer avec vous dans votre gouvernance. C'est pour que dès que les gens viennent, ils créent ce qu'on appelle une institution qu'on appelle le CNT. Pour eux, selon chaque personne peut créer selon son goût ou selon son appellation, c'est-à-dire le Conseil national de la transition, un Conseil national de la transition qui prend l'office de l'Assemblée nationale. Mais ce conseil n'est pas assemblé parce que les gens qui siègent dans ce conseil ne sont pas élus. Non. Malheureusement. Donc c'est pour cela que vivre dans l'illégalité est très difficile. C'est très très difficile. La couverture est très très difficile. Parce que le pays, c'est une institution. Le pays, c'est la loi. Donc pour que les hommes et les femmes représentent le pays, il faut que ça soit sur la base de l'égalité. Donc il crée le Conseil national de la transition comme organe. Et ce Conseil national de la transition, son rôle numéro un, c'est quoi? C'est de regarder la situation, autoriser donc le président de la République, premièrement, à prendre des actes par voie de décret, par exemple, parce que vous allez constater vous-même, dès qu'il y a putsch, les premiers actes qui passent sous les antennes des radios ou télé, on dit ordonnance. La loi te dit ordonnance, pourquoi? Ordonnance numéro 001, ordonnance numéro 02, ordonnance tant, pourquoi? Parce que la loi suppose que vous êtes venu, vous avez suspendu toutes les institutions clés, donc vous avez balayé tout le monde. Yeah. Donc, en l'absence des institutions clés, comme l'Assemblée et tout ça, la loi au moins donne l'autorisation au chef qui est là de prendre par ordonnance des décisions régalières pour que le pays soit administré, pour ne pas que le pays soit arrêté.
Donc c'est là que le président Haruna numéro tant. Nous allons créer un CNT tant. Le président du CNT, ordonnance numéro 2, t'appelle tant. Ordonnance numéro 3, le premier ministre est nommé tant. Le gouvernement, la structure du gouvernement. Donc il y avait ordonnance jusqu'à la création du CNT. Une fois que le CNT est créé, le CNT fasse le ménage, le CNT va dire ok, monsieur le président de la junte, à partir de l'instant, on vous reconnaît que vous collaborez avec nous, mini-assemblée. Donc nous allons vous aider à ce que les tâches de la République soient achevées. Et par voie de fait, nous vous accordons premièrement de prendre maintenant les décisions par voie de décret. Donc à partir de l'instant, le président commence par ses actes par voie de décret pour dire décret numéro 1, on va nommer les structures du gouvernement, décret numéro 2, les ministres sont nommés, les directeurs nationaux, etc., etc., etc. Donc voilà, le président évolue maintenant dans le cadre de décret parce que à côté, il y a ce qu'on appelle une mini-assemblée qui est appelée le CNT, qui assure premièrement le contrôle de l'action gouvernementale, parce qu'il faut contrôler l'action gouvernementale. Il ne faut pas que les gens fassent des bêtises, fassent n'importe quoi. Et deuxièmement, qui doit aider à ce que les lois qu'on a reprochées, qu'elles étaient des lois caduques, donc dépassées ou mauvaises, ou suspendues, soient renouvelées ou créées de nouveau. En droit, on appelle cette étape-là le pouvoir constituant originaire. Pourquoi le CNT est appelé en droit pouvoir constituant originaire? Parce que sa mission numéro un, c'est de créer un pouvoir constitué, donc un pouvoir dérivé. Donc, quand on dit pouvoir dérivé, c'est d'abord un pouvoir qui va se décider de donner les mains au pouvoir qui va être venu de manière légale, donc de manière électorale, donc voilà, de manière acceptée par tout le monde, par tout le peuple. Donc voilà. Donc, dire qu'il faut, quels sont les organes de la transition, la loi ne donne pas un organe à la transition. C'est une erreur. Parce que la loi ne peut pas donner des organes à la transition. C'est comme si, pour dire que, expressément, oui, nous reconnaissons les coups d'État. Oh, pourtant, les coups d'État sont bannis dans les pays. Les coups d'État sont bannis dans les institutions. C'est pourquoi quand il y a un coup d'État dans les pays, même les États-Unis, ils ont dit, on a appris le changement de pouvoir en Guinée. Les États-Unis prennent acte du changement. Ils vont jamais dire nous soutenons, etc., etc., parce que personne ne soutient. La CEDEAO, tout le monde fait des actes comme ça, traditionnels, pour dire oui, on a vu par voie de fait un changement dans le pays, nous prenons acte, nous demandons aux nouvelles autorités de collaborer, nous allons vous accompagner, etc., etc. Donc voilà. Parce que personne ne dit expressément oui, nous soutenons le coup d'État, parce que c'est illégal. Et quand c'est fait, tous ces organes-là que je viens de dire, les institutions régionales ou africaines ou internationales vont faire des actes, les deuxièmes actes pour dire oui, puisque la situation elle est acceptée dans le pays, nous allons donc collaborer avec vous pour vous accompagner, pour que le pouvoir soit remis dans les mains des gens qui viendront de manière élue. Donc voilà ce qui se passe dans le truc. Donc dire organe de la transition, c'est une erreur de dire oui, CNT, c'est un... Non, le CNT, juridiquement, ne peut pas être qualifié comme un organe, mais il a été aménagé pour ne pas que un seul homme s'occupe du pouvoir dans son ensemble, que le CNT ou ses membres accompagnent ce mec-là à redresser ce qu'on appelle des tirs. Parce que pourquoi vous voulez que vous soyez accompagné? Parce que vous avez fait un constat avant de faire la prise du pouvoir, oui, avant de faire le putsch. Vous avez dit, mais le président là, il va à l'envers. Le président là, il s'en fiche des pauvres. Le président là, il a fait du gâchis, il fait la dictature, il nomme que ses parents. Le président là, mais non, mais il regarde comment le pays est plongé dans la souffrance. Donc c'est pour mettre fin à ça que vous êtes décidé, votre groupe s'est décidé de prendre le pouvoir. Yep. Et si vous prenez le pouvoir, vous devez faire, vous devez faire la machine, parce que c'est votre idée de prendre le pouvoir. Donc vous n'allez pas faire comme les autres ils ont fait. Vous allez faire pour changer, et pour changer, vous allez venir avec des gens qui vous ont soutenu. Des hommes et des femmes qui vous ont soutenu pour faire, pour échanger avec vous, pour changer la chose, pour changer donc la donne. La donne. C'est pourquoi la transition, on ne peut pas dire juridiquement oui, les organes, c'est CNT, etc., etc. Non, il n'y a pas d'organe dédié juridiquement à une transition. Le dire, c'est une erreur, mais à côté, on accorde ce qu'on appelle un simple maquillage, pour que, un simple habillage, si vous voulez, pour que l'institution qui est venue là soit accompagnée, pour ne pas qu'une seule personne décide de faire, de payer ce qu'il veut. Non, ça ne doit pas marcher. Et c'est pourquoi, moi, je regrette beaucoup là-dessus. À partir du 5 septembre, c'était le 5 septembre, la prise du pouvoir par la nouvelle junte, là, je regrette beaucoup que les gens aient mis 8 mois
pour créer l'RCNT. C'était de la... Moi, 6, 8 mois pour créer l'RCNT. C'est-à-dire que 8 mois, le pays était dans le flou total. 8 mois, le pays fonctionnait dans les mains d'un seul homme. 8 mois, le pays était, tu vois, c'est pas possible, c'est pas possible ça. Alors que l'RCNT, on le fait, si on a la volonté de le faire, on le fait à moins de 10 jours. On le fait à moins de 10 jours. 10 jours, on le fait. Parce que pourquoi on met du temps si c'est pas pour des calculs politiques? C'est pour cela que je vous dis à l'entame de cette émission-là que pour parler du thème de la transition, il faut être guinéen et pas trop pour aborder. Parce que si tu abordes, ils vont dire, ah, les gens, ils attaquent le ceci, cela. Moi, je n'ai aucun intérêt d'attaquer qui que ce soit. Je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays. J'ai dit la vérité, celui qui veut, il tombe la même. Je suis d'accord. Je suis là, légal, loyal, pour mon pays. Je ne peux pas parler des choses et faire un recul. Non, je ne suis pas fait pour parler et faire un recul. Donc, si c'était moi, dans cette transition, on aurait mis le CNT en 10 jours. Et si c'était moi, je ne mettrais pas le CNT comme ça a été habillé par ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils mettent, ils font allure au parti politique, un représentant par parti, ceci, cela. Mais regardez-moi cette contradiction. 80 personnes. Pourquoi faire? Dès l'instant que les premières déclarations de celui qui a pris le pouvoir étaient dites, les institutions sont dissoutes. Ceci, cela, tout ça, c'est dissous. Mais pourquoi vous allez tendre la main encore au parti politique? Ça veut dire quoi? Que vous lancez ici un cadeau qu'on appelle cadeau empoisonné au parti pour venir légitimer la prise du pouvoir. En réalité, quand on vient avec l'idée de faire de changer, on vient avec son esprit, on vient avec l'esprit de son équipe, on vient avec l'esprit de son groupe pour changer la donne. Moi, à la place des gens, je fais quoi? Des représentants par préfecture. On a 33 préfectures, j'ai 66 représentants nationaux. 66 représentants nationaux, plus 9 membres qui ont des éléments qui ont conjugué avec moi dans la prise, dans la conception de dire oui, Alpha a mis ce pays-là sur les voies de bêtises. Donc les gens qui nous ont dit oui, c'est ça la vérité, on va faire nous, on va faire ceci, cela. Je prends 5 membres dans ça, 9 membres dans ça, j'ai complexé qui fait 75 personnes, je mets dans le CNT, point barre. Je n'appelle pas ni parti politique, parce que pourquoi un parti politique va venir dans le CNT? Donc ça veut dire que c'est pas possible. Moi je suis parti politique, je démissionne de ce CNT parce que c'est pas mon autoroute. C'est ce que je disais. Tu vois, c'est pas mon autoroute, c'est pas mon assiette. Le parti politique, ce sont des organisations qui sont légales, approuvées par le pays pour la conquête du pouvoir sur le plan interne. Donc les partis politiques ne peuvent pas être conjugués avec d'autres organisations, d'autres formes d'organisation qui ont fait ce qu'on appelle un putsch. Ce n'est pas normal. C'est pour cela que j'appelle à tous nos compatriotes guinéens, ceux qui siègent au niveau des CNT, réfléchissez. Oui. Quand ce n'est pas votre place, quittez-la. Oui. Quand ce n'est pas votre place, quittez-la. Oui. Parce que ce n'est pas une place qui est faite pour les représentants des partis politiques. Non, pas du tout. Ce n'est pas une place qui est faite pour les représentants des gens qui, comme on appelle, qui cherchent le pouvoir de manière légale. On dit que c'est un putsch pour une transition. Vous êtes là pour accompagner la transition. Et comme je l'ai dit, c'est un cadeau empoisonné. Aujourd'hui, que fait le CNT pour appeler le gouvernement pour dire oui, ce qu'on a fixé, ceci, cela. Donc, entre autres rôles du CNT, donc de l'organe qui est vraisemblablement dédié à la transition, c'est d'accompagner le pouvoir. Mais par contre, comment? D'accompagner et définir son chronogramme. C'est-à-dire, on a pris le pouvoir à telle date, on doit vraiment remettre le pouvoir à celui qui va être élu à telle date. Quels sont les moyens? On va contrôler ce qu'on appelle la révision des listes électorales, etc. etc. Donc, l'institution, ce qu'on appelle d'une nouvelle loi fondamentale, qu'on appelle la Constitution, et la correction des lois, là, des lois sectorielles, comme dit les lois de l'environnement, les lois sociales. Donc, on ne peut pas faire tout ça. Donc, le CNT a pour but d'accompagner l'équipe exécutive dans son domaine-là, mais dans le domaine de la loi. C'est-à-dire les aider à ce que la meilleure loi soit faite comparativement aux lois qui existaient, parce que ce pourquoi on a pris le pouvoir, ils disaient que le tableau n'était pas bien peint. Donc, le tableau était mal peint. Donc, on a pris le pouvoir, c'était pour changer la donne. Donc, voilà pourquoi je vous dis, les organes, je ne vais jamais m'aventurer pour dire oui. Les organes de la transition, c'est le CNT, sa mission. On sait, traditionnellement, la mission du CNT, c'est évaluer le chronogramme, appuyer le gouvernement, contrôler l'action du gouvernement, rédiger les lois, etc. Oui. etc. Mais
Mais vous devez faire ça en un laps de temps pour quitter et remettre le pouvoir dans la base de la légalité. Sinon, ça ne peut pas être bien. Le pays ne sera pas être bien. Vous savez, c'est très mal. C'est très mal vu de continuer dans l'étiquette comme ça d'exception. Personne ne va vous regarder. Personne. Mais les contrats que vous signez, les contrats que vous signez ne sont signés sur la base d'aucune assise juridique. Juridique, oui. Une fois que vous êtes illégal, ou vous êtes, je ne sais pas moi, c'est pas, donc réfléchissez. réfléchissez qu'on ne peut pas créer des situations situations de vide. Parce que j'ai appris que les gens, ils ont dit du 5 septembre jusqu'à la nouvelle année, là, que c'était pas, la transition n'a pas démarré, ça démarre à partir. Mais ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises, ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises. Non, mais ça, c'est. Ça, c'est des bêtises. Franchement, ça, c'est des bêtises. Donc, c'est pourquoi moi, je parle en tenant compte d'un langage patriotique pour dire aux gens de penser maintenant, il est temps de penser au pays, pas de penser à sa propre situation. Il faut pas aller à des situations comme ça. J'en appelle aux gens qui sont conscients, qui ont l'air cursus vraiment responsable de gérer le pays, de réfléchir quelles sont les voies qu'il faut donner pour que l'on quitte cette situation-là de manière très pérenne pour que, de manière très urgente pour que la donne soit sentie rapidement là. Parce que, ça ne va pas. Ça ne va pas. Du tout. Honnêtement, ça ne va pas. Très ça bien. Ne va pas. Très bien. Très bien, Monsieur Touré, très bien. Je pense que vous allez boire un peu d'eau et dans une minute revenir encore pour ma troisième question. En attendant, je vais mettre un peu de musique pour mes éditeurs pour se rafraîchir. Vous avez écouté Monsieur Touré, excellent juriste, consultant indépendant. C'est ça. Et j'invite alors tout un jeune comme lui, être comme lui. Avant tout, la Guinée. Être intègre, honnête et digne. On ne travaille pas pour quelqu'un. On n'embellit pas l'intérêt de quelqu'un ou d'une ethnie, mais plutôt le pays. Les officiers, les sous-officiers guinéens, réfléchissez-vous et prenez note sur tout ça. C'est important, c'est nécessaire, parce que tout sera rétrogradé, parce qu'on nomme des gens par affinité. Monsieur Touré, prenez un peu d'eau, aujourd'hui là, ça va barder, hein, parce que tout le temps, ah non, 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 la Guinée n'a pas fait mouvement, l'intégrité. N'est-ce pas, c'est comme Owen, pour avoir un peu d'argent. Il vient de nous expliquer ce qu'on appelle la transition militaire. Avec ses organes, c'est un faux débat. Le problème, c'est quoi? Si c'était Monsieur Touré, 10 jours, c'est fini. Et aujourd'hui, on a 84 personnes dans CNT. Pourquoi faire? Pour faire de pagaille. Pour faire encore comme avant. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. D'abord, CNT ne décide rien. Et ceux qui sont là-bas, qu'on recrute dans les partis, démissionnez, mon frère, c'est important. Votre chose là-bas, présence là-bas est inutile. Ça ne donne absolument rien. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que vous allez décider là-bas? Zéro. Dans sa fonction, selon Mamadi, ce qu'il le dit, c'est ce qu'il fait, c'est tout. Ils ne sont pas là pour le pays. Très bien, nous allons écouter un peu de la musique de Waraba. Alors c'est ma Touré là, yéna ma Waraba, parce que c'est des vrais. Escro Yamuna, affinité Yamuna. Très bien. Au café du Dondrotumi pour se rafraîchir un peu là, hein. Le semangue est formé sur café du tard.
Très bien. Umbarafa, Umangafa, Uma invité Magorumbe, Lama Yiboriganyrekina. Et c'est normal avoir des gens comme ça, des personnages comme ça, pour mieux nous expliquer ou juste qu'est-ce qu'on doit faire pour faire marcher ce pays. Et c'est ça le problème, le plus grand problème en Guinée. C'est ça. Les gens, les Guinéens ne cherchent pas à connaître ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut. Et les sous-sous, on le nomme. Même s'il est incompétent, on le nomme comme ça. S'asseoir dans un bureau, juste organiser les combines, comment avoir de l'argent. Ce n'est pas notre cas. Notre objectif aujourd'hui, c'est de voir ce pays comme les autres pays. Donc, et sur plusieurs domaines. Très bien, Monsieur Touré, encore merci pour votre disponibilité, être avec nous encore aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Très bien, ma troisième question. Pour atténuer la souffrance des populations, comment doit fonctionner l'État durant la période transitoire? Comment l'État doit fonctionner, durant la période transitoire? Vous savez, Monsieur Camara, oui. Avant de commencer cette émission, vous avez invité nos compatriotes à prendre les plumes et de noter. Oui, ils sont là. Donc, oui. S'il vous plaît, aujourd'hui, on fait une interview, ce qu'on appelle une interview, pas du genre littéraire, mais du genre un peu pédagogique. Oui. C'est-à-dire que les mots clés qui ressortent de votre question, on oui. essaie de clarifier qu'est-ce que c'est ce mot, même s'il est simple. Même s'il est banal, mais il faut le comprendre, parce que c'est très bon et c'est très aisé, yeah. avant de saisir la réponse à la question. La question, oui, d'accord. Donc, l'État, qu'est-ce que l'État doit faire dans la transition? Oui. Compréhension générale d'abord du mot l'État. Parce que quand on a pris une transition, mm-hmm. comme on le dit, on s'est fait entourer par des gens dans un organe, etc., etc. Même si la loi ne vous habilite pas comme ça, parce que ce n'est pas comme ça. Mais une fois que ces gens-là sont regroupés, ils font ce qu'on appelle un travail qu'on appelle l'écriture de la charte. Mmh. C'est-à-dire que la charte, ce sont les lois de base qui vous permettent d'évoluer. Comme on le dit, toute société humaine a besoin d'organisation, donc de lois. Donc, quand on a pris le coup, on dit « Ok, mais on a pris le coup, mais il faut que vous soyez limité dans le temps et dans l'espace. Oui. » Pour que vous soyez limité dans le temps et dans l'espace, il faut que vous soyez devant vous quelque chose qui soit codifié, rédigé, clarifié. Quelque chose donc qui va marquer votre chemin de conduire les destinées du pays. Donc, c'est pour que l'État puisse comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que n'oubliez jamais, Monsieur Camara, quand on parle de l'État, il y a trois notions fondamentales qui ressortent dans l'État. Même si vous n'êtes pas juriste, ou bien même si vous n'avez pas fait, etc., etc. Mais dès qu'on vous parle de l'État, vous devez comprendre automatiquement qu'il y a trois notions fondamentales qui ressortent. La première notion qui ressort de l'État, de la compréhension de l'État, c'est le territoire. Okay. La seconde notion, c'est la population. Et la troisième notion, c'est le pouvoir public. Vous comprenez? Oui. Donc, quand on prend le premier aspect, c'est-à-dire le territoire, quand on a parlé, la Guinée est un État. Pourquoi la Guinée est un État? Parce que la Guinée a un territoire. Oui. Son territoire, on connaît c'est quoi son territoire. Oui. On dit que la Guinée, le territoire lui-même de la Guinée se compose du territoire terrestre, du territoire maritime mm-hmm. et du territoire aérien. C'est ça notre État, c'est ça notre espace, notre commun de vivre ensemble. Voilà, notre commun de vivre ensemble, c'est ça. Nous bénéficions du territoire terrestre, du territoire maritime et du territoire aérien. Mm-hmm. Si nous prenons du territoire terrestre, nous savons que le territoire terrestre en droit est clarifié en termes de superficie et en kilomètres carrés. Et la superficie aussi n'est pas aussi une notion simplement cadastrale comme les gens font la confusion chez nous, parce que la superficie s'est définie en deux notions fondamentales. Ouais. C'est la notion d'abord géodésique et la notion cadastrale.
Même si, pourquoi on parle de notion de géodésique? La notion de géodésique nous permet de comprendre les trous que le plan cadastral n'a pas calculé. Par exemple, vous allez voir que dans un pays frontalier avec un autre, entre la Guinée et le Sénégal, vous allez voir qu'il y a une entité ou des communautés qui sont là-bas, sur un territoire X. Cette communauté se réclame d'une part des Guinéens, d'autre part des Sénégalais. Vous comprenez? Oui. Donc, mais pour quantifier ça, il faut tenir compte de la considération en superficie et en kilomètres carrés de la superficie géodésique, pas simplement de la superficie cadastrale, parce que la superficie cadastrale est restreinte, alors que la superficie géodésique est un peu large. Donc ça permet de comprendre, oui, ces trous-là, oui, ces coins-là, c'est partie vraiment des zones de la Guinée en latitude et en longitude. Donc c'est ça notre territoire, c'est-à-dire notre espace de vivre en commun. Ça, c'est dans la notion de l'État. Mmh. Aussi, c'est la même chose que nous avons dans la notion maritime, où nous avons les superficies à mailles, et dans la notion des superficies aériennes que nous avons. Donc c'est tout ça, notre espace aérien, ça fait partie de notre territoire. Deuxième notion fondamentale de l'État, c'est la population. Quand on parle de la population, on parle de qui? Globalement, des populations intérieures, des populations extérieures, mais qui se composent en trois structures. Vous avez les sociétés, vous avez les communautés, vous avez les familles. N'oubliez jamais, une famille est très importante. C'est pourquoi dans les pays, on a tenu compte, de la considération de la famille comme première assiette de l'État. Pourquoi? Parce que tout dépend de la famille. C'est la famille qui constitue ce qu'on appelle la société, c'est avec la famille on constitue ce qu'on appelle la communauté. C'est pourquoi les États modernes ne blaguent pas avec les familles. Non, pas du tout. Quand il y a des naissances dans les familles, on les accompagne, on fait en sorte que tout le monde retrouve sa situation. Pourquoi? Ouais. Parce que ça fait partie de l'État, ouais, comme élément de population. Troisième élément de l'État, de la notion de l'État, c'est les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, c'est quoi? Ce sont les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires et les autres pouvoirs régaliens, c'est-à-dire les pouvoirs de l'armée, de la police, de la gendarmerie, sans penser même dans les pouvoirs de la presse, c'est-à-dire que la disposition qu'on donne aux autres organes, qu'ils soient publics ou privés, de parler du pays et de répercuter ce qu'on appelle les messages du pays. C'est ça les notions fondamentales de ce qu'on appelle dans la compréhension de l'État. Donc quand on parle de l'État, on dit que c'est les aspects-là qu'il faut tenir compte, Mais puisque vous avez une charte de la transition qui vous guide pour tenir compte de tous ces aspects-là, ça veut dire qu'aucun de ces aspects-là ne doit faire l'objet d'être oublié complètement. Donc, c'est pour cela que une équipe, quand vous venez, vous devez regarder l'État. Allô? Oui. Voilà, vous devez regarder l'État. Je regarde l'État, pas parce que je regarde l'État, parce que l'État, c'est, en disant comme ça, l'État de manière vague, mais il faut regarder l'État comme territoire, regarder comme l'État comme population, regarder l'État comme pouvoir public. C'est ce qui vous permet, vous, en tant que gouvernant, de ne pas faire la discrimination. Parce qu'il suffit seulement de faire une discrimination, ou bien chercher une communauté, créer une loi d'injustice, créer une loi dirigée, envoyer l'armée pour détruire une communauté, une contrée, etc., etc. Ce sont des agissements démagogiques là qui ne doivent pas rester dans le calcul de ceux-là qui vont conduire ce qu'on appelle les destinées d'un État. Parce qu'un État, c'est les territoires. Le territoire de la Guinée, c'est quoi? C'est 245 857 km² en superficie cadastrale. En superficie géodésique, c'est 245 000 km². Vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, l'aspect-là doit être pris en considération. Les populations-là doivent être prises en considération. Il ne doit pas y avoir de discrimination de race, d'ethnie ou de religion dans les conduites des appareils d'État. Mais malheureusement, force est de constater que quand on vient dans la transition, puisqu'on a cherché un pouvoir qui a mis 80% de sa communauté dans le portefeuille régalien, comme les ministères les plus importants de l'État, la défense, l'armée, la sécurité, l'intérieur, c'est-à-dire les postes stratégiques, les finances, etc. Oui, etc. Oui. Pour, en grosso modo, 80% des membres du gouvernement sont de votre communauté. Les ambassadeurs, 80% sont de votre communauté. Les missions qui dirigent l'armée, les officiers supérieurs, 80% des dirigeants sont de votre communauté. Yeah. C'est que vous créez ce qu'on appelle
un accident par rapport à la notion et la compréhension du statut de l'État. Parce que l'État, comme je vous l'ai dit, c'est le territoire, la population et les pouvoirs publics. Nous voulons faire en sorte que tous ces éléments-là soient traités dans un cadre légaliste. C'est pour cela que quand vous venez en tant que pouvoir de transition, après avoir constitué l'organe qui est habilité à vous accompagner, même si ce n'est pas dédié par la loi, l'organe là aussi se dédouane. Parce que l'organe là aussi va se faire protéger. Il va dire, ok, vous avez invité au travail ensemble, mais voilà comment on va travailler, on va créer une charte. Voici la charte. Première des choses, c'est le chronogramme. Voilà comment on va conduire la transition, c'est telle année à telle année. Deuxième des choses, voilà quels sont les chantiers à faire. Recensement général de la population ou bien révision de la liste électorale. Ça, c'est pour arriver comment à fixer les dates des élections législatives, présidentielles, etc., etc. Donc, voilà. Mais quand vous venez dans la transition, vous écartez tout ça. Vous écartez tout ça. Et vous mettez à détruire les habitations des populations. Yep. Comme je l'ai dit, les populations font partie de l'État. C'est un élément central de l'État. Parce que quand vous détruisez les habitations des populations, vous détruisez une société, vous détruisez des communautés, vous détruisez des familles, parce que les familles seront abandonnées, les enfants vont être confiés à gauche, à droite, chez les cousins, chez les autres hommes, etc., etc. Les pères de famille seront délaissés, etc., etc. Il y en a même qui vont se donner la mort, tellement que l'échec était fatal. Donc les gens doivent agir. Ce que vous devez faire, ça doit être checké par escalier. Sinon, vous passez complètement à côté de la plaque. Pour ne pas faire les bêtises que les autres ont faites. Si les autres ont déjà fait ces bêtises, vous devez faire les choses. Parce que j'ai vu que, avec Alpha Condé, ils avaient cassé ce qu'on appelle la partie Causa Bombeto, là. Les gens avaient même des titres de foncier, etc., etc. Ils ne les ont pas délogés. Ils n'ont pas donné des mesures pour les accompagner. On les a abandonnés. Caporaï. Donc si les autres viennent aussi, ils commencent par le chantier de destruction des biens des personnes qu'on qualifie vraiment des personnes centrales de l'État, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, les questions se posent. Mais si de surcroît vous faites ça, que dans les régions qui sont censées être des régions des autres pays, des autres populations, c'est-à-dire que au niveau du territoire national, vous cassez à Zérékouré. Vous cassez à Labé, vous cassez à Mamou, vous cassez à Kindia, mais vous cassez pas à Kankan, vous cassez pas à Sigri. Mais ça veut dire quoi ça? Si dans la zone spéciale de Conakry, vous cassez à Kamaël, vous cassez à Amdallah et Kosa, mais vous cassez pas à la Sid Madina, mais c'est pas bien ça, vous savez. C'est ça, le rôle de l'État, l'État doit être dans sa charte, il doit être clair, son rôle doit être clair pour le service des populations, oui. Pas pour le service d'une population. L'État n'est pas là pour servir une communauté ou une ethnie. Le problème est tellement dramatique que chez nous, même pour faire une simple mission de l'intérieur, on dit ok, demain c'est M. Bangoura qui va aller avec son équipe à Labi. Ils vont dire ok, combien de personnes sur l'ordre de mission? On dit 10 personnes. Les 10 personnes c'est quoi? Puisque c'est M. Bangoura, il va dire Mamadou Basila, Mamadou Fofana, M. Souma, donc il mettait son truc, c'est pas normal. C'est pas normal. Si c'est pour nommer les gens dans les postes de responsabilité, on regarde, on dit écoute, budget c'est trop, il faut qu'un de nous. Intérêt c'est un de nous. Affaires étrangères c'est un de nous. Mais c'est pas ça l'État. C'est pas ça l'État. Même si c'est pas ça la profession. C'est pas ça la transition. Non. Parce que pour emprunter ce chemin-là, ce n'est pas le rôle qui est dédié au gouvernement de la transition. Comme on le dit, c'est pour cela que les institutions internationales et les pays importants disent toujours, conseillent toujours aux régimes qui sont issus des pouvoirs de transition, on leur dit toujours, faites vite quitter, remettez le pouvoir aux gens qui sont élus. Remettez le pouvoir aux gens qui sont élus. Parce qu'on sait que qu'est-ce qui est calqué pour être fait, ce n'est pas toujours bien. Parce que le chronogramme est une charte importante dans la transition. Si le chronogramme te dit organiser les élections dans les 6 premiers mois, tu dois organiser dans les 6 premiers mois. Si tu as des coopérations avec les institutions régionales ou internationales comme la CEDEAO, tu demandes officiellement à la CEDEAO, je veux organiser les élections dans les 6 mois, mais il me manque des urnes, il me manque un peu de moyens pour créer des bulletins ou bien ça. Donc, ou alors je n'ai pas fait de recensement. Il y a les coopérations qui sont dans des pays comme la coopération allemande, française, etc., etc. Et l'ambassade des États-Unis, il peut vous aider à avoir des moyens là pour que vraiment, dans le temps qui est mis, dans le chronogramme, puisse le temps puisse être respecté. Mais il ne faut pas créer des dégâts
C'est-à-dire, on ne fait pas faire ce qui n'est pas censé être fait. Si on le fait, c'est qu'on est dans une sorte d'orbite qu'on appelle, qui rappelle à quelque chose. Donc, tu vois, on connaît les codes. On connaît les codes dans nos pays. Les codes, comment les choses se sont passées, les codes historiques de notre pays. Right. Il y a des gens qui agissent, c'est comme si c'était un règlement de compte. Ça, ce n'est pas normal. Right. Un ministre, tu n'as pas à mettre dans ta tête d'histoire, de clichés, de règlement de compte. Un gouvernement, vous ne devez pas mettre dans votre programme les clichés de règlement de compte. Parce que moi, je parle des faits. Comme on le dit, moi, je suis juriste, je parle des faits. C'est les faits qui m'intéressent. Si je vois les faits, je vois que les casses se font sur des territoires qui sont pas, par exemple, des territoires issus de la communauté de Mamadi Doumbouya, par exemple. Non. Voilà. Kamayine, tu vois. Donc, par exemple, Sigmadina. Si on avait cassé Sigmadina, par exemple, on sait que oui, le gouvernement est en train d'appliquer oui. maintenant pour récupérer ce qu'on appelle tous les domaines de l'État. Mais on ne casse pas Sigmadina. On n'a jamais cassé même un mur à Sigrin. Non. Même un mur à Hassan. Vous savez que même les Sigrinka apprécient ça. Ils n'apprécient pas ça. Parce que les Sigrinka, c'est des gens qui sont très intelligents. Ils disent toujours, attention, il ne faut pas que vous vous créez des dégâts à nous, à notre communauté, parce que si les autres aussi vont venir, ils vont nous faire mal. Donc, il faut... Vous savez, des idées, là, ça ne peut pas. Donc, ceux qui mettent des clichés de vengeance, ou bien des codes de règlement, là, etc., etc., je ne sais pas ce qui s'est passé sur le plan historique du pays, pour pousser les gens et les autres à mettre des clichés comme ça, de se comporter de cette manière. Donc, l'État doit être régalien. L'État doit être transparent. L'État, il doit être incolore. L'État doit être inodore. L'État doit être sans saveur. L'État ne doit pas être travaillé pour une communauté, ou bien pour une religion, ou bien pour une famille. Ce n'est pas son rôle. Ou pour l'État un doit groupe travailler donné. Pour la République. Yeah. La République, c'est ce qui appartient à tout le monde. Yeah. Mais si vous faites, vous écartez de votre portefeuille, de vous casser des choses, ou bien vous faites des choses, ce n'est pas bien. Parce que dans les constats, on voit que toutes les fonctions ministérielles, ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, affaires étrangères, tout ça, c'est une communauté. Ce n'est pas normal. J'invite les gens et les autres à réfléchir. Ce n'est pas les Guinéens que vous êtes en train de... Ce n'est pas contre les Guinéens que vous êtes en train de travailler. Mais vous êtes en train de travailler pour la Guinée. Et il faut bien regarder. Yeah. Moi, j'ai vu le temps de Lansana Conté. Quand Lansana Conté était là, quand il met un gouvernement de 25 personnes, par exemple, vous trouvez 5 personnes venant de la basse Guinée, 5 personnes de la moyenne Guinée, 5 personnes de la haute Guinée, etc., etc. Le gouvernement était équilibré et représentatif. Ils s'en fichent même de tout ce qui se passe. Oui. Mais quand les Alpha Condé sont arrivés, ils ont dit, j'ai entendu les expressions notre tour. Il faut éliminer ça. Ça, c'est un mauvais cliché. Notre tour n'amène pas le pays au bonheur. Notre tour amène le pays à l'exclusion. Notre tour amène le pays à la chasse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le constat, les gens, ils arrêtent arbitrairement. Ils arrêtent arbitrairement. Certains Guinéens sont presque hors du territoire, ils sont presque chassés, ils ne rentrent pas. Ce n'est pas normal. J'ai toujours dit dans nos communications que notre pays doit être notre bonheur et pas notre enfer. Donc l'État doit assumer ses fonctions régaliennes sans discrimination d'ethnie, de race et de religion. L'État doit se travailler au service de la nation. La police et la gendarmerie doivent assurer la sécurité des populations. L'État doit travailler pour que vraiment tout se passe bien. Mais quand vous voyez un État faire les casses, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis gouvernement. Vous faites la casse, là, je démissionne tout de suite du gouvernement. Yeah. Parce que notre mission, c'est pour aider les populations. Yeah. Quand vous voyez un gouvernement, tout de suite, vous venez, un régime de transition, vous commencez à recruter des militaires. Non, on en a parlé trop, le recrutement des militaires. On sait que le recrutement des militaires, ça se dit d'abord en conseil des ministres. Le ministre de la Défense, c'est lui qui prend le truc et dit « oui, j'ai besoin de l'effectif ». Mais la Guinée n'a pas une armée qui est une armée en guerre. Nous sommes une armée de surveillance. On a fini les guerres depuis quand on a aidé un peu les Libéria, la Sierra Leone, etc., etc. On a arrêté avec ça. On n'est pas une armée en guerre. Nous sommes une armée de surveillance. Autrement dit, au lieu de prendre de l'argent pour recruter les gens, chercher les gens dans les villages là, en Haute-Guinée, etc., etc., arrêtez ça. L'armée, c'est national. L'armée ne peut pas venir de la terre de Sigrim, Kouroussa, ceci, cela. Je le dis ça parce que je dis avec plein d'engagement. Je le dis avec plein d'engagement. Je le dis et je réitère, je le dis avec plein d'engagement. Oui. Le recrutement militaire, ça ne doit pas venir d'une contrée. Ça doit venir de l'ensemble. Et puis, ce n'est même pas à l'ordre du jour pour un gouvernement de transition. Si vous voulez penser à l'armée, essayez de reformer l'armée. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, les formations qui se passent au niveau de l'armée, les gens, il faut avoir
des gens qui sont commandants aujourd'hui, colonels, c'est cela. Tu vas voir, tu veux même le CAT1 de quelqu'un, il n'a pas. Le CAT2 de quelqu'un, il n'a pas. Est-ce qu'il a fait le GRT, hein, le guide de raisonnement tactique, c'est-à-dire la technique, comment tu vas faire te placer vis-à-vis de ton ennemi pour le faire mal, sans que lui te voie, etc. Comme, il n'a pas fait. Comment tu les mets le CPO, le cours de perfectionnement d'officier, il n'a pas fait. Hein? Le cours d'état-major, il n'a pas fait. C'est pourquoi moi, à un moment donné, je suis un peu fier du président Dadis, sur ce plan que il a été chef de l'État, mais il est resté toujours au grade de capitaine. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que le cours d'état-major. Il n'a pas passé une vie, c'est qu'il n'a pas fait d'autres cours, il n'a pas fait le cours inter-armée de défense. Le grade qui va le propulser en commandant. Donc, les pagailles là, c'est ça qu'il faut mettre fin. Moi, je suis ministre de la Défense nationale. Je demande toujours aux unités, contrôle des unités, paf, effectif de l'armée, paf. Je ne peux pas mettre dans l'armée un général de division si mon effectif ne répond pas à ce corps-là. Je ne peux pas mettre dans l'armée un général du corps d'armée si mon effectif. Je ne peux pas mettre. Non, je ne peux pas faire ça si je n'ai pas demandé le conseil supérieur de la Défense. Voyez-vous, donc, quand vous venez pour la transition, essayez de faire le peu que vous devez faire, mais le peu que vous pouvez faire puisse passer avec beaucoup de bonheur pour les populations, pas beaucoup de malheur. Sinon, vous créez l'injustice. Et quand l'injustice se crée et que l'injustice se multiplie, vous donnez ce qu'on appelle l'espace de ce qui va venir demain. Et qu'est-ce qui peut venir demain quand c'est comme ça? Des cas répétitifs de l'injustice. Nous avons appris ça dans l'histoire. En France, il y a eu ce qu'on appelle la révolution de 1789. La révolution française. Elle est due à quoi? À l'injustice. Les rois qui étaient là, ils piquaient de gauche à droite, ils demandaient aux gens, et donc l'injustice, s'ils veulent te bannir ta famille, etc. Donc, les gens se sont levés pour redresser. Donc, si vous continuez à conduire comme ça l'État, comme vous conjuguez dans votre tête, avec ce cliché-là, en nommant que les gens qui vivent d'une même communauté, dans une cage, pour dire oui, gestion du pays, parce que c'est ce qui se passe, même dans les divisions de notre administration. Oui. Si tu ne viens pas d'une communauté, tu ne peux pas être là-bas. Non. Et les autres communautés sont qui? Si tu n'es pas de cette communauté, tu ne peux pas être nommé comme capitaine ou bien c'est cela. Non. Et les autres, ils sont qui? Tu vas voir quelqu'un, il n'a même pas ses formations, il est direct de grade de commandant, alors que toi, tu es là-bas, tu as du métier, tu as fait combien de temps, mais comme tu n'as pas de parrain dans le truc, tu es abandonné. Ça ne peut pas aller comme ça. Quand on vient pour faire un métier de la transition, on doit corriger. Ça veut dire qu'on est venu pour corriger, on est venu pour rectifier le tir, pas pour accroître les tirs. Si on accroît les tirs, on accroît l'injustice, on va créer ce qu'on appelle la guerre civile. Les prémices de la guerre civile. J'emploie toujours ce mot parce que je sais que, à un moment donné, ça va arriver. Parce que ce qui se passe. C'est très grave. Ça va arriver à un trop. Et quand c'est trop, on dit en français que trop, c'est trop. Quand quelqu'un dit trop, c'est trop, ça veut dire que tout le monde va s'élever. Très bien. Donc, moi, je ne souhaite pas pour Mamadi colonel là, qu'il soit l'acteur principal de ça. Il ne doit pas être pris en otage par des gens qui ont ce cliché là. Je sais que les trop jeunes pourraient précéder. Mais il y a des gens. L'entourage des gens, l'entourage a des clichés. Et ce cliché, il faut l'abandonner. Sinon, la République va se tourner vers quelque chose qui n'est pas bien. Donc, le rôle de l'État, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une communauté. Ce n'est pas pour une région. Ce n'est pas pour une contrée. Je viens de rappeler que l'État se compose de trois éléments. Le territoire, la population et les pouvoirs publics. Quand l'État doit agir, il doit agir pour l'ensemble des territoires. Quand l'État doit agir, il doit agir pour l'ensemble de la population. Quand l'État doit agir, il doit agir pour l'ensemble des pouvoirs. Et les pouvoirs sont exécutifs, législatifs, judiciaires, etc. Aucun pouvoir ne doit empiéter le domaine de l'autre. Parce que quand c'est l'État qui dit oui au magistrat, oui, condamne telle personne contre telle personne, il ne faut pas que telle personne il est rentré en prison, il ne faut pas qu'il sorte, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les procureurs de la République ne doivent pas se faire commander par le pouvoir public. Les pouvoirs publics doivent éviter le chantier de l'État. Moi, j'ai aimé les discours de la prise de pouvoir. J'ai aimé ça. Quand on a dit la justice sera le baromètre. Mais c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que certains sont en détention, ils sont illégalement en détention. Et ça, ça ne se doit pas. On dit en prison et en droit que la prison, c'est l'exception. Donc la détention, c'est là que c'est l'exception. Mais ce n'est pas la règle. On dit que la liberté qui est la règle. Si quelqu'un a commis, quelles que soient les bêtises, on regarde s'il n'est pas délinquant, on le met chez lui. Avec le biais de contrôle judiciaire. C'est quand il est délinquant qu'on l'amène en prison. Donc la prison, c'est l'exception. Mais quand vous changez les choses, vous pensez que la prison, c'est la règle. Toute personne qui a des doses de suspicion dans son dos, vous le prenez chez lui sans demander à régalien, vous le prenez, vous le mettez dans les prisons comme ça. Ça, c'est pas normal. Et ce qui est grave, non seulement on ne met pas les gens
en prison dans les bonnes et dues formes, mais on le prend, on le garde quelque part, ce qu'on appelle en droit la séquestration. Et vous voyez, dans ces conditions-là, il n'y a aucun procureur de la République qui se lève pour faire oui, mais ok, il a disparu, il n'y a aucune richesse, etc., etc. Les séquestrations sont des mesures dangereuses dans une République. Car ça se fait comme ça, ce sont les prémices de la guerre civile. L'inégalité, ce sont les prémices de la guerre civile. La précarité, ce sont les prémices de la guerre civile. La mauvaise répartition des ressources du pays constitue ce qu'on appelle les prémices de la guerre civile. Partout où s'est éclatée la guerre, même au Libéria à côté. Pourquoi il y a eu la guerre au Libéria? Parce que les mines qui étaient en production, quand les mines se sont arrêtées, les jeunes ont dit « Ok, maintenant on va chercher. » Donc les politiques se sont mêlés et ils ont dit « Ok, on va faire autre chose. » Donc on a créé la rébellion. Il faut la Guinée est au bout. Est au bout du bout. Si les bêtises là continuent, la Guinée est au bout de la révolte. Donc il faut éviter. Moi je parle, comme je l'ai dit au début de cette émission, qu'il est très difficile de parler de la Guinée. Parce que parler de la Guinée, c'est de s'attirer des satellites. Moi, je m'en fiche des satellites. Que tu sois satellite rouge, bleu, noir, c'est pas mon problème. Je parle parce que j'ai des doses patriotiques. C'est ma couleur en tant que Guinée. J'ai ma conception en tant que pays que j'aime. Donc, je fais tout pour que ce pays-là, ou que les gens qui occupent ce pays-là puissent redresser le tir. Comme je l'ai toujours dit, pour mon pays, aucun sacrifice n'est de trop. Oui. Voilà, monsieur, par rapport merci. À Dieu parle dans la transition. Merci beaucoup, monsieur Touré. Vous avez écouté monsieur Touré par rapport à un État, c'est-à-dire un État droit. Fonctionner durant une période transitoire. Nous allons passer maintenant aux quatrièmes questions. Après ça, on se repose encore. Le dialogue est primordial durant cette phase sensible de la vie du pays. Quel est le rôle du président et du premier ministre de la transition? Ah, monsieur Tabara, je pense que vous aimez beaucoup la Guinée parce que moi, au départ, je vous ai dit, vous envoyez des questions, franchement, si vous n'êtes pas patriote, vous ne pouvez pas les répondre. Moi, je vais mourir pour la cause, hein, ça, croyez-moi. Je suis un intègre. Oui, c'est pourquoi je suis cohérent. Allez-y. Monsieur Camara, vous voulez que je reprenne la question, si je vais reprendre encore. Si vous voulez. Merci. Le dialogue est primordial durant cette phase sensible, je dis bien cette phase sensible de la vie du pays, c'est-à-dire ma Guinée. Quel est le rôle du président et le premier ministre de la transition face à cette situation? C'est la question. Monsieur Camara, merci. Vous savez, comme je l'ai dit, la transition, c'est quelque chose, ça dit qu'on passe d'une situation à une autre. Oui. Vous avez pris la transition, vous avez dit oui, on fait la transition. Pourquoi on fait de la transition? Parce qu'on pense que ce qui était là, c'était anormal. Oui. Donc on dit, ok, on va mettre un pont, on va faire une coupure, on va créer quelque chose, oui. On va effacer tout ce qui a été fait, on va créer un modèle. Après, on va quitter, on va donner maintenant aux autres de continuer notre œuvre. Mais il faudrait donc que ce que vous êtes en train de faire soit donc abordé dans le bon sens pour la République. Donc, sans plus tarder, puisque vous êtes issu d'une transition et que votre transition-là, l'extrait de naissance en matière juridique de cette transition, il est écrit dans ce qu'on appelle la charte de la transition. Dans la charte de la transition, vous avez les recommandations à faire et tout ce qui s'ensuit, la façon de faire, etc., etc. Oui. Et le délai, c'est-à-dire le temps qui est mis pour le faire. Oui. C'est-à-dire, l'État est conduit par le président de la République. Quand on a dit l'État, parce que je viens de regarder, de parler tout à l'heure des composants de l'État. Territoire. Donc l'État est conduit par le président de la République. Oui. Mais le président de la République aussi s'appuie sur ce qu'on appelle les échelles. Les échelles. Oui. Ces échelles, c'est quoi? Ce sont les institutions qui l'accompagnent. C'est-à-dire le gouvernement qui l'accompagne. Et le gouvernement, là, il est dirigé par qui? Par un homme qu'on appelle le premier ministre. C'est lui qui est patron devant le président de la République. Oui. Donc c'est lui qui doit coiffer les autres ministres, etc., etc., pour conduire la politique de la transition. Oui. Pourquoi? Donc, on dit son rôle, c'est appliquer la charte. Le premier ministre,
Il n'était pas là pendant qu'on faisait la charte. La charte, elle est faite par qui? La charte, d'abord, c'est l'idée primaire de celui qui a pris le pouvoir et qui a fait des copies, des brouillons, qui a envoyé à une équipe qu'on appelle, composée des gens qu'ils ont choisi pour être dans le CNT. Donc, ils envoient dans le CNT. Les gens aussi, là-bas, ils analysent et disent, OK, puisqu'on est dans la transition, on va accepter que oui, ça soit notre cadre de travail, ça soit notre façon de se conduire jusqu'à la fin de la transition. Oui. Donc, le Premier ministre, une fois que le document il est accepté, il est finalisé et tout, le Premier ministre, il est chargé pour conduire cette politique. C'est pourquoi, dans les transitions, vous allez remarquer un fait, je ne vais pas le commenter, et souvent, il y a des premiers ministres qui sont dits honnêtes, normaux, ils démissionnent tout de suite. Parce que dès que les premiers ministres reçoivent les copies de la charte, c'est-à-dire ce qu'on leur a dit de faire pendant la période-là, et qu'ils envoient au niveau du gouvernement, ils commencent à imposer ça, et que le président de la République ou bien les membres du gouvernement commencent à poser pied dessus, ces premiers ministres-là, s'ils ont le pantalon, ils vont quitter. Oui. Je dis bien pantalon. Oui. Ils vont quitter. C'est compris. Ils vont quitter. C'est pour cela que dans les transitions, vous voyez toujours des départs des présidents, des premiers ministres qui quittent. Tac. Ils quittent. Donc le rôle, c'est appliquer les chartes issues. Les règles issues de la charte. Et ces règles, c'est quoi? Ces règles s'appuient sur les politiques de la vie politique, les politiques de la vie économique et les politiques de la vie sociale. C'est quoi les politiques de la vie politique dans une transition? Oui. Ça veut dire que l'État, à travers le président de la République et le Premier ministre, leur rôle est déterminant quand il s'agit d'établir un dialogue, comme vous l'avez dit. Dialoguer avec qui? Dialoguer avec l'ensemble des partis politiques et des membres de la société civile qui composent votre État. Ce qu'on appelle ici la régulation. Donc le premier rôle pour un État, c'est la régulation de la vie politique. Dans la régulation de la vie politique, l'État va discuter, va ouvrir une discussion, ce qu'on appelle un dialogue, avec les responsables des partis politiques. Pas tous les partis. L'État ne peut pas se permettre de discuter avec tous les partis. Mais l'État, dans les groupes, l'État peut discuter avec les groupes des partis. Comme partout dans les groupes des partis, c'est-à-dire des partis qui disent les mêmes idées. C'est une question de temps. On dit, OK, on veut recevoir tous les partis de telle catégorie. On reçoit les partis, tous les partis de telle catégorie. Donc, d'opposition, la mouvance, etc., etc., des partis intermédiaires, là, l'État les reçoit à travers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ouais. Dans un régime de transition, le président ne se met pas à la tête des discussions-là. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux qu'un président se mette à la tête de discussion, c'est-à-dire pour discuter avec les politiques, avec les syndicats, avec la société civile. Parce que le jour où c'est que les syndicats, les politiques et les sociétés civiles ont déclaré et que vous ne respectez pas ça, on va dire qui? On va accuser qui? Directement, c'est le président de la République. Donc, le président de la République doit se faire protéger par un mec qu'on appelle le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui risque un canevas de rendez-vous. Il va dialoguer avec le président des partis, qui va dialoguer avec les présidents des sociétés, de la société civile, etc., etc. Chacun va essayer d'apporter son opinion pour dire oui, vous avez bien fait, au moins que de chercher sur chacun l'Alpha Condé, ça c'est bien, mais maintenant on va travailler, comment on va travailler, on vous suggère de faire ça pour que les élections, vous puissiez les organiser en moins de 9 mois. Après, vous remettez le pouvoir à quelqu'un. Donc, ils vont discuter. Le ministre de l'Intérieur prend note avec son secrétaire général, ils prennent note tout autour, ils font un rapport et qu'ils vont présenter au Conseil des ministres, parce qu'il faut toujours restituer au niveau du Premier ministre et de présenter, et de vous présenter au Conseil interministériel. Le Premier ministre aussi prend le dossier et rencontre au chef de l'État ce qui s'est passé lors de la discussion avec les partis politiques et les membres de la société civile. Oui. Et d'ailleurs, cette régulation, elle s'est passée dans tant de domaines, dans tant de pays. Chaque fois qu'il y a la transition, c'est le volet numéro un. Et même les institutions internationales, ou les représentants des pays qui sont accrédités chez vous, veillent à ce que ce respect-là soit fait. C'est-à-dire que le régime de transition, parce qu'on sait que la transition, le pouvoir n'appartient pas à ceux qui sont là. Ils sont là provisoirement. Ils sont là pour mettre fin à un bordel et pour rétablir un état de droit. Un état vraisemblablement, voilà, de droit, pour que vraiment ils laissent le passage, les témoins à d'autres personnes. Oui. Donc ce volet-là est apprécié par tous les ambassadeurs, que ce soit des ambassadeurs américains. On sait, ils tiennent à ce que ces contacts-là soient lieux. Et c'est déjà ce qui fait la dangerosité de ça. Parce que si les gouvernements ne discutent pas avec les partis, ne trouvent pas de moyens avec des partis, franchement, ça veut dire qu'on est dans une politique de sourds.
C'est-à-dire, vous fermez les oreilles. Les oreilles et vous faites ce que bon vous semble. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas géré pour le pays. Non. La régulation de la vie économique. Il faut faire en sorte, à travers le Premier ministre, qui doit envoyer une circulaire pour l'ensemble de tous les détenteurs des arrêtés ou des permis des activités économiques, n'est-ce pas, d'élaborer une sorte de quête, c'est-à-dire d'examiner, de regarder, de checker qu'est-ce qui a été fait là-dedans, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Est-ce que les obligations contractuelles ont été respectées ou pas? Est-ce que les gens qui ont eu les trucs ont gagné ça en bonne et due forme? Parce que votre mission, c'était de venir mettre fin au bordel. Vous ne devez pas venir fin. Vous voyez que oui, dans le secteur économique, c'est toujours dans le même bordel, avec les mêmes acteurs et les mêmes imbécilités. Non, vous devez arrêter ça. Donc, vous devez créer des gens, des situations pour examiner les contrats et réexaminer tout ce qui s'est passé avant dans le secteur économique pour permettre à l'État de gagner, si l'État ne gagnait pas beaucoup, donc de gagner mieux. Donc, réussir votre tir selon votre compréhension. C'est ça, la régulation dans le cadre de la vie économique. Donc, regardez les modalités d'arrêt de gabésie financière, c'est-à-dire les gens qui faisaient des vols d'argent, des détournements d'argent public, tout ça. Vous avez regardé, parce que avant de prendre le pouvoir, vous avez regardé tout ça. Vous avez dit, mais écoute, le directeur de la douane, mais regarde qu'est-ce qu'il fait, lui. Lui, il se permet de prendre l'argent de l'État et il fait même la mamaya dans son bureau, soutien du président. N'a jamais été convoqué, jamais. Le soutien d'un directeur national, c'est de faire bien ton travail pour que l'activité, l'État gagne. Ce n'est pas de faire la mamaya. Tu n'as pas besoin de porter des t-shirts pour dire oui, vive tel, tel, tel. Non. Ton travail, ton vivre là, vive tel, tel là, c'est ton activité, c'est ton résultat. Ton résultat. Ton rendement, oui. Si tu as été mis dans les trois mois, qu'est-ce que tu as gagné par rapport à l'ancien qui était là, qui détournait de l'argent. Si lui, il gagnait 300 millions et que toi, tu es venu, en l'espace de 3 mois, tu as gagné 1 milliard, donc tu as fait ce qu'on appelle un volume de record de travail. C'est ça ton soutien. Si tu veux soutenir un président de la République, c'est dans le travail, ce n'est pas dans les mamayas. Les mamayas appartiennent aux autres. Dans la vie en société, on a vu ça depuis l'étape de l'histoire du Mandène. Chaque sous-catégorie sociale a son travail. Donc si vous êtes fonctionnaire, faites en sorte que le pays bouge bien. C'est pas en prenant l'argent. Vous êtes le directeur national des impôts, vous prenez l'argent. Vous dites, vous manipulez les jeunes de porter des t-shirts pour soutenir vivre ça. Et, tu vois, non. Laissez le pays son travail, des choses comme ça. C'est des trucs. Dès que je vois ça, je constate ça. Premièrement, on va porter plainte pour que le procureur de la République fasse des enquêtes, poursuivre, regarder, prendre tout ce qui n'a pas été, tout ce qui ne t'appartient pas. Oui. Donc voilà la régulation de l'État, la régulation de la vie de l'État sur le plan économique. Sur le plan social, qu'est-ce qui se passe? Il faut regarder aussi, c'est très important. Sur le plan social, l'État doit veiller parce que vous avez pris le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous avez dit non, il y a trop de chômage. Vous avez dit non, il y a trop de gens qui ne mangent pas bien. Il y a trop de maladies. Les hôpitaux ne reçoivent même pas les gens. Il n'y a même pas de médicaments. Il n'y a pas de médecins, etc., etc. Vous avez pris le pouvoir. Pourquoi? Pour au moins faire des économies, soulager les gens là. Donc, faire pousser un peu la pétanité. Améliorer leur vie. Donc, c'est ça le rôle de l'État. Réguler la précarité, faites en sorte que les emplois qui ont stoppé puissent redémarrer, oui. Que les hôpitaux puissent recevoir les gens, que les gens puissent manger, puissent être soignés. Ce n'est pas de satisfaire tout le monde, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais il faut faire le minimum pour redresser. Parce que ce qui est difficile dans la vie, c'est de voir que vous, qui dirigez le pays, vous êtes à l'aise et que vos frères et sœurs qui sont au bas de l'escalier, là, ils n'ont même pas, des familles ne mangent même pas par jour. Donc, si vous voyez ça dans un pays qui est supposé être un pays riche, mais qui ne bénéficie pas de sa recherche-là, si vous vous êtes engagé à prendre le cours normal de votre pays, donc les destinées de votre pays, vous devez faire en sorte que de changer la donne de l'escalier pour que vraiment les populations puissent bénéficier. Oui. Donc, voilà, en quelque sens, c'est le rôle de l'État. Donc, le rôle de l'État, c'est de réguler la vie politique, discuter avec les partis, discuter avec les syndicats pour créer une bonne entente de la démarche du processus électoral qui va être engagé. Discuter avec les acteurs économiques, les sociétés, etc., etc., pour que les corrections soient faites et que le pays puisse bien tirer ce profit de sa recherche. Discuter avec le secteur social, c'est-à-dire regarder dans le pays quels sont les moyens qu'il faut booster le chômage, donc donner du plein emploi aux jeunes, donner des médicaments aux gens pour que les gens puissent être soignés.
d'amener les hôpitaux pour que vraiment que les hôpitaux ne refusent plus les gens qui sont malades, qui n'ont pas de moyens. Donc voilà ce qui doit être fait par l'État. Pourtant, tous ces trucs-là, c'est faisable. Parce que quand on regarde des gens qui viennent dans le gouvernement, c'est pourquoi moi, même si M. Kamara vous est président de la République, si vous m'appelez pour venir dans votre gouvernement, on discute d'abord, et moi je ne viens pas comme ça. Hein. Non, 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 on discute d'abord. On discute d'abord, je dis je viens pour quoi? Je viens pour ça, ça, ça. Et si je dois venir, il faut que je vienne avec telle personne. Si ce n'est pas le cas, allez, basta. Monsieur, Kamara. Merci de m'appeler, je suis d'accord avec vous, je vous respecte, vous êtes mon grand frère, mais appelez quelqu'un d'autre. Il y a d'autres Guinéens. Moi, je ne viens pas pour mon intérêt personnel, ce n'est pas mon problème. Moi, je viens, c'est parce que j'ai la cause et j'ai la conscience que les Guinéens peuvent faire quelque chose pour leurs propres frères. Parce que quand tu regardes ce que les gens et les autres volent par jour, c'est incalculable. Quand tu regardes ce que les gens détournent par jour, c'est incommensurable. Parce que tout ça, ça peut faire en sorte qu'on puisse corriger ces imperfections-là pour soigner un peu la précarité dans le pays et remettre les jeunes dans le plein emploi. Ça a été mon ambition quand j'étais vice-président de ma société. J'ai dit comment je voulais le faire. Et depuis, j'ai créé un projet en un temps de record pour que le projet puisse démarrer dès 2012, là, pour commencer à donner au moins une recette fiscale de plus de 1 milliard à l'année pour que le pays commence à amorcer son propre développement sans regarder ce qu'on appelle la Banque mondiale et les FMI. Moi, dans tous les circuits où je rentre pour positiver. Si c'est pour mon intérêt personnel, je vais refuser. Parce qu'il y a des présidents, soi-disant élus démocratiquement, ils m'ont appelé pour travailler avec eux, j'ai refusé. Parce que franchement, je ne veux pas rentrer avec une équipe que je ne connais pas. Donc voilà. Monsieur Kamara. Donc le rôle de l'État, c'est un peu ça. Très bien. C'est réguler la politique, réguler l'économie et réguler la vie sociale. Pour que chacun puisse se sentir dans un cadre de bonheur, pas de l'enfer dans son pays. C'est ce que j'ai toujours dit. Et si vous avez remarqué, dans tout mon raisonnement, je soutiens à ce que le pays soit un facteur de bonheur et pas un facteur de malheur ou de l'enfer pour les citoyens. Très bien. Donc c'est ça un peu pour répondre à votre question. Merci les auditeurs, vous avez compris, écoutez M. Touré, comment, c'est-à-dire le rôle du président et son premier ministre dans un gouvernement de transition doivent fonctionner. Et puis M. Kamara, le dialogue là, le dialogue. Oui. Mmh. Le dialogue, permettez-moi d'ajouter. Non, 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 go ahead. Vous ne pouvez pas faire semblant de dire, vous ne pouvez pas faire semblant de dire que oui, on va insérer le dialogue, les discussions avec le truc, pendant que vous avez certains acteurs qui sont en prison. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Pas du tout. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez faire un dialogue de sourds. Mais qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui vous pousse de prendre des gens et les mettre en prison? Pourquoi? Quel piqué de moustique qui pique les dirigeants là à se sentir à l'aise de prendre des gens? Au regard de tous les droits, de prendre les gens et les mettre en prison et de les coffrer en prison. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ils n'ont pas de dignité, ces autres-là. Ils ne sont pas guinéens comme vous. Yes. Pourquoi vous le faites? Parce que vous êtes dans le pouvoir. Oui. C'est ça qui pousse les gens. C'est ce que je vous dis. Nous sommes à un petit bout de doigt pour une révolte grave. Parce que, à un moment donné, les gens vont tirer. Les leçons ont déjà été tirées. Pourquoi vous mettez les gens en prison? Après, vous dites, vous allez faire du dialogue. Non, faites le dialogue sincère avec les gens. Vous dialoguez pas pour vous-même, vous dialoguez pour le pays. Pour le pays. À chaque fois que quelqu'un met dans sa tête qu'il dirige, c'est pour lui. Non, tu diriges, c'est pour le pays. C'est pour la République. Et la République, c'est pour tout le monde. C'est ça la première erreur. Quand quelqu'un pense que oui, il est nommé ministre, ou il est nommé premier ministre, ou il est nommé ceci, cela, c'est pour lui. Non, c'est pas pour toi, c'est pour le pays. Tu aides les gens à ce que leurs conditions de vie soient améliorées. Mais tu peux pas faire ça en faisant des fausses caricatures là. Pour dire oui, je vais dialoguer, alors dialogue avec qui? Les gens sont empêchés de rentrer chez eux. Sont empêchés. Et même quand le gouvernement, quand quelqu'un même ne veut pas rentrer, quand bien même quelqu'un ne veut pas, le gouvernement a toutes les modalités, a tout l'échange de dépêcher une délégation pour rencontrer les gens, même à l'extérieur, pour discuter avec eux, pour avoir leur point de vue. Parce qu'une république, c'est ça. Une république, c'est ça. C'est-à-dire que chacun donne son idée pour que ça marche. Surtout quand vous bénéficiez de ce qu'on appelle un temps de transition, pour dire oui, on a mis. Faire au chaos, mais on va faire un nouveau truc qui va être bien pour tout le monde. Quand ça va être bien pour tout le monde, ne poussez pas les gens à l'exclusion. Non. Il faut faire une part de responsabilité dans un cadre inclusif. C'est ce qui est important pour le pays et pour la nation. Très bien. Vous avez écouté Monsieur Touré pour ses précisions envers notre Guinée, envers le gouvernement actuel de transition fonctionne mal. Il faut se dire la vérité.
Mamadi, le gouvernement de Mamadi fonctionne sur une base ethnique pure et simple. Juste un temps pour lui permettre d'avoir de l'argent et quitter le pays. Il n'a pas le souci de ce pays. Claire. Vous avez écouté le frère compétent. Et on a plus de combien de jeunes comme ça, mais ils refusent d'exercer leur métier comme ça se doit. Regardez la justice guinéenne. Pensez-vous qu'ils ne connaissent pas? Non, ils connaissent, c'est un refus. C'est devenu de n'importe quoi. On recrute sur une base d'ethnique. Régionalisme. C'est pas sérieux. Soyons sérieux quand même. C'est nécessaire pour nous, pour la nation. Très bien, nous allons passer à... Monsieur Touré, vous allez prendre un peu d'eau parce que je vais encore passer aux cinquièmes questions. Prenez un peu d'eau d'abord. Prenez un peu d'eau parce qu'aujourd'hui, là, c'est chaud ici. Si vous, si vous avez des questions, il y a une sœur qui nous pose... Alors, j'ai une question pour Monsieur Touré. Avec 15 millions d'habitants, avant... Attends. Reposez encore la question. Attends, je vais essayer... Et donc, à reposer la question, à la fin de l'émission, on va revoir... Yeah, vous pouvez reposer la question à la fin de l'émission. Il va essayer d'aborder un peu et nous donner quelques précisions par rapport à ça. Maintenant, ma cinquième question. Quelle est votre appréciation concernant la conduite de la transition pour le CNRD? Bon, la question là, je pense que vous avez beaucoup de langage de réponse dans les réponses précédentes. Oui. Et donc oui. Ça veut dire que je ne dois pas beaucoup pas de temps sur ça. Oui. Ce qui est sûr, de manière très pratique, je suis pas du tout de même avis que ceux qui disent oui ça va non. Moi je suis pas dans ça. Oui. Pour mon pays, je l'ai dit. Le fait de prendre le pouvoir et de retirer les pouvoirs dans les mains du shaitan, c'est une bonne chose. Oui. Mais encore, faudrait-il pas éviter qu'on continue sur le chemin du shaitan? Parce que le shaitan, il s'en foutait de la justice. Oui. Le shaitan, il s'en foutait de l'armée. Oui. Il s'en foutait de tout, de la vie des Guinéens. Ça ne le considère pas. Pas du tout. Lui, le shaitan, il faisait que son chemin, c'est-à-dire rester le pouvoir au pouvoir de façon éternelle. Mais puisque le shaitan a été cherché et qu'on a créé la transition, et comme je l'ai toujours dit, moi, la première des choses que je n'apprécie pas, c'est le fait que les gens, ils ont mis au moins 8 mois pour mettre la CNT. J'ai pas apprécié le vide là. Oui. J'ai pas aimé ça. Parce que 8 mois, c'est du temps perdu. Imaginez un pays comme la France. Une journée perdue égale à une économie de 2 milliards d'euros perdus. Une journée perdue. Imaginez, recalculer ça à 8 mois. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va de combien de milliards? C'est beaucoup. Ça veut dire combien de milliards? C'est beaucoup. Mm-hmm. Donc, il faut que les gens aient ce sentiment-là, d'avoir pitié au pays. Le CNT, comme je l'ai dit, moi, je suis là, chef du gouvernement. Mon CNT, c'est en moins 10 jours. En moins 10 jours. Les représentants, tous les représentants des préfectures sont là. Les deux éléments, parce que, pourquoi on va sur eux? C'est pour que les gens, à l'intérieur, participent dans la vie. Mais, non seulement ils ont mis 8 mois, mais ils ont mis le CNT par rapport aux éléments qu'ils ont créés à Conakry. C'est représentant des partis, c'est ci, c'est des partis, c'est là, de nous. Que les référendums, ça veut dire que l'intérieur s'en fiche de ça. Ça, c'est pas normal. Yeah. Ça, ce n'est pas normal. C'est un défaut de truc, ça, de considération. C'est pas normal. Il y a des questions qu'ils abordent, alors que ces questions ne sont pas à l'ordre du jour. Les questions de recrutement de l'armée, je l'ai répété. Oui. Ça, c'est pas à l'ordre du jour. Nous n'avons pas une armée qui est en guerre. Nous avons une armée qui est appelée armée de surveillance. Oui. Nous surveillons l'ensemble de nos frontières. Oui. Nous surveillons la défense et l'intégrité de notre territoire. Nous ne sommes pas agressés. Et même quand bien même on est agressé, nous avons en Guinée des communautés qui sont nés soldats. Ils sont nés soldats. La preuve est que quand il y a eu des attaques de Alpha Condé, l'attaque de rébellion de Alpha Condé en 2000-2002, ce sont des gens-là mobilisés. L'armée, beaucoup de gens, 60%, 70% de l'armée, les gens avaient fui. Des militaires avaient fui. Ce sont des gens de nos communautés-là qui sont nés militaires, qui se sont levés. Ils ont dit, OK, nous, on va faire la relève. Donc, t'as vu, les mobilisations ont été faites dans les quartiers, à Matam,
à Kaloum, etc., etc. Les jeunes sont rentrés directement dans l'armée, ils ont repris le courage, ils ont défendu leur territoire. Donc, ouais, pourquoi ça sert d'aller à Kérouané, à Massanta, d'aller à Sikirin Kankan pour recruter les jeunes là-bas pour dire soit il faut rentrer dans l'armée? C'est pas ça notre truc, notre transition. Ça, c'est une autre vision. Peut-être une vision où il ne pas perdre le pouvoir. Ça, il faut se dire la vérité. Si les gens recrutent les militaires pour dire oui, c'est pour garder le pouvoir pour longtemps, ça, c'est vous tromper carrément. Enlevez-vous ce cliché-là. Et Djamine. Enlève ce cliché-là. Surtout le d'ailleurs. Tu peux pas aller dans les. Et puis, mieux, des gens qui n'ont. Souvent, c'est des gens qui n'ont fait aucune formation, qui n'ont aucun niveau. Mais puisque c'est de la communauté, on dit OK. C'est pour notre intérêt, on recrute les gens. C'est pas ça. Nous avons des problèmes de formation au sein de l'armée. Je les rappelle. Les différentes formations ont fait faillite durant tous les 11 ans de Alpha Condé. Les gens, l'armée était abandonnée. Maintenant, l'armée doit reprendre le socle. Mais pour que l'armée reprenne le socle, il faut qu'il y ait des élites dans l'armée. Il y a beaucoup d'élites dans l'armée. Il y a beaucoup d'intellectuels dans l'armée. Il y a beaucoup de gens qui sont informés et formés dans l'armée. Il y a beaucoup de gens qui vont servir de donc, comme vous faites ça, ce n'est pas un rôle. Je n'apprécie pas cette transition. Je n'apprécie pas une transition qui casse les maisons des gens, des pauvres gens. Merci. Tout simplement par la configuration géographique ou communautaire. Je n'apprécie pas ça. Je suis du principe que si on doit faire une loi, et que la loi soit générale pour tout le monde. Pour moi, la loi, elle est générale pour tout le monde. La loi, elle est impersonnelle. La loi, elle intéresse tout le monde. Si on doit récupérer les biens de l'État, on doit récupérer les biens de l'État sur l'ensemble des territoires. Mais on ne doit pas récupérer à Mamou, on récupère à Labé, à Zélekouré, on ne récupère pas à Kankan, à Sigiri, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Et puis quand on est président de la quand on est chef de l'État ou quand on est premier ministre, quand on doit faire une décision, il faut que la décision, on se reconnaît là-dedans. C'est-à-dire quand tu dois offrir quelque chose, prends conscience que ce que tu offres, est-ce que ça va faire plaisir si on t'offrait à toi? Donc ce que tu fais aussi à quelqu'un, prends conscience, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien? Si on le faisait à moi, oui. Si on le faisait à moi, est-ce que c'est bien? Donc il faut réfléchir avant d'agir des choses. Jusqu'à maintenant, les peuvent être réglés. Mais si vous continuez dans l'injustice, c'est vraiment grave. Donc je ne suis pas dans cette appréciation où le chronogramme, donc autrement dit, le calendrier de la transition est obscur. Je ne suis pas dans ça. Où on dit c'est combien d'années? Non, pour moi, la transition, ce n'est pas un mandat. Pour moi, la transition, ça doit aller de compte tenu des problèmes, ça doit aller de 6 mois jusqu'à 12 ou 14, 16. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quoi la transition? Quels sont les points 5 qu'il faut faire dans la transition? On fait la transition, c'est pour réguler la vie de l'État, et c'est pour réguler, on regarde, on dit oui, parce que tu as tes dégâts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est les fichiers électoraux, vous révisez ça. En 6 mois, vous pouvez réviser le fichier électoral. Punir tout pour que les citoyens nouveaux soient recensés, que tout soit encadré, les trucs soient répartis, tout soit préparé. En 3 mois, vous pouvez régler tout, la loi oui. constitutionnelle, vous pouvez faire la oui. loi fondamentale, vous pouvez reviser les lois sectorielles, les autres lois, les lois organiques, les lois pénales, le code de procédure pénale, les lois civiles, les codes de procédure civile. Vous pouvez réviser tout ça si vous avez des astuces à apporter. Parce que vous prenez le pouvoir, c'est pour apporter de nouveaux trucs. Donc si vous avez de nouveaux éléments à apporter, vous avez ça dans votre bouillon, dans votre canevas, dans votre programme. Quand vous venez, vous envoyez vos idées avec les spécialistes. Ils corroborent tout ça pour aller vite. On ne peut pas se permettre de perdre du temps comme ça. Les pertes de temps, il faut les éviter juste pour les intérêts. Non, ça c'est des jeux qu'on ne peut pas tenir compte dans une république. Donc tu vois, moi j'aime pas une transition qui exclut des citoyens. J'aime pas ça. C'est-à-dire, on dit aux gens, OK, vous êtes la bienvenue, mais d'autres ne sont pas la bienvenue. C'est pas normal. C'est pas normal. J'aime pas une transition qui va mettre que, comme je l'ai dit, 70% à 80% d'une même communauté dans l'appareil d'État. Au ministère, au secrétariat général, dans les ambassades. Partout. Dans les divisions, dans les directions, même dans les sous-directions. C'est pas normal de faire ça. C'est pas normal de faire ça. C'est pas une autre chose. Si vous faites ça, vous créez d'autres situations. Et quand ça arrive, ces situations-là, beaucoup d'autres seront en chômage pendant toute leur vie, tout le reste de leur vie. C'est comme ça. Il faut vous préparer les idées comme ça. Il faut réveillez-vous. Des gens qui agissent comme ça, réveillez-vous. Ne prenez pas votre chèque pour demain. Il faut gérer comme ils ont fait certaines personnalités, comme le général Lansana Conté qui a géré le pays sans tenir compte de ses parents, de son ethnie, etc., etc.
Très bien. Il a mis les peuls partout. Il a mis les maléfiques. J'ai de la peine quand je parle. J'ai de la peine pour le dire. Oui. Il a mis des gens partout, des Guinéens partout. Yep. Donc il a mis les Guinéens partout. Donc il faut pas faire ces choses comme ça. J'aime pas la tradition de cette manière-là. Très bien. Donc j'aime pas une tradition qui conduit un dialogue qui n'est vraiment pas un dialogue. Pour moi, c'est une perte de temps. Très bien. Voilà. Parce qu'un dialogue responsable, ça se fait avec des manuscrits. Ça se fait avec des manuscrits. On va revenir. S'il y a temps pour qu'est-ce qu'un dialogue en matière politique, oui. Ça se fait de manière, parce qu'on dit en français que la parole s'envole mais l'écrit reste. Oui. Donc un dialogue, ça se fait. C'est pour cela que demain vous ne pouvez pas mentir. Une fois, si c'est le gouvernement qui ment, on sort ça à la presse pour dire ouais, quand tu nous as convoqué au dialogue, voilà ce qu'ils ont écrit, paraphé, signé par vous. Les autres aussi sortent oui, mais qu'on a répondu ceci, cela, ils n'ont même pas tenu compte. Voilà ce qui se passe. Un dialogue, ce n'est pas de venir où vous échangez des verbes comme ça, vous parlez comme ça, non. Des verbes là, ça suffit pas. Il faut des actes. Donc voilà, moi, je n'apprécie pas. Pour Merci. Moi, il faut que la transition soit claire, que son temps soit défini, que les gens, honnêtement, ils s'apprêtent à quitter. Parce que ce qui est grave, quand on n'a pas le mentor de commander un pays, il faut laisser la place à d'autres Guinéens qui ont le mentor de commander le pays pour ne pas augmenter les souffrances des Guinéens. Voilà, monsieur Kamara. Très bien. Aujourd'hui, la souffrance des Guinéens a augmenté. Ça ne va pas du tout. Mamadi, je vais te dire une chose. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce poste-là a été un accident pour avoir ce poste-là. Ce n'est pas pour toi. Tu continues à enfoncer ce pays dans les merdes. Tu continues à donner l'occasion aux prédateurs de détruire ce pays comme avant. Mais mon frère, ce pays-là ira jusqu'au bout, retrouvera son chemin, que ce soit Mamadi ou une autre personne, c'est clair. Mais ce que vous avez fait dans ce pays vous rattrapera. Ça va vous rattraper. Depuis 64 ans, jusqu'ici, c'est le même système qui fonctionne dans ce pays. Instrumentalisation de la justice, l'ethnocentrisme, attribution des choses par affinité. Ça ne va pas continuer, c'est fini. Très bien, monsieur Touré, encore merci pour votre temps, encore merci pour votre disponibilité de nous donner votre point de vue, comment fonctionner. Un président, un premier ministre dans un pays, dans une période de transitoire. C'est très important, c'est pourquoi je disais au départ de noter, prendre les bouts de papier, surtout d'air Idi Amin. C'est pourquoi mon frère n'aime pas prononcer ce nom-là, parce que Idi Amin, là, c'est pas bon pour la Guinée. Le nom-là même, ça ne doit pas exister. Idi Amin, le confusionnaire. Celui qui recrute des gens par affinité, sur une base ethnique, sous prétexte peut-être de garder le pouvoir. Quel pouvoir? Ça, c'est fini, mon frère. Tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, la souffrance, quotidiennement, c'est vous, monsieur Idi Amin. Croyez-moi, vous allez le regretter et rendre compte aux Guinéens. Très bien, monsieur Touré. C'est gentil vraiment de votre part. Prenez un petit verre d'eau. Je vais souffler un peu et vous allez souffler aussi également un peu. En mettant. Ça, c'est monsieur Touré. Et bien, mine, c'est comme ça qu'il faut gérer une nation. C'est pas pour mettre la photo. C'est quoi ça? Faut ouvrir ce pays, mon frère. On est fatigué. Oui. L'arrogance. Moriya di fanyin
Matoma, Fonga Niso, Nondi, a rétabli au Mono, qu'on a voulu. Aya la wana, Rion Infamoufan. Très bien, monsieur Touré, vous êtes là? Oui, monsieur Kamara, mais là. C'est bon maintenant, votre niveau là-bas? Oui, c'est bon, tranquille. Très bien. C'est bon. Ma sixième question s'apprête. Elle est là déjà. Quelle relation doit exister? Je dis bien quelle relation doit exister entre la CEDEAO, parce que c'est une institution qui couvre, qui veille les problèmes socio-économiques de la sous-région, et le gouvernement de transition. Quelle relation doit exister entre la CEDEAO et la Guinée? Un gouvernement transitoire. Oh, ça va. Attends, donne-moi une minute. Idi Amin est là. Amara, tu es là. Il ne s'agit pas de regarder le tableau et lire. Non, c'est de concrétiser. Écoutez votre frère. IST. Bala, tu es là. Mamadi également, mon frère. Wile Moufalama, Imoussigama Dede, Ibori. Claire. Allez-y, monsieur Touré. Bon, c'est pas possible. c'est pas possible. Ah oui, vous savez, oui. Vous savez, monsieur Kamara. Oui. Il y a où il y a problème. Okay. Où il y a problème. Oui. C'est que, comme je l'ai toujours dit, il est possible de comprendre d'abord qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on fait, on le fait pour soi-même ou bien on le fait pour le pays? Ça, c'est la question. Très bien. Si on sait qu'on fait pour, on travaille pour le pays, je crois que là, il n'y a pas de problème. On fait tout comme cela se doit, comme tout cela est écrit. Parce que moi, je ne suis pas sorti. Je dois me permettre de sortir en dehors de ce qui est écrit. Donc, les relations entre la CEDEAO et le gouvernement, par exemple, issu de la transition. Vous devez savoir que dès qu'il y a une prise de pouvoir, les premières activités de la CEDEAO, c'est de prendre un acte pour dire oui, nous prenons acte de changement et voilà, nous demandons aux autorités de rétablir l'ordre, etc., etc. Donc, les gens, ils prennent acte. Oui. Ils demandent jusqu'à de clarifier les positions jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Oui. Donc, voilà. Ils demandent de rétablir, parce que la CEDEAO, ce sont des institutions sérieuses. Oui. Et ils sont habilités, ces institutions-là sont habilitées par la loi, donc ils doivent travailler que ceux qui reconnaissent la loi. Oui. Donc, ceux que la loi ne reconnaît pas, les gens-là ne peuvent pas se mêler, normalement. Oui. Mais, compte tenu du fait que ce sont des organisations qui sont créées par ces mêmes États-là, donc les gens-là ne peuvent pas rester bras courageux. La première des choses, quand c'est comme ça, ils envoient leurs propres délégations. Ils envoient les délégations pour regarder avec le gouvernement sur place, d'abord pourquoi ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils comptent faire, etc., etc., etc. Donc, les gens et les autres arrivent à se convaincre jusqu'à ils trouvent un terrain d'entente pour dire « oui, accompagnez-nous jusqu'à ce qu'on cède le pouvoir à ceux qui vont venir de manière légale ». Donc la CEDEAO dit oui, ok, nous sommes prêts à vous accompagner jusqu'à ce qu'on retourne à l'ordre normal. Donc, mais la CEDEAO va dire donnez-nous les chronogrammes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est votre plan de travail, votre conduite. Ça n'a pas été le cas chez nous. C'est dans le chronogramme que les gens regardent pour dire oui, on veut prendre le pouvoir, c'est pour 12 mois ou c'est cela. Vous savez, c'est nous ce qui a été le flou majeur déjà. Oui, le flou majeur. Le premier acte de la prise du pouvoir. Oui. L'armée n'a jamais dit on a pris le pouvoir pour combien de temps. L'armée, ils ont toujours dit ceux qui ont parlé au nom de l'armée. C'est difficile pour moi-même de parler de l'armée parce que les gens ont parlé au nom de l'armée. Ceux qui ont parlé au nom de l'armée se sont dit oui, nous avons pris le pouvoir, mais quand, s'agissant du côté de la durée,
C'est pas nous qui allons fixer la durée et c'est le CNT. Alors que c'est pas le CNT qui a pris le pouvoir. Et les partis politiques, d'après eux. Hein? Le CNT, les partis, c'est-à-dire composés des partis, c'est ça qui vont. Non, c'est pas le CNT. C'est vous qui avez regardé. Vous avez dit oui, ça va mal dans le pays. Si moi je suis là, en 12 ans, ou bien en 12 mois, ou bien en 2 ans, ou bien en 1 an, c'est à toi, dès la première déclaration, il faut dire. L'armée a pris le pouvoir pour 12 mois, pour créer une période de transition, pour redresser l'ordre et rétablir les droits, etc., etc. Il faut dire ça, il ne faut pas que ça soit flou. Parce qu'on sait que le CNT, ça ne vient pas aussi par le vote des populations. Ce n'est pas les populations de l'abbé, de Kissidougou, de Farana qui ont voté pour que le CNT soit là, non. C'est par votre gré, le gré de ceux qui ont pris le pouvoir. Donc il ne faut pas perdre, tu vois, ces jeux politiques-là, on doit pouvoir arrêter ça. Le temps est passé. On n'est plus au 18e ou 19e siècle. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque des réseaux sociaux où tout se sait. Donc, on ne faut pas aller dire que oui, on est plus intelligent que les autres. Non, tout le monde est intelligent, sauf celui qui se laisse faire. Yeah. Donc, les gens, ils regardent le chronogramme des gens de la CEDEAO. Ils disent, est-ce que c'est tenable? Si c'est tenable, le gouvernement dit, OK, bah, écoute, on a des problèmes financiers, il faut nous aider à avoir ça, 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 comme ça, tout sera prêt, tout sera nickel avant tel. Donc, la CEDEAO joue un rôle d'accompagnement. C'est comme ton enfant. Il prend un truc, tu l'accompagnes en tant que père. Mais il est difficile de parler comme ça, parce qu'en relation internationale, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les États qui créent les institutions. Donc, pour être clair, les États sont plus costauds, plus âgés que les institutions. Et c'est pour cela que certains gouvernements banalisent la décision des institutions. Parce que les États se sentent plus forts que les institutions, vous comprenez? Parce que c'est eux qui ont créé les élus. Donc c'est ce qui fait que même les États font outrepasser leurs droits, les structures comme la CEDEAO ne peuvent envisager que, au-delà de leur outil de justice, parce que la CEDEAO a ce qu'on appelle une institution judiciaire là-bas, la Cour de justice, la CEDEAO, qui peut régler, mais tout ça, ça prend du temps. Mais ils ont d'autres mécanismes aussi, des mécanismes d'intervention comme l'armée, par exemple, tout ça. Ils ont le déploiement de forces. Ils ont tout ça qu'ils peuvent faire, mais en tenant compte de la demande des pays membres. Donc, voyez-vous, donc, quand ça ne va pas, la CEDEAO peut dire oui, on vous accorde ceci, on vous accorde cela, mais respectez votre délai. Mais c'est si et seulement si vous ne respectez pas votre délai que la vie va te pourrir, ça va pourrir entre vous. Et quand ça va pourrir, les premières sanctions vont commencer à tomber. C'est d'abord, ce sont les sanctions diplomatiques. On va vous interdire de voyager, on va saisir vos biens, etc., etc. On va vous exclure de la zone économique exclusive de la CEDEAO, comme ça. On va vous créer beaucoup de bordel pour que vraiment vous puissiez réfléchir pour voir, oui, on est sur un mauvais rail. Et si vous persistez là-dedans et que la souffrance du peuple s'augmente, s'accroît beaucoup, la CEDEAO a d'autres mécanismes d'intervention. Oui. Donc, qu'elle a déjà appliqué au niveau de certains pays de l'Afrique. Tels que la Gambie. Notamment au Libéria, etc., etc. La Gambie. C'est-à-dire, c'est le déploiement des forces. Oui. À ce niveau aussi, il faut faire la différence. Il y a trois forces qui sont reconnues par la fonction de ces institutions-là. La première des fonctions, ce sont les forces d'intervention, n'est-ce pas? Les forces d'opposition et les forces d'observation. Les forces d'intervention, d'opposition et d'observation. Donc, intervention, c'est quand ça pourrit entre vous, il faut venir quelqu'un qui va, voilà, venir s'intercaler entre vous. Opposition, c'est quand quelqu'un qui... Donc, tu vois, donc la force d'observation, c'est quand la paix est là, quelqu'un qui va regarder, oui, si tout est... On a abandonné tout, tout. Donc, la CEDEAO a beaucoup de mécanismes pour arriver là. Je pense que ce n'est pas le cas pour l'instant pour la Guinée. Le cas pour la Guinée, aujourd'hui, on est au niveau des sanctions diplomatiques, là, qui consistent à sanctionner pour les dirigeants à quitter les pays. Et ces sanctions-là sont répercutées au niveau continental, c'est-à-dire au niveau de l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine, au niveau de l'Union européenne et au niveau de toutes les institutions internationales. Donc, il n'y a plus. Parce que les institutions internationales aussi sont basées et sont représentées à travers ces escaliers de décision-là. D'abord, sous-régional à travers la CEDEAO, continental à travers l'Union africaine, et l'Union européenne, etc., etc., et international à travers les Nations unies. Donc, voilà, ce sont les mécanismes qui sont là pour que la CEDEAO soit là comme un arbitre pour aider pour que l'ordre constitutionnel retourne dans le pays. Mais alors, il faudrait que ceux qui ont pris le pouvoir aient conscience que, en refusant d'appliquer ce qu'on appelle le chronogramme, c'est ce qui va arriver. Parce que quand on est flou dans la décision du chronogramme, on pense toujours que il y a une histoire ici, une parenthèse de continuer à garder le pouvoir. Parce que certains ont dit dans les discussions qu'il faut aller à couvrir le mandat de Alpha Condé. Oui, c'est ça. Ce que Alpha Condé a fait
son mandat de troisième mandat là, qui est doté de six ans. Donc et que Alpha Condé l'a fait un an, il faut clôturer les 5 ans. On connaît tous les discussions internes, on connaît ça. Mais on a rappelé que des pays, ils ont certains pays comme la France ont un mandat de 5 ans, d'autres ont 4 ans, etc., etc. On a rappelé tout ça. Donc une transition ne peut pas aller au-delà de 2 ans. C'est impossible. Celui qui va se perpétuer dans ça pour corriger et pour ou bien pour aller, pour insister à aller dans une transition de dur temps là ou de longue durée, vous exposez à tout. Donc c'est ce qui se fait aujourd'hui. Moi je pense que les acteurs de notre pays, ils sont en train de réfléchir pour que la bonne donne revienne dans le pays. Quelle est la bonne donne? C'est le retour à l'ordre constitutionnel, retour à la démocratie, retour à la vie normale. Parce qu'un pays ne peut pas aller avec une transition. Parce que dans une transition, il n'y a personne qui est respecté. Même ceux qui gouvernent. Les présidents de la République. Vous allez vous demander aux autres de poster les ambassades dans les autres pays. Mais les pays autres ne vont pas accepter vos nominations. Vous allez traîner. Il faut mettre un an, tout ça, pour que ces pays commencent à réfléchir pour dire oui, quand même, on va recevoir, ne serait-ce que voilà, coopérer, continuer à coopérer. Mais ce n'est pas un respect, ça. Ils ne vont pas continuer à aider le pays. Parce que le cadre n'est pas légal. Donc, quand le cadre n'est pas légal, ce n'est bon pour personne. Donc c'est pourquoi quand vous avez pris le pouvoir, vous devez réfléchir que c'est pour une transition. Il faut vite la faire et quitter pour aller. Ce n'est même pas la peine que la CEDEAO intervienne pour ça. Moi, je ne veux pas, si je suis un bon fils de mon père, je ne veux pas que mon père vienne pour dire « Ah, mais c'est trop, mais pourquoi tu ne vas pas à l'école ?» Non, j'ai conscience, moi. À 8 heures, je dois me lever pour aller à l'école. Je n'attends pas que c'est mon père qui vient pour dire « Va à l'école. » Non, j'ai la conscience que je dois aller. Ah, M. Touré, pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, j'ai la conscience que je dois faire. C'est ma tâche, je dois la faire. Personne ne doit. Donc, voyez-vous, ça, c'est des cadres de respect. Mais il ne faut pas que les gens viennent jusqu'à vos chevets pour vous dire faites ça ou c'est ça, ou bien à vous exiger des forces là pour que les gens viennent semer les bordels dans votre pays. Très bien. Moi, je crois que la CEDEAO, elle a dans son rôle de venir en accompagnement. Même si, dans un passé récent, cette même CEDEAO avait faussé en acceptant ce qu'on appelle l'aveuglement d'Alpha Condé. Le troisième mandat. Arbitraire. Donc ça, il faut le souligner, il ne faut pas manquer de le dire. Ok. Très bien. Tout en Tanarade. Merci encore, monsieur Touré. Nous allons encore souffler un peu, parce que vous avez encore 3 questions pour... mettre fin à cette émission d'aujourd'hui. Mais soufflons un peu. Oui, parce que j'aime écouter, entendre le libérateur. Comprenez? Très bien. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Cadette, camarade, partagez au maximum dans le groupe. Ina Findi, Ibn Adamara, il passe mes rabots in a man. Sinon, Brina Ray, tu es un mec quand même crément. Mais notre souci fondamental aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre, ce pays à l'ordre constitutionnel. Mettre fin à la justice. Vous avez vu? Vos avocats, vos procureurs t'attendent, corrompus jusqu'aux autres, sans réflexion. Maman dit, tu as intérêt, je dis bien, tu as intérêt de remettre tout en place maintenant là. Sinon, c'est pas bon. Vous avez vu le Premier ministre comment il se comportait vis-à-vis de Amine, la CEDEAO, le Amara, tout le monde, les arrogants. Pensez-vous que c'est comme ça? Que vous pouvez effrayer la CEDEAO ou les Guinéens? Comment? C'est pourquoi je parlais, nos religieux, d'arrêter un peu. Avant tout, c'est la Guinée qui nous concerne. Très bien. Bravo, bravo, monsieur Touré. Bravo, mes éditeurs et auditrices. Bienvenue encore. C'est la patience, je vous ai dit. Surtout, il faut avoir la patience et noter
c'est important, et distribuer, c'est-à-dire partager. Ok? Il faut partager dans les groupes. Monsieur Touré, encore bienvenue. Vous avez encore des questions ici avec moi. Très bien. Tout récemment, le CNT a organisé un symposium sur le constitutionnalisme qui a pour but, je dis bien, qui a pour but la rédaction de la nouvelle constitution guinéenne. Quel est votre avis sur la constitution d'un pays comme le nôtre, sur sa rédaction? Sur ça, je reprends la partie parce que. Non, c'est... oui. Avec plaisir. Très bien. Quel est votre avis sur la constitution d'un pays comme le nôtre, sur sa rédaction? Ça, c'est la première question. Deux, quelle est la démarche à suivre pour doter la Guinée d'une bonne constitution? C'est-à-dire, deux questions dans une question. C'est pas possible. Très bien. Alors, Monsieur Camara, oui. Pour les auditeurs, oui. On va être très simple. Merci, plaisir. Alors, une constitution, il faut la comprendre comme un pacte social. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'un pacte social? C'est un contrat social. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat en matière élémentaire? Mm-hmm. Un contrat, on dit que c'est l'avènement de la volonté des deux parties. Donc, la contraction de la volonté des deux parties. Oui. Ça peut être de deux ou de plusieurs parties. Donc, ça veut dire quoi de cette façon élémentaire-là? Je ne peux pas vous faire rentrer dans l'académie, etc., etc. Mm-hmm. Mais je vous fais pour que vous puissiez comprendre c'est quoi une constitution. Qu'est-ce que c'est une constitution? Une constitution, comment ça va être? Oui. Donc, c'est un accord de volonté entre les parties. Les partis. Quand on dit parti, on veut parler de qui? On veut parler de l'État, on veut parler des partis politiques, on veut parler ici de la société civile, etc., etc. Oui. Donc, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas faire une constitution sans consultation. Parce qu'une constitution, c'est un pacte social, c'est un contrat social. C'est ce que Montesquieu a dit dans l'esprit de la loi. C'est-à-dire que pour que on puisse déléguer les représentants de la nation, c'est sur la base de la loi. Cette loi-là est appelée la loi fondamentale. C'est notre loi, mais c'est tout ce que ça qui règle notre vie. C'est ça qui peut amener les gouvernements, les députés. C'est ça qui nous permet de nommer les gens dans les fonctions, etc., etc. Oui. Mais c'est ça qui nous donne la façon de gouverner, ce qu'on appelle notre mode de gouvernance. Comme vous pouvez le comprendre, c'est quand il y a consultation qu'on va définir ce qu'on appelle le type de constitution qu'on a à faire. On ne va pas seulement dans les cabinets juridiques pour dire oui, la Guinée veut une constitution, faites-nous une constitution, comme Alpha Condé l'a fait. Non. Pour faire une constitution, le gouvernement émet sa volonté pour dire que ce qui était là, c'était une erreur fondamentale. Les gens se sont opposés contre telle disposition. Le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, fait un projet, un brouillon, qui communique au niveau du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres prend écho de ce projet et demande à ce que la nouvelle constitution soit créée. Puisque dans la prise du pouvoir, vous avez dit suspension de la constitution. Ça veut dire vous avez supprimé l'autre constitution qui est là. Yeah. Donc pour que le pays remarche dans le cadre de la loi, il faut une nouvelle constitution. Mais comment faire cette constitution? Comment faire ce pacte social-là? Comment faire ce contrat, ce nouveau contrat social? Il faut qu'il y ait la réunion des volontés des gens qui sont en charge de notre vie politique. J'ai parlé ici des partis politiques. J'ai parlé ici des responsables de la société civile, j'ai parlé ici des gouvernements, j'ai parlé même des religieux, parce que toute opinion est considérable dans la tenue d'une constitution. Oui. Comme on le sait, dans certains pays, il n'y a pas de constitution écrite. Ce sont les constitutions coutumières, donc c'est les us et les coutumes qui sont véhiculés depuis des siècles et des siècles. Mais pour que nous, qui fabriquons ce qu'on appelle des constitutions écrites, pour que nous puissions la émettre et que ça soit respecté par tout le monde, oui. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle ce pacte-là. Yeah. C'est pourquoi, quand le projet est passé, le brouillon est passé par le ministre de la Justice au niveau du Conseil des ministres, le président qui a siégé pour présider le Conseil donne l'autorisation au ministre
de la justice, garde des Sceaux, de convoquer les gens pour qu'on commence sur la rédaction de la Constitution. Donc, ça se passe en deux temps. Il y a le temps avant la Constitution, avant la rédaction, et le temps pendant la rédaction. Donc, avant la rédaction de la Constitution, qu'est-ce qu'on fait? Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il constitue ce qu'on appelle une commission en charge de l'élaboration de la nouvelle Constitution. Une fois que cette commission est nommée, et la commission va se retrouver, va faire une plénière pour regarder parmi les éléments entre eux, qui a le cursus juridique, qui a le cursus intellectuel, qui a le cursus de vie pour au moins coordonner ce travail-là. Parce que ce n'est pas un travail banal, une constitution. Non. Une constitution, c'est la mère des lois, c'est la loi des lois d'un pays, d'une nation. Ça garantit C'est la garantie de vie, c'est notre extrait de garantie de vie en tant que pays. Oui. Donc ça ne va pas se passer comme ça, comme je l'ai dit, comme Alpha Conde le fait de manière banale comme ça. Tu fais donner des contrats de millions aux gens, des cabinets pour faire des constitutions et venir imposer ça dans le pays. Donc, quand une commission est convoquée, la commission se réunit en plénière. Et la commission, en matière restreinte, regarde qui a le corps pour être le président de la commission. Qui a le corps pour être l'adjoint du président de la commission. Qui a le corps pour être le rapporteur de la commission. Donc, ils se dirigent entre eux, ils se regardent les yeux dans les yeux, parce que les intellectuels se regardent les yeux dans les yeux et se connaissent les yeux. Ils se connaissent, oui. On donne la place de chacun, en sorte que chacun puisse faire valoir sa place. De quoi il est capable. Dans la tâche qui lui est confiée. Oui, donc, voilà. Donc ça, c'est le projet avant. Donc une fois que la plénière est passée, la commission va rédiger, ouais, pour qu'on fonctionne, il faut ça, il faut le budget, il faut les moyens pour ça, parce qu'on a besoin de cabinets d'avocats, on a besoin des juristes confirmés pour nous épauler, pour rédiger, etc., etc. avec eux. Et voilà, on a besoin de savoir combien de temps, le gouvernement dit, ok, vous avez 2 mois ou bien 1 mois. Une constitution, on peut la faire en 1 mois. Yep. En 2 semaines, si on a la volonté de faire, on peut pas dire oui, il faut 6 mois pour faire une constitution. Ouais, c'est des trucs inutiles, ça. Une constitution, tout le monde sait. Le corps du texte se trouve dans les ordinateurs, dans les machines, dans les cabinets. Il suffit juste de remplacer les lettres par les valeurs, mais en tenant compte de quoi? Du pacte social. Donc, une fois que la commission, elle est là, elle commence à écrire au gouvernement pour saisir cela. Je veux ça pour commencer. Je veux mon siège. Le gouvernement te dit, OK, vous avez le palais du peuple comme siège. Le ministre du budget et conseiller va vous donner tel montant pour commencer à consulter, à faire ceci, cela. Donc, la commission fait le travail, consulte déjà, envoie des lettres aux entités, aux partis politiques, aux organisations de la société civile, à toutes les organisations de la société civile. Mais il faut le faire de manière groupée parce qu'on ne peut pas écrire à tout le monde. De manière consensuelle. On fait ça pourquoi? C'est pour connaître leur opinion. OK. Nous voulons créer une nouvelle vie sociale, un nouveau contrat social. Oui. Nous voulons que vous participiez. Mais quelle est votre modalité de participation? Vous avez dit, OK, en tant que parti, le parti d'opposition vont dire oui. Donc, nous voulons que ça soit, ce principe-là soit intégré dans la constitution. Mais on veut que, puisque ça doit être intégré, nous voulons que ça soit intégré dans la partie intangible. Parce que toute constitution comprend 2 parties. Une première partie appelée la partie tangible de la Constitution et l'autre partie qui est appelée la partie intangible de la Constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une partie tangible de la Constitution? Ce sont les parties modifiables à toute échéance par rapport à l'évolution de la communauté, des gens, etc., de la population, le renouvellement de la population. Donc on peut s'accorder à changer. Aux États-Unis, on parle d'amendement. Mm-hmm. Tu vois, on peut amender certains trucs parce qu'on dit que la société a évolué, etc., etc. Mais la loi reste telle qu'elle est. Alors que L'autre partie qui est intangible, ce sont les dispositions qu'on ne revient plus, qu'on ne change pas, qui ne bougent pas. En Guinée, par exemple, ce sont là les formes de la forme républicaine de la Guinée. On dit que la République de Guinée est indivisible. Ça, c'est l'article de la Constitution. Le premier article qui est dit, il est créé en Afrique de l'Ouest, un pays appelé la République de Guinée et libre, une et indivisible. Ça, c'est le premier truc qu'on colle dans la Constitution. Aux États-Unis, c'est la forme fédérale qui est dans la Constitution américaine. Yep. C'est-à-dire que puisque l'Amérique est composée de 50 États fédérés, yep, on dit que l'État fédéral, c'est personne ne peut. Vous pouvez amender tout, mais vous ne pouvez pas amender ça. Ça, c'est les États-Unis. Yep. C'est par exemple l'émission monétaire au niveau de la Banque centrale américaine. Le dollar est émis seulement par la Banque centrale. Le dollar n'est pas émis par d'autres États, petits États là. Oh, tu vois, c'est ça.
et la diplomatie internationale, ce sont les obligations de la, du pouvoir fédéral. Donc voilà. En Guinée, on dit que c'est la laïcité. Donc après la forme républicaine, on dit que c'est la laïcité. C'est-à-dire la République de Guinée est laïque. Il n'y a pas de dire oui, c'est pour les musulmans, c'est pour les catholiques, c'est pour les ceci, c'est pour les cela. C'est un pays laïque. Voyez-vous, on dit en Guinée, c'est les libertés, comme partout d'ailleurs. Les libertés se constituent ce qu'on appelle l'exercice des valeurs fondamentales. Donc, il y a des parties qu'on appelle les valeurs intangibles, ce que vous ne pouvez pas du tout modifier. Ce n'est pas quelqu'un va venir au pour dire, non, en Guinée, on va créer la République du Fouta, parce que je suis peu, excusez-moi de dire le mot, oui. Je vais créer une république qui s'appelle maintenant République du Fouta. Ce n'est plus République de Guinée. On ne peut pas dire ça. On peut modifier le nom du pays, mais on ne peut pas calquer sur le une communauté. Et le nom d'une communauté, par exemple, on ne peut pas faire le communautarisme, non, on ne peut pas coller. Ce n'est pas la République. Donc, voyez-vous comment c'est difficile de rédiger une constitution. Parce que la constitution, elle s'applique sur qui? La constitution s'applique sur les hommes et les femmes qui vivent sur un territoire, comme je l'ai expliqué. N'est-ce pas? Qui vivent sur un territoire. En Guinée, nous avons un territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une question précédente, etc., etc. On a un pays, on a une nation, donc notre constitution s'applique là-bas. Et il faut que cette constitution tienne compte des valeurs de ces gens-là. C'est pourquoi on doit écrire à ces entités-là. Les partis politiques disent, ouais, moi je veux ça, je veux ça, je veux que ça soit là-dedans. Les organisations disent, oui, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et ces notes-là, ce n'est pas seulement que les partis vont les écrire. Les partis, non seulement vont les écrire, ou ces entités vont les écrire, mais vont aller chez le notaire pour faire un acte notarié. C'est-à-dire que ça doit passer chez le notaire pour ne pas que tu changes ta phrase demain. C'est-à-dire officialiser. J'avais proposé ça, mais c'était pas ça. Ou bien oui. C'est quelqu'un qui a modifié parce que les politiques savent mentir. Oui. Donc, voyez-vous, quand ça ne va pas, ils trouvent des portes de sortie. C'est pourquoi on fait appel aux actes notariés des organisations-là, des entités-là. Quelle que soit votre opinion, ce que vous allez faire, vous allez écrire sur votre papier en tête, vous cachetez vous. Mais vous passez devant un notaire qui va valider. Après, vous envoyez au niveau de la commission. Et la commission, elle va collectionner les actes venant des partis, les actes venant des sociétés, de la société civile, les actes venant du gouvernement, parce que le gouvernement aussi va faire des propositions, etc., etc. Par exemple, comme valeur intangible, le gouvernement va dire, moi, je veux une constitution qui va prendre une durée de 5 ans ou bien de 6 ans. Cette durée, la personne doit la modifier. Ça va rester comme ça pour l'éternité. Voilà. Donc, on appelle valeur intangible, ce sont les valeurs qui doivent rester éternellement comme ça, tant que le pays existe. Il y a des valeurs qui sont tangibles, c'est-à-dire des valeurs qu'on peut modifier compte tenu de notre évolution de société. Donc chacun va avoir son prix. Donc la commission qui est chargée pour faire le travail, elle tiendra compte de ça. Et ça, c'est les demandes avant la rédaction de la constitution. Après ça, il y a ce qu'on appelle la rédaction. La plénière est là, on dit oui, la commission commence aujourd'hui à rédiger la loi fondamentale. Et donc elle a déjà des outils, elle a déjà des avis des entités, et ces avis-là, c'est important, il faut les prendre en compte parce qu'on fait une constitution qui s'applique sur les hommes. Sur les hommes, sur les communautés, sur les familles. Donc c'est vraiment les valeurs de notre plus. Ça touche pas. On fait ça pourquoi? Ce n'est pas pour dire demain, puisqu'on a dit on va faire un régime américain, un régime présidentiel, comme aux États-Unis, c'est le régime présidentiel. Donc on calque la constitution américaine seulement, on change seulement Amérique, on met la Guinée. Amérique, la Guinée. Donc alors que c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes us et coutumes. C'est pourquoi on demande aux gens de porter leur opinion pour qu'on cherche qu'est-ce qu'on fait, c'est notre pays, on ne peut pas vivre comme les autres. On doit faire une loi en tenant compte de nos réalités locales, de nos réalités traditionnelles. Quotidien. Pourquoi les gens sont consultés, etc. Oui. Donc le moment de la rédaction, les gens tiendront toujours compte de ça, des avis-là, et la constitution, on va ouvrir le bal, et ils vont faire un chemin, ils vont dire, s'ils vont garder le nom du pays, parce qu'il y a certains pays qui vont, dans certains cas, il y a certains pays qui vont changer, non seulement le nom, il y a certains pays qui vont changer le drapeau. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo. Quand on a cherché Mobutu, on a dit que ce n'est plus la République du Zaïre, c'est la République du Congo démocratique. Ils ont changé et le drapeau, ils ont changé et le truc. Et croyez-moi que si c'est moi, je ne peux pas changer le nom, mais je vais changer le drapeau. Pourquoi je le change? Parce que moi, le rouge, ça ne me plaît pas. Le rouge, ça plaît aux gens qui aiment tuer, qui aiment le sang. Donc c'est pourquoi il faut enlever le rouge là, dans notre, parce que c'est leur conception. Depuis 58, ça a beaucoup tué chez nous. Ça a beaucoup tué. Des gens innocents ont été tués parce qu'ils aiment ces couleurs-là. Si c'est moi, hein, je vous dis, c'est mon opinion. Je n'ai pas dit que c'est ça qui marche. Mais si c'est mon opinion personnelle, moi je déteste ça. Je déteste les tueurs.
Je déteste les chétans. Je vous rejoins. Je déteste toutes les références. Oui. C'est-à-dire des gens qui tuent des innocents, je déteste. Vous pouvez pas, mais ils disent, ah non, c'est les, parce que nos héros se sont battus. Non, c'est pas ça, parce que les gens, ils aiment du sang. On connaît les codes confidentiels de ces couleurs-là. On connaît ce que c'est. Et le nom donc, de Sili aussi. Pendant la rédaction proprement dit, donc les gens tiennent compte toujours de ces avis-là. Pourquoi? C'est pour reproduire une loi authentiquement guinéenne, c'est tout. C'est pour qu'on tienne compte de ces avis. Après, à chaque fois que la commission va s'arrêter, les membres de la commission vont signer le travail, vont signer le brouillon, vont paraffer, tout le monde va paraffer. On fait ça pourquoi? Pour ne pas que demain quelqu'un vienne modifier une disposition qui n'a pas été discutée en plénière hier. Après avoir discuté, le ministre demande, le ministre de la Justice garde des Sceaux, qui est le patron du changement de la Constitution, il va demander que la copie lui soit transférée. Chaque jour, il faut transférer la copie dans une fiche et donner au ministre de la Justice garde des Sceaux. On fait ça pourquoi? On fait ça pour demain, quand il y a une difficulté, par exemple, d'interpréter une disposition constitutionnelle. On dit que le juge, lui, son rôle, c'est de dire le droit. Parmi les institutions, il y a l'exécutif, le législatif qui fait la loi, et le judiciaire qui dit le droit. Puisque les juges disent le droit, si jamais ils sont bloqués pour interpréter une constitution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder quoi? Quand tu as lu la constitution, l'article, tu ne comprends pas, parce qu'il y a des gens qui écrivent aveuglément, et qui écrivent avec des formules philosophiques pour faire des lois. Parfois, ça peut ne pas marcher. Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit qu'il faut se référer sur le brouillon. C'est-à-dire, le moment où on faisait cet article-là, oui. Quel a été le brouillon? C'est ce truc au ministre de la Justice garde des Sceaux. Le brouillon, le jour-là, il est paraffé, il est signé par nombre de gens qui ont signé ça, cette pétition-là, qui ont développé cette partie-là. On dit, ah, la loi, elle est originaire de tel monsieur, et il avait signé ça parce qu'il avait constaté qu'à Mandiana, il y avait tel le soleil, voilà, donc il fallait pour voilà, donc c'est comme ça. Donc le juge, le ministre de la Justice, il prend cette partie, il peut aider pour l'interprétation de l'article en question. Je vous donne un exemple pratique. L'ancien comté, il avait créé une loi fondamentale. Quand il voulait passer à la démocratie, il avait fait un article très bien, une bonne constitution, une meilleure constitution, mais puisque cette constitution, c'est du type présidentiel. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution du type présidentiel? La constitution du type présidentiel, c'est la même que la constitution américaine. Dans une constitution du type présidentiel, le président de la République est le président, est le chef des armées, c'est-à-dire le commandant en chef des forces armées, est le chef du gouvernement. À la fois, c'est lui le chef du gouvernement. C'est par exemple pas le même cas que le régime français ou la constitution française, qui est une constitution semi-parlementaire. Pourquoi semi-parlementaire? Parce qu'il y a un président de la République. Parce qu'il y a un gouvernement. Mais parce qu'il y a à côté un Parlement. Il y a aussi des décisions du Parlement qui sont beaucoup plus fortes parfois que les décisions du gouvernement. Pour que les décisions du gouvernement, à chaque fois que les décisions, le gouvernement va prendre une décision, il faut passer chez le Parlement. C'est pourquoi on dit régime parlementaire. C'est le Parlement qui décide, qui valide la décision du gouvernement. C'est le Parlement qui peut même récuser un gouvernement, un Premier ministre dans le régime français. Là-bas, ce qu'on appelle dans le régime parlementaire, il y a ce qu'on appelle la motion de censure. La motion de censure, c'est le pouvoir qu'a le Parlement d'opposer, n'est-ce pas, de s'opposer face à la personne même du président, du Premier ministre, ou bien à une décision du gouvernement. Mais une fois qu'une décision du gouvernement est balayée, le Premier ministre, si c'est quelqu'un du Conseil, il va démissionner automatiquement. C'est ce qui n'existe pas au niveau de la Constitution américaine. Donc la Constitution américaine, c'est la Constitution du type présidentiel. Le président de la République, il est le président, il est aussi le chef du gouvernement. Il est le chef des armées, chef du gouvernement, tout. L'ancien comté a fait la même constitution. Constitution type présidentiel, président de la République, chef du gouvernement, parce qu'il n'avait pas de premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait qui a commencé à pousser l'ancien comté à amener un premier ministre? C'est quand il a eu les événements de 2 ou 3 février, les gens sont partis dire, ok, monsieur le président, vous commencez à être fatigué, parce que les fonctions présidentielles, là, c'est donné à quelqu'un qui soit vif. Maintenant, vous pouvez pas tout coordonner. Il faut amener quelqu'un pour vous épauler. Il a dit, ah, mais j'ai une constitution qui ne me permet pas de nommer un premier ministre. Il dit, si, il y a un article, il y a un dispositif ici qui peut nous permettre de nommer un premier ministre. Pourtant, on n'est pas dans un régime présidentiel et parlementaire. On n'est pas dans un régime semi-parlementaire. Mais dans ce régime présidentiel, dans l'interprétation d'un des articles, ça a été dit clairement. Le président de la République, article 39, le président de la République nomme ses ministres. Il peut lui confier, alors que le pluriel de lui en français, c'est l'air. Le président de la République nomme ses ministres.
Si on était dans le cadre de l'accord de français, on a dit il peut leur confier. Mais la loi a dit, c'est écrit expressement fait. Le président nomme ses ministres, il peut lui nommer. Ça veut dire que le président, parmi ses ministres, nomme, il peut nommer à quelqu'un, il peut choisir quelqu'un là-bas pour bien faire le premier ministre. Donc, pour lui donner plus de pouvoir, un pouvoir supplément, pour que ce dernier puisse continuer à coordonner l'action gouvernementale. Donc, quand ce dispositif a été fait, les gens sont passés regarder la loi, ils ont dit non, on ne comprend pas. Parce que le pluriel de lui, c'est l'air. Ils ont dit non, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont regardé la débrouillon. Et heureusement que, le temps de l'ancien comté, il y avait des bons ministres. Franchement, il faut le dire. Le ministre de la Justice qui était là, c'est pas Salif Sylla, il avait gardé tous les dossiers. Donc, ils ont regardé. Ils ont regardé comment l'ordonnancement de Brouillon, comment l'idée était là. L'idée était de choisir quelqu'un pour aider, pour épauler le Brouillon. Donc, ils ont son service, c'est ça. Ils ont dit, OK. Ils ont demandé à la ville Sidibé et tout ça. Ils ont dit, ouais, on peut faire. Oui, c'est possible. On peut confier une partie des responsabilités du président au premier ministre pour épauler le président. Donc, voilà pourquoi on ne doit pas blaguer avec les Brouillons dans la rédaction. Chaque jour, dans la rédaction, on doit copier les brouillons, on doit envoyer dans les paquets, tout, même si ça va faire un paquet, on doit toujours loger, faire les copies et loger au niveau du ministre de la Justice en charge des gardes sceaux. C'est pour demain, pour ne pas que quand il y a un cafouillage demain, puisque le juge, il est habilité, son rôle, c'est de dire le droit. Parce que sinon, à défaut, il va passer par un mécanisme qu'on appelle la jurisprudence, qui est un point de droit accordé par le droit à propos d'un point de droit. Ça veut dire que lorsque le droit est obscur, lorsque la loi est illisible, on ne peut pas vraiment l'interpréter, puisque le juge, quand il est saisi, il est déclaré qu'il doit faire automatiquement, il faut qu'il dise le droit, il faut qu'il sépare les parties. Pour ce pouvoir-là, la loi lui dit, OK, tu n'es pas législatif, mais quand même, je te donne, regarde les brouillons, regarde nos coutumes, regarde nos justes, regarde nos habitudes, dis le droit, en tout cas, sépare les parties, calme le juge. Donc voilà pourquoi on se réfère sur les brouillons, qu'on amène chaque jour au niveau du ministre de la Justice de la Pression. Ce n'est qu'après ça, les rapports de travail finis, que le ministre, que la commission va faire une compilation pour dégager un premier jet, ce qu'on appelle un premier projet. Quand il dégage un premier projet, il donne au ministre de la Justice par courrier, parce qu'il faut le faire, transmission. C'est pas parce que c'est ton cousin, ah, monsieur Kamara, c'est mon cousin, il m'a mis ici, quand je vais, je lui donne main à main. Non, c'est pas main à main. C'est un courrier officiel, noté. Ça doit quitter d'un secrétaire à un autre. Donc, pour qu'on chasse, ça marche officiellement. C'est comme ça, pour qu'il y ait des traces. Donc, ça vient sur le ministre de la Justice Garde des Sceaux. Le ministre de la Justice Garde des Sceaux, qu'est-ce qu'il fait demain matin, il dit, il appelle le secrétaire général du gouvernement. Il dit, dans le prochain conseil des ministres, il faut ajouter présentation du projet de constitution. Donc, le secrétaire général du gouvernement, il est alerté. Lors de l'élaboration de l'ordre du jour du prochain conseil des ministres, il le met là-bas. Et le ministre de la Justice Garde des Sceaux vient pour expliquer qu'est-ce qui a été donné. Est-ce que le président demande, est-ce que vous avez tenu compte de l'opinion de toutes les entités républicaines? Il a dit oui. Par exemple, l'UFDG avait dit ça, le RPG a dit ça, et ils ont tenu ça, voilà ce qu'on, en tout cas, on a tenu tout ça. C'est important parce que l'idée vraiment, c'est merveilleux pour notre pays. En tout cas, si on respecte, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, le ministre expose, OK, le président dit, lors du conseil des ministres, il demande à ce que la loi soit retournée au niveau de ceux qui ont pris la décision pour envoyer au niveau de préfectures, donc des localités différentes. Donc on retourne la loi, on amène au niveau des préfectures et des communes. Tous les gens regardent. Chacun regarde ce qu'il y a des choses à faire, ce qui est mauvais là-dedans, ce qui a éliminé tout le monde. Donc on essaie de sortir un certain engagement collectif au niveau de la loi. Parce que c'est la loi fondamentale, c'est-à-dire c'est la loi du tout le monde, c'est-à-dire c'est le pacte social. C'est ce que Montesquieu a dit. Donc, une fois que la loi sera se promener, il y a une commission qui va être léguée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation qui va amener la loi au niveau des sous-préfectures, des CRT, etc., etc., des communes. Les gens, les intellectuels vont se prononcer dans les lycées, les universités. Ils vont dire, ah, mais cette loi-là, non, on a dit qu'il n'y a pas de peine de mort dans la Constitution. Mais et si on enlève la peine de mort, est-ce qu'ils vont tuer les gens? Pourquoi tu peux tuer les gens et toi tu commences à, tu restes à, tu continues à vivre? Non, là, je suis pas d'accord. Donc, ça va générer de nouvelles discussions jusqu'à ce que la compréhension générale soit dégagée. C'est là que va ressortir le travail collectif des membres de la commission. Une fois que la loi va retourner avec les observations, on va dire aux gens, OK, nous voulons faire une loi, mais sans mettre un code pénal avec l'exécution, quand quelqu'un, la peine de mort, quand quelqu'un tue, il faut le tuer. Non, on peut pas mettre ça, on va mettre, tu vois. Non, on va le mettre. Donc voilà. Les gens votent. Parce que ça, on est dans la finalité, quoi. On est en train de finaliser. Une fois que c'est adopté, le projet prend encore la route
avec soit 36, un soit transmis officiel d'un secrétaire à un autre, à base de le ministre de la Justice Garde des Sceaux, qui envoie au niveau du président de la République en conseil des ministres. La lecture est faite par des représentants des commissions. Le rapporteur, il est invité là-bas ce jour-là, ce conseil des ministres, parce que le ministre de la Justice va dire, le conseil prochain, je viendrai avec le président de la commission de l'élaboration de la nouvelle constitution et son rapporteur. Parce que ce qui est important, c'est celui qui a écrit qui doit lire devant les membres des choses. Faut pas que le ministre lit là-bas parce que c'est pas son écriture, c'est pas ses verbes tout autour. C'est lui qui a écrit, le rapporteur, il lit devant les membres du gouvernement. Le président demande objection. S'il n'y a pas d'objection, le président dit, OK, la loi est entérinée. Une fois que la loi est entérinée, qu'est-ce que le président donne? Il demande au ministre secrétaire général de la République de travailler avec le ministre de Garde des Sceaux, de faire un projet du décret pour ce qu'on appelle pour la promulgation de la loi. Voilà, donc ça s'appelle la promulgation. Et le décret est là, le décret, une fois que le décret est fait, le président a reçu le décret, il promulgue la nouvelle loi qui va remplacer l'ancienne loi et qui va créer la seconde république. Je rappelle que la création de la république n'est pas due au changement des têtes des présidents. La création de la République est due au changement des au profond des constitutions. Ça veut dire que tant qu'il y a un changement très profond dans une constitution, donc on quitte d'une constitution de la première République à la deuxième République, de manière fondamentale, comme l'ancien comte l'a fait quand il est arrivé au pouvoir, il a créé une constitution qu'on appelle la loi fondamentale qui a constitué ce qu'on appelle la deuxième République. Et depuis, je n'ai jamais vu une constitution qui a fait marque de compréhension nationale, marque de compréhension internationale, qui a franchi en tout cas les frontières, qui a fait, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement que quand le président de la République va autoriser ce qu'on appelle à ce que la loi soit autorisée, la publication. Quand le président publie la loi, ça passe dans un journal qu'on appelle le journal officiel de la République. Oui. Et même quand la loi est passée au niveau du journal officiel de la République, il y a ce qu'on appelle un dernier mécanisme qui est là, que le président va ordonner au ministre de la Justice Garde des Sceaux, ça s'appelle la vulgarisation. Le ministre de la Justice Garde des Sceaux va avoir de l'argent pour ça, parce que dans les projets, il y a un paquet qui est là pour que vraiment la nouvelle constitution. C'est pas une blague, c'est un travail sérieux. Donc, pour la vulgarisation, la loi va encore aller de Conakry à Forcaria, Forcaria à Mamoun, etc., etc. Tous les Guinéens, même à l'étranger, dans les ambassades, ils vont afficher voilà la nouvelle constitution qui va être, qui vient des poumons. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en droit, on dit que la loi. C'est-à-dire, tout le monde connaît la loi. Personne n'est censé ignorer la loi. Oui. Tout le monde connaît la loi. Personne. Il faut que ce principe soit respecté. Il faut que la loi soit vulgarisée. Donc, c'est la loi. Vous allez voir la loi en polycopie, en petit format, en moyen format et en grand format. En petit format, on fait ça, on donne aux lycéens ou aux universitaires pour qu'ils regardent. On donne avec les couleurs du drapeau, la rose et le vert. Ou bien, si vous avez changé le nom, comme le Congo l'a fait. Il a mis Zaïre au Congo avec le drapeau étoile et tout ça au lieu de voilà. Et donc tu vois, on sent oui, il y a une nouvelle donne, c'est quelque chose qui est arrivé, quelque chose de nouveau est arrivé, il y a un changement. On dit oui, maintenant la durée du mandat c'est 5 ans et cette durée la personne ne peut la modifier. Et si c'est moi-même, si je fais partie de la commission, je vais peut-être arriver même à faire ce qu'on appelle un détail très important, c'est le nombre de départements ministériels. Je veux dire que mettre le nombre de départements ministériels dans la phase ce qu'on appelle de la phase irréversible de la constitution, c'est-à-dire la phase intangible. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour ne pas que les chefs d'État qui arrivent ne fassent des pagailles. On a vu quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il a nommé plus de combien? 30 et quelques ministres. Mais quand il a nommé 30 et quelques ministres, il a encore créé un gouvernement parallèle au niveau de la présidence. Il a encore nommé des ministres conseillers, donc des gens, des conseillers à rang de ministres. Donc ces gens-là aussi, ces personnes-là sont allés juste à rang de 20 à 30. Donc plus de 65 personnes qui sont en rang de ministre. Imaginez dans un pays de 12 millions, de 15 millions d'habitants, vous avez 66 personnes en rang de ministre, 66 portefeuilles, 66 véhicules de commandement avec des véhicules auxiliaires, 66, parce que chaque personnalité a droit officiellement à 2 garde-corps. La loi interdit à tous les gens d'avoir, même si tu es ministre de la Défense, même si tu es ministre qui, vous avez droit que 2 garde-corps. Les 2 garde-corps la font renouvellement dans un pays normal. Mais quand en Guinée, on voit que les ministres peuvent se doter comme un bataillon pour tout un bataillon derrière. Donc, voyez-vous, combien de charges, combien de secrétariats, combien de trucs. Donc, c'est des gaspillages. Dans un pays où certaines personnes sont dans la précarité, les familles ne mangent pas. Il y a des familles qui passent tous les jours en carême.
Eux, ils applaudissent, même quand il y a le mois de Ramadan, ils applaudissent parce que ça revient à leur régime normal. Tu vois, donc, tu vois, vraiment, tous les jours, ils prient pour qu'il y ait Ramadan. Parce que les gens n'ont pas à manger. Vous avez créé 66 ministres portefeuilles ministériels. Ça veut dire quoi, ça, dans un petit pays comme ça? Zéro. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que ça, c'est normal? C'est pourquoi, moi, je fais partie de la commission de rédaction de la Constitution. Je vais exiger que le nombre de départements ministériels soit défini. Ça dépend maintenant des appellations. Ce sont vos ambitions. Si vous voulez, vous appelez le portefeuille de la justice, ministre de la justice ou garde des choses, comme moi, si je veux. Moi, si c'est moi, mon appellation du portefeuille de la justice, c'est le chancelier de la République, garde des choses. Je n'appelle jamais ministre de la justice, garde des choses. Pour moi, un ministre de la justice ne doit pas présider au conseil des ministres. Voilà. Un chancelier de la République, garde des choses, ne doit pas. Parce que le ministre de la justice doit être impartial. Il doit occuper l'institution de la justice. C'est comme vous dites, ok, le président de l'Assemblée aussi doit aller au Conseil des ministres. Parce que le président de l'Assemblée aussi représente l'institution législative. C'est-à-dire les gens qui légifèrent la loi. C'est autant, vous pouvez pas mettre, tu vois, donc il faut respecter les institutions. Le ministre de la Justice, pour qu'il soit impartial, il doit venir au Conseil. C'est quand sa présence est importante. Comme s'il s'agit de créer une loi ou d'expliquer les détails sur une loi. Le président peut le convoquer, plus le rapporteur, il vient pour expliquer. Après, basta. Il ne doit pas venir régulièrement au Conseil des ministres. Si vous voyez ça dans un pays, c'est un pays qui va dans la perdition. Que chaque Conseil des ministres, que le ministre de la Justice siège ou non, ce n'est pas normal. Le ministre de la Justice doit veiller au fonctionnement de l'institution judiciaire. Il doit regarder ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. L'orientation des magistrats, parce que c'est le Conseil là qui définit la nomination et la révocation des magistrats. Donc tu vois, donc toute la vie, donc tu vois, chacun a son rôle. Donc moi tu vois ce que je veux dire, il faut que le pays, pour que le pays puisse gérer de manière normale, il faut qu'on mette chacun dans sa place, chacun dans sa place, parce que sinon on va créer ce qu'on appelle le favoritisme. Donc pas aller dans un état comme je dis dans une république en créant toujours des sentiments de favoritisme, en créant toujours des sentiments de ceci cela. C'est en Guinée où tu entends le président dire, ah, ça c'est mon dossier. Il y a un dossier qui appartient à quelqu'un quand il s'agit de la justice. La justice est indépendante et impersonnelle. Elle est incolore, elle est inodore, elle est sans saveur. Doit la justice dit le droit. Indépendamment. Le ministre ne doit pas dire c'est mon dossier. Le président ne doit pas dire. Non, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Très bien. Donc voilà, en quelque sens, comment on pense à la rédaction d'une constitution. Comment on peut élaborer une constitution en tenant compte de ce qu'on appelle des valeurs intangibles et les valeurs non intangibles, c'est-à-dire les valeurs tangibles, en tenant compte de ce qu'on appelle du type de régime. Est-ce qu'on a affaire à un type de régime présidentiel ou bien est-ce qu'on a affaire à un type de régime parlementaire? Si on a affaire à un type de régime parlementaire, de quel type de parlementaire? Est-ce que c'est semi-parlementaire? Est-ce que c'est le parlementaire tout court? Parce que les régimes-là se définissent en deux. Il n'y a que présidentiel ou parlementaire. À côté, il y a des subdivisions. Dans le présidentialisme, dans le présidentiel, il y a le présidentialisme, c'est-à-dire ceux qui ont trop présidentialisé le régime. Il y a dans le parlementaire, il y a le semi-parlementaire. Comme vous le savez, par exemple, les gens qui ont fait l'émancipation de la démocratie, tous ces pays au début étaient des pays qui prenaient ce qu'on appelle la note du royaume. Comme tu prends la Belgique, c'est un royaume, l'Angleterre, c'est un royaume, tous les pays, même la France était un royaume. Mais la France a changé, ils ont mis la monarchie constitutionnelle, donc ils ont créé la République. Aujourd'hui, c'est le président qui est là, c'est pourquoi on a des semi-parlementaires. Donc, dans tous les pays où il y avait l'ancien régime de royaume ou de royauté, vous remarquez que dans ces pays, ce sont les premiers ministres qui sont les chefs du gouvernement, qui conduisent la politique de l'État. Donc, ces pays-là sont dans le régime qu'on appelle le régime parlementaire. Donc, aux États-Unis, par exemple, vous avez aux États-Unis un régime qui est appelé le régime présidentiel, mais qui fait ce qu'on appelle la part des choses. Le président de la République est le chef du gouvernement. Le président de la République est chapeauté par ce qu'on appelle le vice-président. Le vice-président, c'est lui, le patron, qui dialogue avec les gens des congressistes. Parce qu'aux États-Unis, vous avez dans le Congrès, vous avez le bicaméralisme. C'est-à-dire, vous avez le Congrès et le Sénat. Dans leur assemblée, il y a le Congrès et le Sénat. Ouais. Le Sénat, c'est... Le Sénat, vous comprenez que le Sénat a un nombre important, c'est-à-dire 100 personnes, oui. Venant des 50 représentants des 50 États là. Oui. Et vous avez ce qu'on appelle le Congrès, qui s'élève jusqu'à 335 congressistes. 435. Voyez-vous?
Voilà, 430, voilà, 436. Voilà, donc voyez-vous, c'est à vous de choisir. Oui. Non, mais comment on fait le choix là du type de régime? On fait le choix du type de régime en tenant compte des considérations nationales. C'est à vous de dire si on a une économie qui va nous pousser vers le régime simple ou un régime compliqué. Parce que comme je l'ai dit, moi, je ne peux pas me permettre de mettre en place un régime où je vais mettre beaucoup de députés dans le pays pour gérer 12 millions, 13 millions, 14 millions. Ce mode-là, c'est dépassé. Je vais vous dire, monsieur Camara, rapidement, pourquoi? Oui. C'est l'observation que j'ai au niveau de la politique française. En France, vous avez jusqu'à combien de personnes dans la députation? Vous avez plus de 500 personnes comme députés. Mais pourquoi on va continuer à faire ça alors que le pays a d'autres obligations? Alors que les gens sont, certaines personnes sont mal logées, certaines personnes vivent dans la rue, etc., etc. Alors que les députés, en France, quand vous souhaitez, vous êtes député, si vous le souhaitez, vous avez au moins deux passeports diplomatiques. Vous avez votre salaire et vous avez les primes de votre représentation. C'est-à-dire que on vous donne de l'argent de poste pour financer au moins des associations là qui relèvent de votre zone d'élection là. Donc, vous avez des billets d'avion VIP, vous avez des trains VIP, tout ça. Donc, vous avez beaucoup d'avantages, beaucoup de prérogatives. Donc, imaginez les États-Unis qui comptent 50 États, ils ont au moins 500 et quelques représentations congressistes. En France, un seul État qui a 500 et quelques. Vous imaginez un peu la comparaison. Comment en Guinée, on peut arriver avec 114 députés? Non, moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Je suis d'accord pour que les régions soient représentées. Au moins deux. Parce que pourquoi? Avant, ceux qui ont fait cette compréhension-là, ceux qui ont fait cette nomenclature-là, ils se sont focalisés sur quoi? Ils se sont focalisés sur le fait que le gouvernement soit informé en temps réel de ce qui se passe dans les localités. En temps réel. Parce que nous étions au 19e siècle, il n'y avait pas beaucoup d'informations, il n'y avait pas beaucoup de communication. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de réseaux sociaux. Il y a le Twitter, il y a le Facebook, il y a l'Instagram, il y a beaucoup de choses. Donc, une activité qui se passe en temps réel, tout le monde peut être informé. Donc, le gouvernement peut être appelé à envoyer le ministre de l'Intérieur pour s'enquérir éventuellement des réalités, tout ça. Donc doter des institutions comme ça d'un nombre pléthorique, c'est à revoir. Je sais que le président qui est là, le président Macron, il a fait ça comme un instrument de campagne. Et c'est normal pour la France, parce que ça permet au moins d'économiser. C'est aussi normal pour la Guinée, parce qu'on ne peut pas mettre des députés qui n'ont rien à faire. Des fois, vous avez des députés illettrés, des gens qui ne savent pas lire, mais moi, on va à l'école. Ils ne peuvent même pas lire. Mais on les met là-bas parce que tout simplement, ils ont des parents qui les ont dit, ouais, viens là-bas, écoute, je vais te trouver une place ici au niveau de l'Assemblée. Vous vous foutez de la gueule de qui, là? Des populations? Vous dirigez les gens, vous ne les respectez pas? Vous mettez les gens qui ne font pas de poids? Mais ça veut dire quoi, ça? Nous sommes dans une république ou dans une pagaille? Pagaille. C'est pour cela que il y a des choses qu'il faut vraiment tenir compte en parlant des trucs sérieux. Très bien. Voyez-vous, en France, une population de 67 millions d'habitants en 2002, vous avez une représentativité de 577 députés. Alors qu'aux États-Unis, au même moment, pour 332 millions d'habitants, oui, vous avez une représentativité de 535 congressistes. Oui, 535. Répartis 535 députés, oui. Représentations, donc députés. Oui. Oui. Répartis en deux chambres, parce que c'est le bicamérisme là-bas. Oui. Vous avez le Sénat et la Chambre des représentants. Oui. Imaginez, 335 millions. Vous avez 500. Comparez ça à 65, vous avez. Donc, voyez, je fais juste une parenthèse pour vous dire qu'aujourd'hui, le nombre pléthorique de la représentation là, parce que tout ça se décide dans la rédaction de la Constitution. C'est la Constitution qui dit, ah, moi, je veux qu'il y ait tel nombre de députés. En Guinée, la Constitution que l'ancienne Conté avait faite avait dit 114 députés. Donc, moi, j'estime que c'est trop. Parce que nous sommes une population de 10 millions, 12 millions, 15 millions. Ouais. Je crois qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. On n'a pas besoin de financer beaucoup. Cet argent-là, on a besoin de payer de l'argent, des vaccins pour les enfants, pour que vraiment nous pouvons lutter contre ce qu'on appelle la mort précoce. Là, il faut rehausser ce qu'on appelle notre espérance de vie. Ça passe par la bonne bouffe, il faut bien manger. Ouais. Ça passe aussi par la bonne éducation pour lutter contre l'ethnocentrisme. Il faut renforcer le circuit de l'éducation. Ouais. Il faut éviter tous les circuits là qui font ce qu'on appelle perdre beaucoup d'argent. Donc voici en quintessence
ce que je peux te retirer, ce que je peux retenir pour vous et pour nos auditeurs en ce qui concerne cet aspect important de la Constitution. Merci. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, je suis à l'écoute. Voilà, très bien. Merci, M. Touré. Vous avez écouté M. Touré par rapport, n'est-ce pas, à la Constitution. Comment doter une bonne Constitution? Comment faire? Quelles sont les démarches qu'il faut, pour avoir une bonne constitution dans un pays comme la Guinée. Très bien. Et je pense le temps ne permet plus maintenant de continuer. Mais, parce que je vois, c'est important, il y a beaucoup de monde ici qui nous écoute, qui partage, qui aime. Surtout partager, parce que c'est important pour Idi Amin. Je vous dis, parce que le gars là, il est enfermé dans la confusion. Je ne cherche même pas à connaître ce qu'on appelle la Guinée. Comme on aime dire, la Guinée c'est une famille, mais chez lui est contraire. Totalement contraire. Regardez les explications comme ça. Même si tu n'as pas allé à l'école, tu peux comprendre quelque chose. Qu'est-ce que le monsieur est en train d'expliquer? Techniquement, j'invite monsieur Lansana Kouyaté de nous expliquer comme ça, de parler, de répondre à des questions comme ça, techniquement. C'est pas possible. Non. Mais quand il s'agit de dire que moi j'ai travaillé à l'ONU, non, c'est pas ici. Ce qui nous ont fait, nous, ce qui est à l'intérieur, à l'interne, quotidiennement, c'est ça ce qui nous intéresse. Il ne s'agit pas de dire je travaille par-ci. Non, ça ne nous intéresse pas. Non. Mais des techniciens comme ça, nous donner des explications, brièvement expliquées. Même si tu n'as jamais foutu pied à l'école, tu peux prendre quelque chose dedans. Alors, la jeunesse guinéenne, réveillez-vous. Faites comme M. Touré. C'est important. Ça va nous aider à construire ce pays. Ça va nous aider à bannir l'ethnocentrisme. Ça va nous aider, n'est-ce pas, également de circuler librement entre nous, sans inquiétude, dans la quiétude. Je pense que c'est nécessaire pour nous. Et je pense que c'est le temps pour nous tous, sans exception, d'être unis. C'est notre travail, c'est le travail à nous tous, nous concerne. Nous revient de droit. Il ne s'agit pas de dire que moi je suis intellectuel, tu ne travailles pas comme un intellectuel. Je suis un officier, tu ne travailles pas comme un officier. Tu ne représentes même pas la moitié d'un officier. Ou moi je suis celui-ci, comme on aime dire dans les garnisons. Je vais bannir les peuls, je vais bannir les soucis, je vais détruire ceci ou cela. Ça t'amène où? Qu'est-ce que cela va te donner? Zéro! Comme l'a dit de mon frère, là, le jour qu'on va reprendre les choses comme ça se doit, le rouge là, Mouabamane, sera rayé, c'est-à-dire effacé. Sili là, même l'équipe nationale en Guinée, le nom de Sili là, c'est un symbole PDG, c'est un faux programme, sera enlevé, l'équipe nationale de la Guinée, terminée. Où est le problème? Alors, encore un grand merci à notre invité. Encore une fois, un grand merci à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Je suis très ravi d'avoir tout le monde ici pour discuter largement, n'est-ce pas, comment ce pays doit fonctionner. Et un grand merci aussi à M. Fode Abbas Bangoura, qui nous observe, qui nous écoute, qui nous regarde. De l'autre côté, Mohamed Minté. Et un grand merci aussi à nos leaders politiques. Monsieur Kamara? Oui. Excusez-moi, avant de remercier tout le monde, je n'ai pas vu qu'il y a une question qui est venue par rapport à la Constitution. Et parce que c'est très important. Oui.
Quand vous avez vu la manière dont Alpha Condé a fait le troisième mandat, il faut le mettre, il faut le dire. Mm-hmm. C'est vraiment, par rapport à ce qu'on a décrit, c'était vraiment une insulte au peuple guinéen. Merci, oui. Et voici comment il a fait, lui. Oui. Quand il a envisagé de faire son troisième mandat, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il a pris l'argent, il l'a donné à Mohamed Lamin Bangoura. Oui. Ce président. De la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle. Oui. Constitutionnel là qui est venu en France, oui. Qui a rencontré ses consorts là ici. Oui. Ils ont fait des constitutions avec deux versions. Il a pris une version normale et une autre version qui va présenter en plénière en au guinéen. Oui. Vous imaginez? Donc une constitution guinéenne faite dans un cabinet français a deux versions. Et bien, quand il est venu lui, quand il est venu, il propose une commission, une version. Alpha Condé lui a dit garde ça. Ils vont se bouger avec ça. Ils vont perdre leur temps avec ça. Et nous, on sait ce qu'on va présenter. Toi, tu sais quelle constitution tu vas signer. Donc, tu vois, il a présenté la constitution des bandits, là. Excusez-moi de le dire, parce que ça, c'est une constitution des bandits. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit, ce que je viens de vous décrire, là. Ils amènent, ils discutent ça entre eux, là-bas. Il fait directement la publication, directement, sans... Il signe ça à tous. Donc, ça, vous avez vu, ça, ministre Sako, comment ça, c'est Sako. Ça s'appelle comment? Le ministre Sako, là. Oui, oui, t'as parlé, t'avais démissionné, là. Hein? Oui, il a démissionné. Il a démissionné pour des raisons, là. Parce qu'il sait qu'un projet de constitution est piloté par le ministre de la Justice, garde des choses. Mais quand tu envoies des gens dans le cabinet, là, faire des versions de constitution, tu casses une version. Et à la fin, tu dis oui. Même la version sur laquelle les gens ont discuté, tu as mis ça à la poubelle. Toi, ta version, là, que tu as pris de Paris, c'est ce que tu as signé pour dire oui, c'est la constitution de la troisième. Mais c'est quoi ça? Donc, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pour ne pas qu'on revienne à ces détails-là, à ces erreurs du passé-là. Parce que la prochaine fois, ça va pas être comme ça. Non. Parce que la prochaine fois, c'est la déclaration de guerre. Parce que ça n'a jamais été fait dans un pays. Que quelqu'un fasse deux projets de constitution et présente officiellement un projet qui n'a fait l'objet, qui n'a fait aucune discussion, qui n'a fait l'objet d'aucun amendement, d'aucun débat. Quelqu'un sort ça, glacé, bien propre pour dire oui, c'est la constitution de la République de Guinée. Personne n'a connu ça. Et comme je vous ai expliqué avec toutes les étapes, là, les procédures, tout, c'est pas une foutaise, ça, c'est pas une bêtise, ça. C'est une bêtise. C'est pas une bêtise, ça. Oui. Qu'un cabinet travaille, les gens qui sont sur les le compétences même. Ils prennent nos millions de dollars, oui. Ils empochent ça, ils nous envoient un texte comme ça, qui va nous gouverner, nous. On n'a pas discuté, les partis politiques n'ont pas discuté. C'est comme ça, ils ont fait les six mandats, et donc ils ont tout embobiné, ils ont tout combiné. Avec la complicité de ces misérables Mohamed Lamine Bangoura là. C'est pas possible. Moi, un président de la République, tu peux pas m'utiliser. Moi, j'ai pas étudié pour toi. Moi, ce sont mes parents qui ont financé mes études. Yeah. On a souffert pour arriver là où nous sommes. Donc, quelqu'un ne peut pas m'utiliser. Non. Si je veux venir avec un débat avec quelqu'un, on fait un débat sincère. Si tu es pour débat, ou bien si tu es voyou, tu fais ton truc là. Mais moi, je badine pas avec des questions comme ça. Très il bien. Faut respecter les gens qu'on gouverne. Très bien. Donc, je voulais juste apporter cette parce que les gens, ils ont besoin de ça bien. Pour qu'ils comprennent ça comme un complément de dose. Très bien. On n'a pas fini, hein, parce que on a encore une question ici pour vous, mais c'était pour juste embellir ce que vous avez dit et donner, n'est-ce pas, expliquer un peu combien de fois c'est important, combien de fois c'est nécessaire pour notre nation. Alors j'invite tout un jeune comme M. Touré de venir expliquer à la nouvelle génération, donner des explications comme ça, sans la démagogie, sans parti pris, parce que ça va servir longtemps et ça va rester dans les archives pour mieux et nous continuer à servir la nation. C'est comme ça. On rentre à l'école pour ça, c'est pas pour être ethno. Ça n'a rien à faire. Rien, ça ne donne absolument rien. Pas de suite. Quand on est ethno, quand on est criminel, quand on est quoi? Si ça ne va pas dans le sens propre, ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'on voit à longueur de la journée dans notre pays. Très bien. Nous allons encore souffler un peu pour la dernière question. Monsieur Touré, merci. Le libérateur. Merci, merci, merci.
Sensou. Quelle est la disponibilité? Autant de garang, ou mini nara, ou amasse la Guinée, ou amasse Sénégal, ou amasse bon, bête barra, mérina, iborima, pour aborir la faouma, aimer votre pays. C'est très important. Pensez-vous qu'un Sénégalais ou Ivoirien peuvent venir construire ce pays? Non, c'est nous. Ou mini noroi qui? Ou mini woule qui? Ou mini combine qui? Vous pouvez avoir de l'argent dans le vrai sens, mais en construisant une Guinée libre et prospère. Monsieur Touré, ma dernière question, quel appel patriotique, je dis bien, quel appel patriotique lancez-vous aux différents acteurs de la transition pour que le peuple retrouve la paix et la quiétude? Alors, monsieur Kavara, merci beaucoup, mais le premier appel qu'il faut lancer en direction de nos compatriotes, c'est de dire au gouvernement de faire machine arrière. Oui. Pour beaucoup de décisions, il faut faire machine arrière. Le recrutement dans l'armée, ce n'est pas une nécessité. Il faut faire machine arrière. Les destructions des biens, là, il faut faire machine arrière ou vous le faites de manière générale. La révision de la Constitution. Il faut faire machine arrière si vous avez beaucoup pris goût de cette constitution. Il faut que ça soit un pacte social. Vous savez, dans un pacte social, le raisonnement doit être du type synalagmatique. Si ce n'est pas synalagmatique, c'est-à-dire qu'émanant de la volonté des partis, vous ne pouvez pas faire de manière unique, là, partie à ton seul goût, là, ça ne peut pas marcher. Décision unitaire, vague comme ça, une constitution ne marche pas. Il ne faut pas faire comme ce qu'Alpha Condé l'a fait. Si vous faites ça, vous allez déclencher sur le bouton rouge. Et si vous déclenchez sur le bouton rouge, là, vous avez vu, non? Tout ce qui a été fait par Alpha Condé est parti. Et tout ce qui va être fait, là, ça va être parti. Et la République de Guinée reprendra son cours normal avec des nouvelles dispositions, avec les nouvelles situations, avec de nouveaux dirigeants, des gens qui vont se baigner dans le cadre de la légalité. Donc, c'est une chance pour ceux qui disent aujourd'hui de profiter, d'écouter. C'est pas une honte d'écouter. Parce que pour avancer, il faut écouter. Il faut faire machine arrière. Il faut regarder l'avenir. C'est dangereux pour vous. Des gens qui dirigent le pays, ils ont l'âge de quoi? C'est 40, 50. Ne vous comparez pas à Alpha Condé. Alpha Condé, lui, il a 90 ans. Et rien n'a pas. S'il a dit qu'il a 80. Lui, il s'en fiche. Lui, il a voulu faire de la Guinée une pagaille. Se servir sa poche, remplir sa poche. Service aux copains bandits de l'étranger, lui, il s'en fiche de la Guinée. La Guinée ne l'intéresse pas. Il a utilisé une communauté pour braquer les uns contre les autres. Non. Ne continuez pas sur cette maquette-là. La fibre ethno, ce n'est pas normal. Donc, il faut faire machine arrière. C'est ce qui peut permettre au pays de gagner. Faire appel à tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour que les gens-là puissent apporter quelque chose, mais de manière consensuelle. Il ne faut pas faire la chasse à l'homme. La chasse à l'homme, personne n'a intérêt de faire la chasse à l'homme, sinon vous provoquez la guerre. On est à un bout, à un petit bout des doigts de la guerre civile dans le pays. Je vous l'ai dit, si ça continue comme ça, il y a un bloc qui va être né en République de Guinée. Monsieur Kamara, je vais vous dire, je vais anticiper ça. Si cette bêtise continue comme ça, un bloc va être né en République de Guinée et ça sera le bloc contre l'injustice. Il va ravager tout. Oui. Il va ravager tout. Je suis partant. Je vous dis, pour que ça rentre dans les bonnes oreilles. Je vous le dis. Je profite de votre antenne pour vous le dire. Il faut le dire. Parce que les Guinéens ne resteront pas braves, courageux, en regardant leur destin comme ça, non, s'envoler comme ça, en cacouette. Parce que ça, c'est la cause de la volonté. Non, ça peut pas marcher comme ça. Partage. Il faut respecter la République. Oui. La République, comme je l'ai toujours dit, c'est la Respublica. C'est-à-dire que c'est la chose commune, la chose qui nous appartient tous. Ce n'est pas une chose privée, ce n'est pas une chose de famille, ce n'est pas une chose de communauté. Non, c'est la chose nationale. Il faut travailler dans le sens... C'est commun. Commun. Oui. En respectant les intérêts des territoires, oui, des populations, oui, des pouvoirs publics. Yeah. Il faut éviter des gens qui, quand ils donnent leur opinion, vous basez sur eux, vous les prenez, vous les tuez. Non,
ou bien vous les séquestrez, vous les faites disparaître. Ça, c'est vrai. C'est pas possible. Et abandonnez ça. Ça ne peut pas vous réussir. Ça n'a pas réussi à s'écouter. Il a fait tant. Mais après, il est parti. Alpha Condé, il en a fait tant. Lui, il avait trouvé un autre mode. D'élimination, c'est quoi? C'est de prendre les gens et de les jeter en haute mer. Ils prennent les Guinéens, les compatriotes, parce qu'ils ne veulent pas que les traces soient reconnues. Ils les jettent en haute mer. C'est pourquoi, dans la région de l'Ouest africain, si vous voyez dans la région ouest africaine, notre plateau continental est tellement bas, mais ça fait que les baleines de toute l'Afrique de l'Ouest sont garnies vers chez nous, vers notre côte, parce que c'est là-bas qu'on jette les humains. Et les baleines aiment ça. À 4h du matin, ils les mettent dans les trucs. Il faut arrêter ça. Des gens qui disparaissent là parce que vous ne voulez pas voir les traces. Arrêtez ça. Ça, c'est depuis le peuple souffre de ça depuis 58. Il y a plus de combien de millions morts, des gens morts. Si on avait mis à contribution, ne serait-ce que la moitié de ces gens ne sont morts pas du fait de l'injustice, on aurait construit notre pays aujourd'hui. Mais quand quelqu'un donne son opinion, on dit, ah, lui, il veut quoi? Mais plus, je veux mon pays. Si vous braquez contre moi, moi, je veux mon pays. Je veux la réussite de mon pays. Là, si quelqu'un me posait une question, je répondais comme ça. Et gare à vous. La chose continue comme ça. Si vous n'écoutez pas, si vous ne faites pas machine arrière, un bloc va être né. Il va être appelé le bloc contre l'injustice. Un bloc contre l'injustice. Il est là. Il va reprendre tout. Donc, je vous dis et je vous répète. Et tout ce que j'ai dit m'engage personnellement. Ça n'engage pas X, ça n'engage pas Y. Ça n'engage pas M. Camara, ça n'engage pas... Je partage l'idée. Nous sommes dans un monde moderne. Yeah. Nous pouvons nous exprimer du média de notre choix. Voilà. Moi, je ne m'exprime pas sur n'importe qui. Parce que les gens, certains, ils le font pour leur propre argent. Non. Moi, je m'exprime pour des gens qui sont engagés pour un combat patriotique, un combat national. Donc, en gros, ce qu'on a vu, pour l'instant, ça ne convainc pas. Ça ne convainc personne. Regardez seulement, c'est pas moi qui l'ai dit, regardez la pratique, regardez la liste des membres du gouvernement. Vous avez combien de pourcents des gens qui viennent d'une communauté? Beaucoup. Regardez 80%. Les ambassades, les représentations diplomatiques, oui. Les conseillers militaires, les conseillers dans les ambassades. Regardez la liste des directeurs nationaux, les adjoints. Les préfets. Regardez la liste des préfets, des gouverneurs, etc. etc. Oui. Mais on est où là? On est où là? Je comprends pas. Donc il faut faire machine arrière, il faut pas aller chez ce cliché là, c'est pas bien. Heureusement pour vous, vous avez fait un an au moins d'exertion. Ça suffit. Si c'est le chaîne de fond pour de l'argent, je pense que certains sont riches aujourd'hui. C'est bon. Mais de grâce, faites la bonne chose pour que le pays retrouve le chemin de la liberté, de l'égalité et de la justice. Sinon, il y a de nobles Guinéens, de bons patriotes qui vont déclencher tout de suite la lettre rouge. Et quand ça va se déclencher, ça va être vraiment mal. Ça va être vraiment mal, mais le pays retrouvera ce qu'il a longtemps cherché. Donc voilà. Moi, je ne peux pas donner l'appel pour quelqu'un qui n'est. Je ne peux pas donner un appel pour quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne comprend pas. Donc, voyez-vous, je ne peux pas conseiller quelqu'un qui ne comprend pas. Je suis déjà, parce que moi, je ne peux pas être. Je ne suis pas là pour dire. Je ne suis pas un homme faible. Donc, donner des conseils, non, je ne donne pas des conseils. Je te dis la réalité parce que c'est engagé pour ça. C'est à toi de prendre ce qui est bon pour toi. Pour moi, ce qui est bon, je vous dis et je vous invite à faire machine arrière. Oui. Vous avez fait pleurer beaucoup de gens de manière injuste. Oui. Combien de gens sont détenus en prison? Il n'y a même pas de justice, rien du tout. Arbitrairement, oui. Il n'y a pas d'infraction même. Hein? Alors que quand tu prends ce portefeuille de la justice, on te dit que l'infraction, dans une infraction, il y a trois éléments constitutifs. Il y a l'élément légal, il y a l'élément matériel, il y a l'élément moral. C'est-à-dire que l'élément légal, c'est-à-dire que ce pourquoi on t'a pris, il faut que ça soit écrit dans un code qu'on appelle le code pénal. Et là, pour te poursuivre, il faut que ça soit mentionné dans le code de procédure pénale. L'élément légal, c'est ça. L'élément matériel, il faut que la faute soit vue, connue. Il faut qu'il y ait des preuves qui prouvent que c'est vraiment. Concrète. L'élément moral, il faut que vraiment psychologiquement, toi-même, tu sais, on découvre que vraiment ce que tu as fait, psychologiquement, ça te bat moralement. Ça t'abat moralement. Toi-même, tu connais, tu comprends que tu as fait une faute. Et la loi te dit que même si un des éléments la manque, c'est pas une infraction. Pourquoi vous mettez les gens dans le doute, dans les prisons, les citoyens qui sont normaux, qui sont pas des... Non, arrêtez ça. Arrêtez ça.
Il faut pas continuer avec ça parce que, ouais, vous savez, on peut pas conduire le pays comme ça avec un truc de, c'est débile, ça. Franchement, c'est débile. C'est débile. Donc, mais s'ils font pas attention, ils verront ce qui va se faire dans un court instant. Et je ne dis pas, je dis dans un court instant, ce qui va se faire. Continuez à exercer votre injustice là. Et ceux qui font la propagande pour le retour de Alpha, c'est bon. Bienvenue. La République, c'est à tout le monde. Voilà. Très Je n'ai bien, même pas de commentaire par rapport à ça. très bien. J'ai pas fini parce que je vais rester dans ce contexte-là. Et qu'est-ce qu'on doit mettre aujourd'hui pour amorcer le véritable développement économique et social dans notre pays? Ça, c'est ma Ah. dernière question pour vous. Alors, pour amorcer le véritable développement dans notre pays, vous savez ce qui est, vous savez ce qui doit être fait. Oui. Pour amorcer, puisque nous sommes dans un régime de transition, Oui. il faut profiter de ce régime-là pour que on tire les leçons du passé. Déjà, on a déjà tiré les leçons du passé. Il faut revoir, il faut écouter les gens. Il faut écouter les partis, il faut écouter les gens, tous les acteurs majeurs. C'est-à-dire Mais ouvrir un espace de dialogue. il faut ouvrir, c'est ce que je veux dire, il faut ouvrir un espace de dialogue. Mais le dialogue, il donne quelque chose, pas, le dialogue donne toujours quelque chose de moral. C'est-à-dire que ça te pousse à agir. Donc, pour agir, il faut que vous fassiez très rapidement que possible le fait d'une loi qu'on appelle la loi constitutionnelle. Parce que personne ne peut aller de manière illégale comme ça. Personne ne peut faire une démarche illégale. Tout ce qu'on doit faire, ça doit être fait dans le cadre de la loi. Donc, on ne peut pas continuer comme ça dans le flou. Donc, il faut remettre tout de suite la question de la loi, mais la loi constitutionnelle. Après, on commence à bouger. Vous avez dialogué, vous savez au moins les potentiels des ressources humaines. Vous ne pouvez pas évoluer dans un pays en ne considérant pas vos ressources humaines. Moi, je me force à le dire. Quand les gens ont des responsabilités, il ne faut pas trop penser à tes communes, à tes communautés là, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ne valent absolument rien là-dedans. Non seulement ils ne connaissent rien, Rien. mais c'est aussi c'est des pourritures, c'est des voleurs de la République. Et pourquoi vous allez vous enfiler Mentir. avec des gens comme ça? Soi-disant, regarde le Sénégal ne travaille pas comme ça. Non. Macky Sall, il n'est pas Wolof. Mais quand on a comparé, on a dit non, il faut le prendre, il faut le prendre. Il faut arrêter des choses comme ça. Il faut tenir compte de la Je qualification ne des sais gens qui connaissent, il pas. faut les inviter à aider. C'est une république. Ça ne va pas avec l'exclusion. Vous ne pouvez pas exclure les gens parce que non. Quand tu leur donnes des trucs, ils vont nous connaître. Hein? Ils vont nous connaître? Vous ne pouvez pas vous adresser comme ça à vos compatriotes. Donc, je l'ai dit, l'État, c'est ça se compose des territoires, des populations, des pouvoirs publics. Il faut mettre chacun dans sa place. Il faut organiser une administration cohérente, une administration qui va au service de la nation, pas une administration dans laquelle vous allez vous servir. Non, on ne peut pas mettre une administration pour se servir. On doit mettre un service au service de la nation, une administration pour tout le monde, pour que le pays puisse avancer. Recruter les bons. Vous connaissez les bons. Vous connaissez les bons cas. Tout le monde, chacun se connaît en Guinée. Chacun se connaît en Guinée. En tout cas, si ce cadre-là, il est fait, mais il ne peut pas être fait si la bonne volonté n'est pas là. Voyez-vous, c'est une question de volonté. Par exemple, votre question, vous l'avez mal posée. Si vous m'avez dit, Monsieur Touré, vous, à votre place, ou vous êtes à la place de ces gens-là, qu'est-ce que vous allez faire pour le pays? Voilà, ça, c'est une question concrète. Parce que je ne peux pas. Vous comprenez? Ça, c'est une question. Voilà, moi, je peux te dire, en 3 mois, je fais ça. En 6 mois, je refais ça. En 9 mois, je refais ça. En 12 mois, j'ai réorganisé des choses. D'abord, en 6 mois, j'ai représenté le fichier, le recensement du fichier. Tout est clair. Tout est clair là-dessus. Tout est clair. J'ai fixé la date des élections. Et si je suis là, le jour où les élections vont se passer, ce jour-là, à 22h, ou à 20h30, c'est l'heure du journal, non? 20h30 là-bas, l'heure du journal là-bas. J'ai dit que les résultats des élections. Parce qu'aujourd'hui, ça se cache pas. Celui qui cache, c'est celui-là qui veut voler. Moi, je ne peux pas cacher je peux pas faire une semaine pour dicter un résultat national. Ça n'existe pas, ça. Aujourd'hui, il y a l'Internet partout. Aujourd'hui, on peut copier les. Tu vois, il faut pas dire. Des gens qui ont toujours fait ça pour garder les élections, les résultats des élections, une semaine, c'est de la magouille. C'est du vol. C'est du favoritisme. C'est des façons de faire des calculs. C'est comme ça qu'ils ont fait en 2010.
Ils ont mis celui d'Alain avait gagné 100%, ça c'est la réalité. Mais ils ont fait des cafés de calcul, ils ont mis s'il y a un deuxième. Lorsqu'Alpha Condé s'en est rendu compte, il a dit, OK, si c'est pas ça, on va brûler le pays. Il y a des militaires là, comme des Bunduka là, qui sont partis menacer Sekouba, des choses comme ça. Faut arrêter ça. Les Djamines, arrêtez ça. Des nuls comme ça là. Arrêtez ça. Je m'excuse du terme. Donc, moi je suis Premier ministre. Le jour où je vais organiser les élections, ça sera le jour où les élections seront déclarées au journal de 20h30. Parce qu'en Guinée, c'est 20h30. Aux États-Unis, c'est la presse qui déclare les résultats. C'est pas masqué. On dit ce qui est fait. Très bien. On dit ce qui est fait, ce qui est réel. On peut pas inventer tout cas tu veux. Votre mot, dernier mot, monsieur Touré, parce que monsieur Camara, oui. Une question. Uh-huh. Le jour où vous allez poser une question, vous allez dire, à votre place, à la place des gens, oui. Qu'est-ce que vous aurez fait pour le développement? Comme cap, ça, c'est noté. Donc voilà. Donc pour le moment, on ne va pas répondre ça, mais je donne juste quelques guides. Avec quelques lignes de réponse, comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est simplement. Noté. Donc, votre dernier mot par rapport à tout ce qu'on a eu à expliquer, votre dernier mot par rapport à ça. Le dernier mot, c'est de demander au gouvernement de faire machine arrière, comme je l'ai dit, machine arrière, de regarder la bonne copie et de faire en sorte que le pays ne bascule pas dans la guerre civile. Parce qu'on est comme ça à quelques microns de guerre civile. Si l'injustice la continue, l'injustice là, c'est à corriger. Et bientôt, il y aura un bloc contre l'injustice en Guinée. Ce bloc-là, il sera inarrêtable. Je vous le dis, je vous le cache pas. Et je voudrais aussi profiter du temps d'antenne pour remercier les auditeurs. Le débat, il a été long, mais il a été constructif. Donc, comme il fut constructif, pour tous ces temps qu'ils ont perdu, pour écouter tous ces temps-là, moi, je voudrais leur dire, en tout cas, merci. On le fait pour la cause de notre pays. Et s'il y avait d'autres choses à faire, j'aurais fait autre chose. Comme je l'ai toujours dit, pour mon pays, aucun sacrifice n'est de trop. Oui. Donc voilà. Merci. Donc merci à tout le monde. Merci à vous aussi qui avez pris votre temps pour au moins parler de la Guinée, parce que ça ne finit jamais. Non. Compte tenu du volume de bêtises et de tonnes de pagailles dans l'armée, dans la justice, dans l'administration, dans la diplomatie. Toutes ces tonnes de magouilles-là et d'injustices-là, il faut pouvoir les arrêter. Moi, je pense que les gens doivent revoir la copie. Ça ne sert à rien d'avoir ce complexe-là. Si on ne connaît pas, on demande pour ne pas faire des bêtises. C'est pourquoi, dans le gouvernement, on entoure les chefs de l'État par les conseillers. Ces conseillers sont compétents. Tous les actes que vous posez, vous devez regarder l'avis des conseillers pour ne pas faire des bêtises. Parce que souvent, les gens, ils commettent des bêtises parce qu'ils n'écoutent pas. Les gens, ils mettent des conseils seulement. C'est pour décorer l'administration. Ils ne les écoutent pas. Je sais ça. Mais au moins, c'est des spécialistes. Ayez le temps de les écouter avant d'agir. Et puisque ce couturier a cultivé une culture de la peur depuis 58, il faut retenir ceci, que cette culture-là, en tout cas pour nous, les milieux de la basse-côte, cette culture-là, pour nous, ça n'existe pas. Voilà, pour nous, c'est quoi là? Voilà, c'est zéro ça. Merci. Il n'y a pas de culture de peur chez nous. Nous disons ce que nous pensons bon pour notre pays. Merci. Donc sur ces mots, je vous dis encore une fois, merci pour tout le merci. Que vous avez fait à cette interview. Merci Monsieur Touré, IST. Merci les auditeurs. Encore une fois, merci les auditrices. Et croyez-moi, ça va aller dans notre pays. Et avec les techniciens, les patriotes, les vrais Guinéens, pourquoi pas? Venez, c'est votre pays, c'est votre plein droit de défendre efficacement la Guinée. La Guinée a tant souffert. Quotidiennement, ça ne va pas. On ne sait pas pourquoi. C'est avec les illettrés réunis dans notre administration qui ne fabriquent que de la mensonge, ça ne peut pas nous... C'est-à-dire, il faut qu'on arrête ça. C'est ça la vérité. Choisir des personnes qu'il nous faut, des compétents, des vrais techniciens. Sans les techniciens, on ne pourra rien résoudre dans ce pays. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Stay. Yes, stay.
mental, son idée, ses propos, 100%. Ouais, c'est la Guinée qui gagne. Merci encore, monsieur Ibrahima Sori de Touré IST. Merci et bien de choses à toute la famille. C'est la Guinée qui gagne, hein? Oui, voilà, alphabet. D'abord, on a eu émission Bala. Je terminerai par dire ceci. Le mal que la Guinée n'a pas à ce tour, c'est d'avoir Alpha comme président en Guinée. Et son clan. Un. Deux. C'est-à-dire larguer. C'est-à-dire prendre ou inscrire Sékouba Konaté dans l'armée guinée. C'était une erreur. Deux. Avoir Idi Amin dans l'armée guinée. Parce que c'est des gens nuls non avenus. Ne réfléchis pas. Il fait faire à Dounia Marek Bafaré Nambé. Regardez, de 90 à nos jours, de 85 à nos jours, Enamindé, zéro, avec leur magouille, avec leur méchanceté, avec leur quoi que ce soit. Le pays est là, ne bouge pas. Tu viens seulement au pouvoir, on t'élimine, on te tue, on te détruit. Qu'est-ce que cela va donner à la Guinée? Et ensuite, il faut dire à Kenyoko que ce Soumangé dit une fois encore, il va tout perdre. Il paraît qu'il a démoli, whatever, ce Lansana Conté. Kenyoko, tu vas tout perdre. Croyez-moi. Parce que y a une action modèle dans la barre de la Guinée. Qu'elle fait ça autour de la Fao Wain. Et Miri Fara érasé Tongo. Miri Fara est érasé là. C'est les mêmes personnes qui sont là devant nous, qui fonctionnent, qui ne veulent pas que ce pays avance, progresse, se développe. Mais tout sera restitué, comme l'a dit de mon frère. Et cela doit être clair pour Lansana Kouyaté et son clan. Et Komora, est-ce qu'ils peuvent nous expliquer comme ça, techniquement, ce qu'on doit mettre en place pour relever les défis de notre pays? Non! C'est des gens, des bavards qui viennent seulement s'arrêter devant la caméra. Oh, yeah, yeah, yeah. No, we don't need that. That's bullshit. We don't need that. Moi, non, non. Moi, ma mère, non, qui peuvent nous donner des explications concrètes. Tu invites celui d'aller aujourd'hui, t'expliquera la même chose. Tu invites M. Touré, Sidia Touré, la même chose. Très simple. Mais. C'est Fanieri. Alors, Allah Yi Borifan, encore une fois, Wunwali, Allah Braifiouma, et partagez Allah la Guinée là, Monsieur Touré, du courage. L'Ore Birinara, la Tanei, la Guinée Kéwame, Ikura Mefe, Ika Iensuri, Kagbeta Fanana, Naralu Raloui, parce que j'ai deux personnes ici, vraiment compétentes, respectueuses. Donc, je prie, je lance un appel auprès de tout un jeune technicien. Venez consulter. Mais pourquoi pas? Vous êtes libre de venir expliquer, donner votre point de vue par rapport à la situation actuelle dans notre pays. Mamadi, you stupid. I'm telling you, you are stupid. Bye. J'assume tout ce que je dis devant qui que ce soit. Je dis bien, notre objectif, c'est de rendre ce pays gouvernable. Parce qu'on est affaire avec des rebelles. Alpha, Mugbilema, du pouvoir. Moi, mon combat reste intact, clair. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je dis la Guinée. C'est Alpha qui nous a mis dans tout ça là. Après 40 ans, c'est même honteux de dire qu'est-ce qu'il fout, est-ce qu'il a besoin de sortir de la Guinée? Non. Pourquoi la force spéciale? Non. C'était pour garantir les sales boulots que Mamadi est en train de faire. Rien. C'était pas pour l'intérêt de la nation.
La force spéciale, c'était juste uniquement pour garantir Alpha au mandat à vie, au pouvoir à vie. Alors, s'il vous plaît, respectez votre pays quand même. Respectez votre famille quand même, c'est-à-dire la Guinée. Comme on aime dire la Guinée, c'est une famille, non? Mais c'est une famille, on tue les autres ethnies de l'autre côté. Ça veut dire quoi ça? C'est être stupide, c'est décevant. Idi Amin, vous allez voir de vrai, vous allez comprendre ce que vous avez mis en place, une machine que vous avez mis en place contre les Guinéens. C'est pas bon. Ça n'avance pas. C'est pas un progrès. Et vous allez continuer à mettre encore le pays dans les merdes, dans la pauvreté. Prendre l'argent. Pourquoi créer, recruter les gens? Le pays n'est pas en guerre. Non. C'est une armée de surveillance, comme l'a dit de mon frère. Pourquoi? Juste pour vous maintenir au pouvoir, comme l'a fait Alpha. Alors, pire que la qui borima. C'est pourquoi moi, t'as mon mérite de défendre Fébé. C'est ce monsieur, la Guinée a intérêt, moi, c'est pas notre problème. Grand merci encore à monsieur IST. Je vous remercie. Que Dieu bénisse ce pays. C'est grave. Il fait que l'on fait ton dit. L'ancien a couillé, né ou couvert dans tout le feu. Avec son âge là. L'explication que le monsieur vient de nous enseigner là, nous donner là, pardon, ou l'ansana kouyatere là, nous comorare, non, mais qui n'a encore l'on rendre, ça dit, un gouvernement parallèle pour aller constituer un gouvernement de parallèle contre nos mines, contre nos ressources minières. C'est ça. C'est ça, pas autre chose. Rien que ça. Des malhonnêtes comme ça là, des religieux escrocs, lâches. C'est clair. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Quoi? Ou bien, Mamadi Mire Farafé devant vous, pourquoi vous m'intervenez? Vous êtes des lâches. Je vous remercie.